Et bonsoir, normalement on de retour sur le micro euh, classique UM1. Donc là normalement on devrait être plus tranquille. Euh, j'ai plus de micro-cravate parce que j'ai pas prévu de, de faire de la bricole ce soir. Euh, et puis c'est déjà pas mal. Euh, donc ce soir on s'occupe des interphones. Hein, donc euh, euh, Ah le stream est pas transco, Ah merde. <laughs> bah, c'est le problème d'être. Euh... On peut redémarrer le stream au besoin. Hein. On sait jamais, des fois que. Mais bon, ouais, non. Problème d'être affilié. On n'a pas accès au transcoding. Et donc là, c'est du 1080p euh, 30 fps je crois. De mémoire. Bon alors est-ce que le son va bien La musique de fond est pas trop fort, tout va bien. la ouais, suite de code, quand c'est écrit tout petit, ça je suis totalement... Euh, je compatis totalement Yonner. Donc bonsoir Little Dag, bonsoir VPedro, bonsoir Yonner. Là, on va commencer à s'attaquer donc ce soir aux interphones. Donc comme je dis, j'ai pas prévu euh... ouais, les connexions à de campagne. Ouais. Bah, pff, la solution ça serait que je passe partenaire, mais c'est un peu contraignant. Euh... Enfin un peu trop contraignant, j'ai pas encore du tout les, les stats pour... Donc on verra si ça, si, comment ça évolue en termes de, de chaîne Twitch. Euh... Euh, bref, donc ça, bon, voilà. C'est vrai que pour ceux qui ont des petites connexions, c'est un, petit un petit peu limitant par rapport au code. Euh, bref, donc oui, ce soir, on s'intéresse. Euh, on va démarrer le, le serveur VoIP qu'on devait démarrer déjà il y a deux semaines. Maintenant que les interphones sont à peu près opérationnels. Alors je dis à peu près parce qu'il y a deux, trois petits réglages à faire sur le niveau sonore du micro, mais franchement, c'est vraiment une broudille par rapport au problème que j'avais avant. Donc je vais régler ça. Euh... Euh, certainement durant un autre stream, euh, quand on mettra tout ensemble sur la fin. Euh, là, on va commencer à s'intéresser un petit peu au gros du truc qui est bah, de créer le nœud central sur lequel les éléments vont venir se connecter. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Euh, pour l'instant, j'ai déjà un firmware qui envoie des datas euh, pas formatées, etc. C'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire euh, aujourd'hui. On va aussi certainement toucher un petit peu tout ça, mais aujourd'hui, on va faire principalement de la conception, notamment de la conception protocolaire. Euh, c'est-à-dire quel est le protocole VOIP qu'on va utiliser, etc. Et on va aussi euh, voir notamment un début d'implémentation pour le serveur avec euh, la techno qu'on euh, bah, qui, qui sera utilisée. Quoi. Donc est-ce que je développe ça en C, est-ce que je fais ça en C ⁇ ou en Python euh, Bref, il va falloir qu'on qu teste tout ça et qu'on voit ce qui, peut tenir, euh, ce qui peut tenir le coup euh, pour, le, euh, comment dire, pour le traitement de signal. Donc effectivement dès qu'on parle de très bon on parle de perf, donc Python c'est pas forcément notre, notre copain dans ce cas-là. Bonsoir Fritz, bonsoir le Donc voilà, donc j'ai installé... Euh... Bon, je sais pas si on verra ce que du coup je crois que j'ai mis en place un truc sur l'atelier mais c'est tellement sombre que voilà. Donc là j'ai mon petit téléphone qu'on a bidouillé la dernière fois, que vous pouvez voir ici. Donc euh, Avec un peu le bazar ambiant, mais bon ça c'est... J'ai un petit peu nettoyé, donc c'est un peu moins le bazar que d'habitude. Mais voilà, donc grosso modo, on va se baser là-dessus et commencer à dev. Donc ce soir, c'est du live coding principalement et du live design. Donc on va pas simplement euh, coder, on va aussi concevoir le software de, de VOIP. Alors vous me direz, oui, tu aurais pu prendre un truc standard, etc. Euh, Peut-être. Euh, mais faire du, euh, du CIP par exemple, c'est pas forcément le, le truc le plus, le plus simple à faire. Sachant que je ne peux pas gérer 40 000 connexions TCP ou 40 000 connexions UDP. Donc, on va essayer de faire ça au plus simple. On va se concevoir un petit protocole maison et euh, puis on va voir si ça peut tenir la route euh, sur la partie euh, communication. L'idée, c'est de prioriser vraiment le, le flux de data. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le programme de ce soir. Donc, il euh, bah, va falloir commencer par le commencement c'est-à-dire, euh, je vais faire un petit schéma de, bah, de ce que je dois faire à savoir notamment euh, quels sont les éléments en place, les interphones, comment ça va communiquer avec le serveur et autres. Et puis on va faire un petit cahier des charges pour le serveur. Et euh, on verra ensuite les étapes suivantes euh, qui seront bah, de voir notamment ce qu'on souhaite faire sur le serveur VIP, euh, qu'est-ce qu'il faut implémenter comme fonctionnalité, et ensuite euh, peut-être orienter sur un langage ou un autre. On n'est pas à l'abri de faire un petit vote pour le langage, mais bon, j'ai peur de faire un vote pour le langage, parce que je me dis que si je mets des langages un peu bizarres, vous allez aller directement sur cela juste pour me faire chier. Donc, on verra bien. Euh, bonsoir, Matt. Donc, euh... oups, le micro. Ouais. En Perl, ouais, ben voilà, c'est ce que je disais, ouais. ouais. Mm. Et vous voulez pas que je fasse ça en Cobol ou en Fortran, même Donc non, je préfère pour des raisons de, de, de performance, rester sur des langages que je maîtrise. Euh, parce que je vais pas le faire en, en, en Go, par exemple. Euh, ou en... Ou en Rust, ou genre de choses. Euh, c'est pas forcément le, le but. Euh, moi, je serais bien pour le faire en C, parce que c'est un truc que j'aime bien, le C. Euh, ça, euh, ça ferait plaisir à Tix, hein, s'il passe sur des replays. Euh, enfin voilà, bon, à voir. Donc, euh, pour faire simple... Bah, on va faire ça correctement. Donc je vais basculer ça du coup sur ce bureau là pour vous garder à l'œil. Euh, Fox Pro. Hum, non, peut-être pas quand même. Et on va commencer à faire un petit peu de, de schéma. Donc euh, <coughs> pour ce, ce projet là, donc là ce qu'on a terminé euh, la semaine dernière, c'était euh, les interphones. Donc là typiquement on a euh, un téléphone. On va faire ça très sommairement. Hop. Tac. Donc, on a un téléphone qui est connecté à un, un boîtier, à un SP32 pour être précis. Donc, ça, c'est le SP32. Donc, c'est techniquement ce qu'on a. Hein. <laughs> Je ne faut pas des détails de, de connexion ou autre, hein. enfin, des, des branchements de fil, mais c'est clairement ça. Donc, on a un sp D'ailleurs, j'écris super bien, mais 32. Donc, ça, un SP32. Et euh, cet SP32 euh, communique en wireless. Donc, euh, on a une connexion qui est faite ici entre le SP32. Avec un serveur qu'on va devoir euh, déterminer. Donc, ça, c'est le serveur VOIP. Et de l'autre côté, on a aussi un autre téléphone de, du même acabit. Ah, ils sont magnifiques, mes téléphones. Hein. Euh, tac. Qui, lui, est connecté à un autre SP32. Et potentiellement, on peut en avoir plus d'un. Hein. Plus de deux, même. Pardon. Donc, là, on a sp 32 Et tout ça, ça communique encore une fois via Wi-Fi. Donc, là, hop. Donc, ça, cette partie-là. C'est la connexion Wi-Fi. Ça, c'est pour la petite légende. Euh, bonsoir, maître Ujibus. Euh, du coup, voilà. Donc, ça, c'est un peu le, le mode opératoire que l'on a. Donc, il euh, y a un service qui tourne sur un port qui, est le serve enfin, qui correspond au serveur VEIP. Et bien sûr, chaque ESP32 va venir créer une connexion euh, du firmware qui tourne là-dessus à ce serveur en passant ici par la partie Wi-Fi. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est quoi bah, L'idée est relativement simple. Tout ce qui rentre par le MIC de celui-là va transiter via la connexion et va ressortir par le HP qui est ici. Et tout ce qui rentre dans le micro de celui-là va passer par la connexion et ressortir dans le HP de celui-ci. Donc quand on n'en a que deux, c'est relativement simple en fait. Il faut juste faire une communication bidirectionnelle et s'assurer que les échanges vont dans un sens et dans l'autre. Le problème qui va se poser, c'est que à terme, j'aimerais bien mettre plusieurs. Euh, hop, si on veut en rajouter un troisième, par exemple comme ceci, hop. Tac, et que tous soit interconnectés bien sûr on va pas se faire suivre avec des numéros parce qu'on va pas faire un stand de VoIP complète hein, c'est pas le but. Euh, ici on a un autre ESP32 et en fait ce que j'aimerais bien typiquement c'est que maintenant quand on en a trois, et eh bien que si jamais il y en a un qui décroche, ça fasse sonner les autres et euh, qu'à côté de ça, eh bien on ait une connexion qui passe aussi par le wifi mais pas que, ça peut être par internet ou autre, on peut très bien envisager ce genre de ce genre de truc mais bon là on va dire qu'ils sont tous connectés sur le réseau wifi euh, et que du coup quand on a Quelqu'un qui parle dans le micro ici, et eh bien que du coup, ça soit répercuté à la fois sur le HP de celui-ci, mais aussi sur le HP de celui-là. Donc avec un dispatch en fait, euh, et que euh, lorsque celui-là parle aussi dans ce micro, bah que ça sorte aussi sur cet HP ici. Hein. Et mieux, si jamais il y a deux personnes qui parlent en même temps, c'est-à-dire si jamais on a euh, le micro du premier combiné qui parle et le micro de celui-là qui parle, et eh bien qu'on ait un mix des deux qui arrive dans les haut-parleurs de celui-là. Mais ça, ça devient un peu plus compliqué en tout cas. Euh, ouais donc ça c'est on peut faire du bah, c'est du broadcast ouais, principalement euh, et donc ça veut dire quoi ça veut dire que la tambouille qu'on a de, de serveur VoIP ici et eh bien elle a plusieurs choses à gérer il faut qu'elle gère bien sûr les connexions donc ça je pense que euh, la gestion des connexions ça c'est évident et il va falloir aussi qu'elle gère ce qu'on appelle le signaling autrement dit qu'est-ce qui se passe quand on décroche ou quand on sonne etc et, et il va falloir qu'elle gère aussi le mix de la voix c'est-à-dire ici, comment on fait, par exemple, pour prendre un signal qui vient d'un micro, un signal qui vient d'un micro, combiner les deux pour en faire un seul signal, qu'on broadcast sur, tout le, sur le reste. Donc là, typiquement, euh, dès que j'ai du son qui rentre dans le serveur par ici, du son qui rentre dans le serveur par ici, il bah, faut le dispatcher aux autres. Euh, tout ça en combien de temps, Fritz euh, Là, on est parti pour du dev sur plusieurs semaines, hein, pour, pour implémenter ça. Je pense que ça peut aller assez vite, si c'est pas trop complexe au niveau design. Mais euh, grosso modo, euh, l'idée c'est de faire ça assez rapidement. Après, en soi, les données audio, c'est des samples qui sont envoyés. Euh, c'est la PJSIP, la démo PJSUA de PTD. Ouais, non, non, mais euh, je pense pas qu'on va partir sur des langages un peu trop ésotériques, hein, clairement. Allez, bonsoir Fian Minimis. <sighs> ah, du coup, tout ça en combien de temps ben, Je sais pas, hein, on va fixer ça. Mais là pour l'instant, le but de ce soir, et je pense que ça sera déjà pas mal, c'est d'arriver à, à mettre en place le serveur, c'est-à-dire voir un petit peu. Euh, euh, faire la structure de base, l'architecture la, la, d'une certaine manière du serveur, euh, du serveur VIP, voir un petit peu les fonctionnalités, se monter un petit cahier des charges, et à partir de ce cahier des charges, eh euh, qu'on puisse commencer à développer. Quoi. Mais euh, ça suppose qu'on ait un, un, Du coup, qu'on se fasse un cahier des charges. On, on va être obligé de se faire un cahier des charges pour pouvoir euh, fonctionner correctement et, et développer correctement. Et ce cahier des charges, du coup, je ne l'ai pas fait encore, et on est en train de le faire. Donc là, typiquement, voilà, j'ai fait une, une petite synthèse en tout cas de, de comment je voyais les choses. Euh, alors, typiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si on part sur d'un VOIP classique, hein, pour ceux qui connaissent un peu euh, tout ce qui est VoIP standard, hein, on retrouve notamment du SIP qui sert notamment au signaling, à l'établissement de session, et puis après, généralement, on a du, du RTP ou RTSP euh, qui permet de faire la transmission euh, au niveau des, des flux audio. Euh, ça veut dire deux canaux de communication, un pour le, le signal, dire qu'un tel appel à Intel, etc. Et un deuxième pour le, la, la transmission de la voix. Donc ça, c'est, euh, c'est pas vraiment envisageable parce que je suis pas sûr que la gestion des, des connexions concurrentes dans le setup, dans le setup ESP32 qu'on a actuellement, soit, euh, soit efficace. Serverless, non, je vais pas faire de serverless. Simplement parce que j'y connais rien. en Serverless, et que ça dépasse mes capacités. Donc là, au niveau compétences, je sais faire du serveur, euh, du serveur Socket C avec euh, notamment du pas de haute performance, mais euh, du, des sockets non bloquants, tout genre de choses, ça pourrait être intéressant de, de bosser là-dessus et, et de voir ce qu'on peut donner. On peut très bien aussi envisager de faire ça en C, hein, j'ai pas de problème à, à ce niveau-là, euh, avec euh, bah, la possibilité après de faire des, des classes, etc. Et peut-être au niveau modélisation, ça serait peut-être plus simple d'ailleurs en C, je sais pas. Au niveau perf, on serait assez proche de ce qui est en C. Et puis vu que ça tourne sur un PC, on a les contraintes de mémoire ou autres qu'on avait sur le, le dev sur OSP32, tel qu'on l'avait sur la, la Aquatch par exemple, on ne les a pas ici sur le, sur le dev de ces serveurs. Donc euh, bah voilà, c'est pas mal. Donc, connexion, signaling, mix-voix, euh, on pourrait envisager des effets de voix aussi, enfin euh, tout ce qui est DSP. Hein. Donc le mix-voix ici, c'est le traitement de signal qu'on va pouvoir effectuer. On pourra aussi faire du filtrage par exemple sur les voix, pour éliminer tous les parasites, tout genre de choses. Et euh, faire un fil passe-bas, ou ce genre de choses, histoire d'être sûr de garder que les fréquences vocales, et, et éliminer les, les petits parasites qui peuvent se greffer sur le, sur le système. Mais bon, dans un premier temps, clairement, ce qu'il va nous falloir concevoir, euh, c'est un protocole de communication pour savoir bah, qu'est-ce qu'on envoie et euh, comment on l'envoie, dans quel sens, euh, qu'est-ce qu'on qu qu met dedans, etc. Donc là typiquement je vais me rajouter une première page, une prochaine... enfin une seconde page. Et dans cette seconde page on va bosser en fait de, le proto euh, de communication. Donc l'idée ici c'est qu'on doit faire du multiplexage, enfin du multiplexage, hein, on doit faire du mix entre signaling. Donc le fait qu'on puisse indiquer qu'on a décroché ou pas. Donc, il va falloir qu'on fasse un mix entre signaling et euh, voix. Et donc ça veut dire grosso modo que quand, quand quelqu'un décroche un des interphones, il faut que ça fasse sonner les autres. Et que euh, lorsqu'on décroche un interphone qui est en train de sonner, eh qu'on puisse récupérer la voix. Euh, donc idéalement, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un moyen dans un protocole de communication, en rajoutant assez peu de surcharge, qu'on puisse euh, transporter cette information. Donc je pensais à un genre, à un genre de choses un euh, genre de truc donc typiquement on se met au niveau des data qu'on envoie on se met un header qui aura plusieurs rôles suivi de la, de la um, data voix donc ça c'est la data audio en fait hein, euh, qu'on a comme ceci hey bonsoir à vous tous comment ça va D'ailleurs, d'ailleurs j'ai pas changé la zic moi je suis encore sur une musique de pourrie euh, de, de lancement de stream. C'est pas bien ça. Hop, on va se mettre une petite musique euh, de laquelle j'ai pas mis depuis longtemps. Hum, Celle-ci, je crois. Et voilà. Boom. Oh. <laughs> eh ben merci, merci de passer. Donc là nous on fait un petit boulot sur euh, un projet qui s'appelle euh, l'Interphone Wi-Fi. Donc euh, on a bricolé des vieux téléphones comme ceci. Euh, non, ce pas ça. Hop. Après je fais n'importe quoi dans mes, dans mes scènes. On a bricolé ces, ces vieux téléphones donc, pour entrer des de, de connecteurs en wifi et là on travaille sur la partie serveur qui va permettre de les connecter. Ah, bonsoir Albinton donc voilà, donc, on est arrivé au dev, du... enfin à la conception du protocole de communication. Donc, euh, hop, un truc à cadran, ouais, c'est ça, un vieux téléphone à cadran que j'ai récupéré sur des vides-greniers et que je suis en train de reconvertir en interphone pour la maison. Euh, un projet qui devait se faire fin d'année dernière et qui a pris beaucoup de temps, parce qu'on est en août, en août, quasiment début septembre, et j'ai toujours pas fini. Hein, donc... <laughs> Mais bon, vu qu'on avance ça en live, à raison de, de un live par semaine dessus, ça avance pas aussi vite que prévu. Donc, je disais, pour le proto de communication, du coup, on se met un header euh, de la donnée voix, donc la data voix qui va être envoyée, et c'est tout. En fait, pas plus, on ne sait pas plus compliqué que ça. Ça sera largement suffisant, et on s'arrange pour que le signaling se passe dans le header et que la voix passe à ce niveau-là. Comme ça, ça permet d'envoyer les temps en même temps et on peut savoir quand est-ce que ça sonne. Donc grosso modo, dans le, dans le header, qu'est-ce qu'il nous faudra Idéalement, il nous faudrait ce qu'on appelle un marqueur, c'est-à-dire en fait un, 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 une petite donnée au début qui dit voilà, c'est bien une donnée, c'est bien un header qui correspond à ce protocole-là. Il va falloir que l'on case aussi dans le header euh, potentiellement donc le signaling, donc c'est-à-dire tout simplement un état. L'état, c'est est-ce que... Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est envoyé, euh, bien sûr, euh, au niveau de... Euh, au niveau du téléphone, donc, euh, notamment par les paquets qui viennent du serveur au téléphone pour lui dire bah voilà, il y a une communication en cours ou il n'y a pas de communication en cours, euh, qui permettront donc, de, de déterminer pour, pour un téléphone en tout cas qui sache si euh, s'il est en état raccroché, par exemple s'il doit sonner euh, pour indiquer à l'utilisateur qu'il y a un appel qui, qui est en train d'être passé, ou euh, s'il est s'il est décroché, qui qu peut envoyer la, la voix euh, dans le, dans le haut-parleur et récupérer le son du micro et le transmettre au serveur. Donc ça, ça va être un état global hein, pour le téléphone, mais c'est géré du coup euh, par, le, par les deux parties. C'est-à-dire qu'en gros, si on revient au, à l'élément suivant, vu que c'est le serveur qui va transmettre les informations ici, euh, le serveur, lui, ce qu'il va dire, c'est quand, quand il va envoyer par exemple des données voix qui reçoit d'autres micros ici, des autres euh, interphones, et eh bien il va indiquer qu'il y a une communication en cours. Donc en fait, c'est principalement un bit qui indique s'il y a une communication en cours ou pas. Quoi. Donc là c'est euh, comme en cours. Mais de toute manière, si on reçoit des paquets du serveur, normalement, il y, y a une communication en cours, je pense. C'est un peu débile comme idée, en fait. Euh, merci pour Follow Networks Breaker. Ah, oui. Bon, la petite pause de 5 minutes, je reviens. Ouais, re, désolé. Les aléas du, de la famille. Il a fallu aller coucher des enfants. On reprend le rythme de l'école. Donc, nous disions, oui, notre protocole. Donc là, typiquement, euh, on disait un marqueur, en particulier ici, pour indiquer que c'est bien un paquet de notre protocole. On va mettre un état pour les communications en cours. Alors, je sais pas si c'est vraiment utile parce que, du tout. En fait, on a là aussi, il va falloir qu'on précise à ce niveau-là aussi la taille des données. Donc on sait. Ah, si, remarque, on va laisser le truc On Bon, c'est peut-être peut pas forcément hyper utile, mais on va le laisser quand même. Donc la taille des données, qu'est-ce que j'écris mal, c'est trop bien. Et puis on va aussi rajouter ici un CRC. Donc c'est une somme de contrôle qui va servir à déterminer que les, les données qu'on reçoit sont correctes. Et euh, normalement, ça devrait être largement suffisant pour faire notre, notre petit bazar. Et idéalement, il faudrait que le header soit assez, assez petit. Donc là, typiquement, ce que je voyais pour le header, c'était un. Donc si j'essaie de, de regarder un petit peu plus en détail sur la partie conception du. Ah, ça t'a des tablette graphique, va-tu fonctionner comme il faut Donc je disais sur le header, euh, j'aurais bien vu un, un marqueur, donc effectivement, en début de tram. Donc ici, un marqueur, et idéalement, je pense sur deux octets pour être tranquille et que ça ne prenne pas trop de place. Euh, ensuite, euh, un état, donc ça c'est un octet max. Parce que l'idéal euh, c'est de mettre ça, enfin l'idéal c'est ça sur, sur, euh, sur un seul bit. Enfin, si on peut le combiner avec la taille des données par exemple, ça peut être possible, mais ça veut dire une taille de données sur un octet. On va peut-être être limité en tout cas pour l'envoi, parce que je crois qu'on est à 4 kilo par envoi pour l'instant. Et euh, il va nous falloir la taille des données. La taille des données, 2 octets, ça serait largement suffisant pour ce qu'on a à transmettre et la capacité qu'on a à transmettre euh, par, le, par le firmware. Et ensuite un CRC. Donc ça veut dire ici le CRC, on va mettre ça sur 1 octet. Le but c'est pas que ce soit un, un checksum complet mais juste qu'on puisse déterminer s'il y a une erreur ou pas qui a été, euh, été envoyée. Et si on regarde tout ça, du coup, en prenant à peu près cette taille de données, on tombe sur euh, tout simplement 6 octets de, de surplus, ce qui n'est pas déconnant. Merci pour ton prime, Bracassé. Euh, faut créer une lampe rouge on air devant la porte. Ouais, Fiat Minimis, bah du coup, c'était aussi une idée de truc à faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et depuis que je suis en télétravail, c'est un truc que je me dis, faut que je le fasse. Un truc qui dit on air. Mais bah, sa Ils savent que je, fais, que je suis en train de, de... Que je suis en live ce soir, hein, donc ils, ils frappaient tout doucement... Euh. Euh, Ferait bien de coucher, mais euh, après, oui, effectivement, pour la partie... Euh, quand je suis, même quand je suis en télétravail en réunion, j'avais toujours pen pensé à ce genre de, de petite euh, lampe rouge connectée, mais il faut voir comment comment faire. C'était un, un truc... Euh, pff, oui, pourquoi pas le faire sur un live ou autre, on verra bien. Euh, J'ai une préférence UDP-tcp. Là je suis parti sur du TCP pour l'instant, euh, tout simplement pour pouvoir détecter les déconnexions euh, au niveau des... Euh, au niveau du serveur. De, euh, tout simplement pour... Euh, j'ai pas observé de grosse latence au niveau réseau euh, quand je faisais UTCP, donc euh, ça m'a pas. Ça n'a pas tellement. Enfin, c'est pas tellement bloquant en soi. Après, c'est juste qu'il y a un petit, no un petit overhead, donc au niveau débit, en tout cas, on n'est pas magnifique en, en TCP, mais euh, c'est vraiment pas bloquant, quoi. Euh, bonsoir, Rebelor. Donc voilà, je vais rester sur TCP pour l'instant, parce que c'est le. En fait, c'est le seul bout de code que j'ai trouvé jusque-là qui, euh, qui marchouillait bien. Euh, sur la communication avec l'ESP32 et j'ai aussi fait des modifications dans le code de, de l'ESP ADF pour implémenter un, un, un truc dans leur pipeline audio, ce qui utilise un, un schéma de pipeline qui est un peu particulier. Euh, j'ai implémenté un, une communication TCP duplex. Et Merci pour ton reçu, Doudam. Euh, donc voilà, ça me perturbe tout ça. Je euh, <laughs> sais plus où j'en étais. Donc voilà, donc clairement, euh, c'est... Je pense que je vais rester sur le, le, ce que j'ai prototypé. Après, passer de TCP à UDP, ce n'est pas vraiment problématique par rapport à ce proto-là. Bon. C'est juste qu'au niveau serveur, on ne pourra pas forcément savoir qu'il y a une déconnexion. Euh. Sauf si on n'a pas eu de paquet de, du téléphone ou de l'interphone, pour être plus précis, depuis un petit moment. Donc, ça, c'est la, la seule contrainte qu'on aura, euh, qu aura là-dessus. Mais bon, si on prend un header de 6 octets, euh, ça, serait, euh, ça serait pas mal, je pense, pour une base de travail. Et ensuite, on met la data. Donc ça veut dire grosso modo que... Euh, hop, je vais effacer ça parce que c'était euh, du, du prototypage. Euh, donc ça veut dire que grosso modo dans les données qu'on va transmettre au serveur, on transmet euh, la donnée voix, chose que l'on fait à l'heure actuelle, et on rajoute 6 octets au début pour dire, ben bah voilà, voilà ce que je t'envoie comme données. Euh, je t'envoie un, une donnée qui correspond à un protocole et voici 2 octets pour savoir que c'est bien ce protocole-là. Euh, je t'envoie un octet d'état qui permettra de, 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 de transporter différents états, pas que le simple fait qu'on est connecté, déconnecté, ou, ou qu'on est décroché, pas décroché. Euh, la taille des données sur 2 octets, donc ça, à savoir qu'une taille de données sur 2 octets, ça permet d'envoyer jusqu'à 535 octets au niveau de la taille. Donc c'est pas déconnant, hein, c'est 2 puissance 16 moins 1 ça. Euh, donc là ça permet d'être suffisant sachant qu'on est euh, actuellement on envoie des blocs de 4 kilooctets, c'est-à-dire 4096 octets. Donc ça c'est dans les, les configs euh, actuels du code en tout cas, du firmware c'est ce qu'on envoie et on a pu voir notamment en testant avec le, le flux que ça, ça suffisait en fait pour récupérer euh, du flux audio euh, correct en tout cas, euh, qui, qui peut être décodé. Donc 65 535 octets c'est pas mal. Euh, pour la taille, c'est de l'argent suffisant. Si on allait en dessous de 2 octets, sur 1 octet, on serait limité à 255 octets pour la trame, ce qui serait trop peu. Donc, c'est pour ça qu'on est monté à 2 octets là-dessus. Euh, en UDP, tu peux faire un keep alive. Alors, oui, en UDP, on peut faire un keep alive, mais en fait, c'est quelque chose que tu as à faire en plus, euh, alors qu'en TCP, c'est directement intégré. Donc, euh, au lieu de te faire suivre, envoyer un keep alive régulièrement avec un, un, un paquet spécial et de mettre un timer qui t'envoie ça régulièrement, euh, la connexion TCP, tu as moyen de savoir qu'elle est tombée directement via le, le protocole de TCP. Donc, c'est géré par une stack qui est plus bas niveau que ton protocole de communication, et donc c'est plus facile. C'est plus, comment dire. Euh, c'est pas que ce soit plus facile, mais c'est plus simple, en tout cas, euh, à utiliser. Après, c'est juste qu'en débit, effectivement, tu perds un peu moins. Mais là, franchement, on fait que de la trans de la transmission de données voix. On n'a pas 40 000 téléphones non plus qui vont communiquer ou autre. Donc, euh, pour un projet comme ça, euh, en hobby, c'est pas vraiment catastrophique de mettre ça en TCP. Euh, en UDP, après, on pourrait, on pourrait switcher après, plus tard, hein, entre TCP et UDP. Euh, le code serait pas trop compliqué à... Euh... À basculer de l'un à l'autre, et euh, si vraiment on a des problèmes de perf, ça pourrait être une manière de le faire après en TCP, ça peut se clore tout seul au bout d'un timeout, non euh, oui bah en fait en TCP, si jamais il n'y a plus de réponse de la partie euh, distante, il euh, y a un TCP timeout, enfin une connection timeout qui se passe euh, et, euh, et ça se clôt directement quoi, donc euh, c'est pareil, T as le même problème et euh, du coup, au niveau système en UDP, il n'y a pas de message qui te dit que c'est déconnecté, donc euh, dans, le, dans le protocole UDP, y a pas de, vu que c'est connection, euh, connectionless, en fait il n'y a pas d'état de, de connexion qui est maintenu ah, bah, du coup, euh, tu ne sais pas si l'autre la, partie est présente ou pas, et quand on voit des paquets tu sais pas s'ils ont bien été reçus ou pas alors qu'en tcp du coup ils sont bien remis dans l'ordre et ils sont acquittés donc voilà pour euh, ces, ces différences là donc c'est pour ça que j'étais parti sur TCP pour me faciliter la vie au niveau du code du serveur mais euh, on verra après que si c'était un bon choix ou pas euh, mais en tout cas je pense que ça ça devrait euh, ça devrait pas être vraiment flagrant en, en termes de différence entre les deux donc, ça veut dire qu'on a un header qui fait 6 octets ensuite de la, de la donnée voix. Donc, ce qu'on va commencer à faire, vu qu'on a un, 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 on va dire un embryon de protocole euh, de communication, et un websocket ne résoudrait pas ça. Euh, comment ça, un websocket ah, Ce que ça veut dire ici, deux canaux de communication, le websocket en plus. Parce que le websocket, c'est juste du socket, enfin, euh, c'est de la communication un petit peu particulière, mais. Euh... Ça permettrait de faire du... un client web, par exemple, pour communiquer avec le système. Mais ça, ça pourra gérer au niveau serveur directement. Je vois pas. Euh, le SP 32 a des ressources très limitées, hein. surtout qu'on passe pas mal de temps à faire le sampling de la voix, euh, sachant qu'on passe par un convertisseur analogique numérique et que bah, du coup, il y a quasiment euh, tout le processing qui est sur, le... sur la partie voix. Euh, si je rajoute des trucs à gérer en parallèle avec des, des, des deux ou trois connexions simultanées, ça va commencer à devenir un petit peu bazar au niveau perf. J'ai peur que ça cause des latences et des, des, des trous ou des, des comment dire de, du son haché au niveau de, de l'interphone. Donc je préfère pour l'instant juste faire un interphone qui se connecte en Wi-Fi, qui crée une connexion TCP, qui maintient la connexion TCP sur le serveur Voip et qui envoie les flux audio et, et qui, les, qui les récupère euh, si notamment le, le combiné est décroché tout simplement et euh, qui ensuite eh bien, euh, euh, laisse le, la charge au serveur de faire tout le mix, le traitement de signal, etc. Euh, plutôt que de déporter trop de trucs dans, le, dans la partie euh, interphone et de que ça pénalise au final la, la, la transmission de la voix. quoi. Donc KDR6 octets, disions-nous. Et puis data voix, du coup, bah, tout simplement, c'est une taille N, et donc ça, c'est à voir par la suite. Il euh, y a ces les notifs Stream Element sur le chat, elles ont deux, deux ans de retard hein. <laughs> par rapport aux abos. Ok, bon, ça arrive. Donc voilà, donc là l'idée c'est de commencer euh, pour l'instant le code principal du serveur de voir quel techno on va utiliser en quoi il sera développé euh, d'entamer de, le projet tout simplement euh, d'un point de vue code et euh, de commencer à bosser vraiment la, la partie euh, serveur TCP euh, qui va écouter qui va gérer les différentes connexions qui va, qui va permettre de savoir combien d'interphones de, 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 sont connectés et qui va ensuite, sur lequel on va pouvoir ensuite élaborer euh, pour implémenter le protocole de communication et une fois que ce protocole de communication sera implémenté côté serveur il faudra aussi le mettre en place côté euh, du, du téléphone pour être de récupérer les datas qui vont bien, etc. Je pense que ça peut être intéressant, justement, de, de bosser, de bosser là-dessus. Ça, ça veut dire, en fait, qu'on va passer dans un premier temps un peu de temps pour développer, euh, pour développer la, vraiment le code de base du serveur et tout l'environnement le, de compilation, donc euh, en fonction du langage, en fonction de, bah, de, de tout ça, quoi, compilation séparée. Je pense que je vais faire ça en C pour être dans la, dans la continuité de ce projet. Euh, mais en C++ ça me botte très bien aussi parce que l'avantage du C++ c'est la modélisation après euh, au niveau du code qui est un peu plus euh, facile à gérer. A la limite on fera ça en C++ ça sera plus simple. C++ ça me botte bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de C++ et euh, ça me permettrait de me dérouiller un petit peu sur le C++. Donc à la limite on va faire ça en C++ ouais. Allez, est-ce que ça vous va si on fait ça en C++ euh, pour, pour changer un petit peu du C que je fais habituellement Ça pourrait être marrant. Euh, du coup on va se faire un genre de, de prototypage, ouais, plus visuel avec les classes, ouais, ouais. Euh, L'avantage c'est qu'effectivement pour la partie euh, modélisation de code ça serait plus simple d'expliquer de, de, le truc. Euh, alors ouais Rust le dis ça me bob pas mal Rust, mais de ce que j'ai vu, euh, Rust, euh, pour en avoir testé un petit peu avant, je suis pas encore assez, euh, assez à l'aise avec les concepts de Rust pour pouvoir développer euh, en live euh, sur du Rust. Euh, c++ c'est vraiment mes, mes, mes langages de prédilection, donc je pense que je vais rester là-dessus pour l'instant. Mais promis, on va, on va se mettre à Rust euh, plus tard. Et je ferai certainement du live coding d'apprentissage de, de Rust euh, pour la forme avec un projet euh, que je vais... Euh, hein, Peut-être basculer un projet en C sur du Rust ou, ou autre et voir un petit peu les, la, comparais enfin, la comparaison entre les paires, ça pourrait être intéressant. Mais bon là, vu qu'on est sur un projet qui est assez simple, qui fait du socket, euh, notamment socket... Euh, quête non bloquante, ça peut être marrant de, de bosser ça avec du C. Euh, Sachant qu'après on a des, des implantations de sockets en C. Alors je sais pas, il y a la lib boost qui doit exister en C, qui permet de faire des trucs sympas. Il faudrait que je me replonge dedans pour voir comment ça s'implémente, mais ça devrait être possible de faire un truc assez, assez sympa je pense en C. Enfin bref, donc maintenant qu'on a le protocole, on va pouvoir commencer à, à construire notre environnement de dev, donc notre notre cœur de projet euh, du serveur, et puis implémenter, euh, commencer l'étape de base. Attends, je vais faire un petit, drone si vous voulez pour ce soir, au moins pour ce qu'on peut euh, dans l'ordre de ce qui nous reste à faire. Donc la première chose à faire, c'est euh, l'environnement de dev. Donc euh, en gros, euh, pourquoi je mets ça Donc l'environnement de dev, c'est plus ça va, plus j'écrypte, ça va pas. Hein. Euh, donc environnement, disais-je, euh, de dev. Donc là, c'est grosso modo. Euh, allez, on va partir sur du C++ parce que parce qu'on est fou. On est des fifous et on va s'amuser avec du C++. Donc C++. Euh, va falloir qu'on voit comment on mec tout ça avec le, le code qui va bien. Est-ce qu'on passe par du, euh, je sais pas moi, par du Cmec ou ce genre de choses. Bref, on va, on va bosser là-dessus. Et donc là, typiquement, c'est euh, IDE plus euh, plus compilo. Hop, comme ça, on met tout ça en place et ça permet de, de coder. Et ensuite, eh bien, on se build, on crée en fait un, un serveur TCP basique qui gère les différentes connexions, ce qui permettra par la suite en 3 d'implémenter le protocole et la machine à état. Donc on va implémenter le proto sur la base de ce qu'on a vu précédemment, hein, c'est-à-dire sur, euh, sur la base de ce proto-là de communication. Hein. Donc euh, on implémentera ça à partir de ça. Ouais, les live apprentissage Rust, j'ai commencé euh, sur mon temps perso mais c'est pas encore super efficace. Après ça pourrait être marrant de le faire en Rust mais le problème de Rust et euh, c'est ce que j'ai ce que j'ai vu quand j'ai commencé à m'y mettre un petit peu, c'est qu'au final il y a plein de bibliothèques euh, qui sont plus ou moins euh, plus ou moins matures. Et Il euh, y a pas mal de types. Il y, y avait un petit même qui est passé, je crois, sur les types euh, string, euh, UINT8, Uint, etc. Enfin, ça, ça devient un peu le bazar et je pense que je ne maîtrise pas assez les, 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 le paradigme, enfin les différents paradigmes que propose Rust pour faire un truc fiable. Donc, je préfère m'en tenir à ce que je sais pour l'instant pour ce projet-là, histoire d'aller plus vite, comme je disais. Mais oui, on va, on va certainement faire des lives d'apprentissage de, de, de Rust parce que c'est un, un langage qui m'intéresse. Euh, je... Après il y a Go, Rush je crois qui se, ba se bataille, mais euh, Rust a, a deux trois petits trucs qui, qui me semblent intéressants. Donc à, à vérifier. Bref, pour l'instant, ça sera du C. Du c++. Et donc après on implémente le protocole. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis en place le protocole, à la fois dans le serveur et dans le, le téléphone, on peut commencer à, à gérer le traitement de signal. Donc le traitement de signal, c'est tout ce qui est justement le mix, euh, c'est-à-dire ici, grosso modo, euh, le mix audio. Donc euh, comment on peut faire pour mixer les, les différentes sources qui arrivent, même si à la base je vais faire des tests avec deux et on ne verra pas forcément ça. Euh, ça peut être aussi du mix audio, du filtrage. Bref, et donc il va falloir qu'on prévoit justement on sait plus, plus un, un moyen de pouvoir faire un traitement, d'ajouter des plugins, de traitement de filtrage, genre de, des traitements de, de signal pardon, ou ce genre de choses qui pourraient être intéressants. Bon, après, comme on dit, hein, d'habitude, la première chose en premier, donc là on va, on va commencer à bosser sur l'environnement de dev, euh, se monter un petit projet de dev avec... Euh, L'environnement qui va bien, et puis euh, et bien, tout simplement faire un, un premier bout de code à la noix qui va nous permettre de faire ça. Et donc on va faire ça en plus -plus. C. Alors c'est parti J'ai rien j'ai rien commencé à bosser là-dessus. Hein. Donc euh, Bien sûr tout ça sera open source, je j'ai pas précisé, mais le, le, le hack sera documenté, etc. Il y avait Yoner qui était intéressé pour mettre un, un téléphone, un interphone dans, dans le, le hackerspace de Liège, <laughs> connecté à un serveur sur Internet ou ce genre de choses, ça pourrait être marrant. Euh, pareil, je pas du tout parlé de sécurité. Hein. Euh, en soi, si quelqu'un tombe sur le serveur et sait comment communiquer avec, avec le bon protocole et, et autres, pour l'instant, il n'y a pas de, de sécu en place. Il n'y a pas d'authentification. Il n'y a rien. On est sur vraiment du, du réseau VoIP. Hein. Euh, quel OS j'ai 8 stop euh, Sur quoi Sur ma machine euh, Et donc Bonsoir, ma cossette. Euh, ben là, je suis sur un Linux avec i3, en G8. Un Linux Debian bien sûr parce que je fais du pas mal de dev. Et euh, c'est du i3WM pour du, euh, du système fenêtré. Donc, ce qui permet de, de spawner des, des consoles très rapidement, etc. Enfin bon, on peut s'amuser un petit peu avec ce genre de choses. Euh, ok, bref, donc ça c'est good, donc on va commencer l'environnement. Donc on va se faire on va dans les projets, donc là dans Interphone. Dans l'interphone, du coup, alors ça, c'est le code qui nous sert de base, pas plein, through qui sert de base pour notre code de SP32. Ah, bah oui, c'est du i3, c'est du i3, tout ce qu'il y a plus basique. Après, le terminal ici, c'est un home des sages, peut-être pour ça que ça fait un peu bizarre, mais non, c'est du i3. Pour la petite histoire, je dis i3 depuis pas mal d'années. Avant, j'avais testé aussi quelque chose qui m'a été conseillé par un collègue de. Il y, y a un moment euh, qui était euh, du x -Monad. donc X-Monade qui était aussi très intéressant. Mais après, il fallait d'avant asket et ce n'était pas, pas trop mon dada. Euh, mais bon, maintenant, i3 marche relativement bien. J'ai jamais eu de problème avec. Euh, si ce n'est des fois des compatibilités avec des écrans, ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de soucis. Donc on va se faire un petit, euh, un, petit, un petit dossier serveur dans lequel on va venir caser notre projet. Euh, donc là, je vais mettre un init -in là-dedans. Euh, ça c'est parti. Alors oui, pour la petite histoire, vous pouvez faire un, tout à fait un dépôt Git euh, sans, sans, sans le partager. Hein. Donc là, moi j'ai l'habitude de faire des dépôts Git quand je fais du code. Ça permet d'utiliser les avantages de Git, sans forcément pousser sur GitHub, mais avec euh, ici grosso modo les, les trucs classiques. Hein. Donc on va faire un petit euh, Git config avec, en local bien sûr, avec euh, comme username, je mets de virtus, ça sera plus simple, Hop, on va pas prendre la tête. Euh, on va se mettre un petit mail qui va bien, un local-user.email. Euh, et voilà, c'est prêt. Allez, merci pour le follow WakoCS Donc là, tout est quasiment prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire un petit, un petit truc de build qui va bien. Alors ça fait un bail que je n'ai pas fait du make, ça va être marrant de le faire. Et on va se, se développer tout ça. Donc, euh, on va certainement faire un petit makefile. On va en profiter pour faire un readme. Euh, on va se faire aussi un petit readme.rst qui va bien dans le projet juste pour nous, pour, pour nous en fait tout simplement et ensuite on va se faire un petit dossier sourd dans lequel on va ca caser tout le source voilà c'est pas plus compliqué et on va faire de la compilation en fichiers séparés donc là tout simplement ce que je vais faire c'est pour chaque module que je vais développer ou chaque truc que je vais développer et euh, eh bien je vais euh, tout simplement euh, faire de un fichier euh, un fichier par classe basiquement euh, et on va s'en tenir à ça c'est vraiment un gros avantage de Git face à SVN. Local et distance se font de manière quasi transparente. Absolument. Euh, je vais utiliser un IDE avec tout intégré. Normalement, je vais le faire à la main. J'aime pas trop les IDE tout intégrés de base. Enfin, moi, je suis plus à développer sur VM habituellement et, et euh, faire la compile à la main, donc hein, à l'ancienne, la, si on peut dire. Donc là, je vais me baser, euh, je vais prendre un IDE parce que c'est plus simple pour, euh, pour vous montrer le code et, et, euh, et pour le comment dire euh, pour le pouvoir zoomer notamment sur, le, sur la police de caractère. C'est quoi comme format ça Alors, ah, RST, c'est le Restricteur Text. Alors, si tu connais pas ça, c'est vraiment super cool. Euh, c'est inspiré de Markdown à la base, euh, et le Restricteur Text, ça ressemble donc c'est un langage de, de balisage léger qui permet d'écrire euh, quasiment en format naturel, euh, très inspiré du Markdown, euh, donc euh, qui est euh, donc un, un langage euh, relativement sympa qui a notamment été euh, co-créé par Aaron Swartz. Euh, si vous avez déjà vu le documentaire The Internet sunboy Boy, c'est euh, justement euh, quelqu'un qui euh, a marqué un petit peu, justement, le, euh, Internet en général et euh, enfin, le, le Markdown en particulier. Parce que c'est euh, un, un, un truc vraiment sympa. Euh, donc c'est comme du Markdown, mais avec un peu plus de, de capacité euh, sur le formatage, notamment. Donc voilà, c'est donc un, un truc qui est relativement sympa à faire. À utiliser en tout cas, ce qui me permet euh, et c'est ce qui est compatible aussi sur GitHub. Donc si jamais je pousse des sources sur GitHub, il y aura déjà un readme resté bien formaté, il n'y aura pas de problème. Sachant que l'idéal c'est que de toute façon ça passe sur GitHub au final. Donc euh, je prends un petit peu les devants là-dessus. Euh, et puis on va sortir notre petit Makefile. Alors vu que je suis rouillé en Makefile, je vais aller me choper un tuto parce que ça c'est pas le genre de truc. Euh... Les makefiles C c'est toujours un peu galère. Bah tiens c'est parfait ça, comment créer un makefile etc. Donc là typiquement de, de, de ce que je me rappelle de quand je faisais des makefiles, on va commencer par euh, se mettre un petit compilateur avec un du G, on va se mettre aussi des Clibs qui vont bien. Euh, les LDLibs pour la partie euh, linkage, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre euh, Bon en niveau en tout cas de ce qui est intégré comme ça c'est pas trop mal. Et on va définir notamment nos targets. Alors, quand on fait de la compilation avec les fichiers CPP, on a un truc en %.cpp. %.o, euh, pardon. Ouais, %.cpp, euh, c'est vraiment du résidu. Euh, c'est semi-supporté par GitHub, préfère leur propre version de Markdown. Ouais, bon, je ne suis pas méga fan de leur propre version de Markdown. Euh, Moi, des gens qui font. Euh, on prend un format classique, on en fait un format un peu, un peu particulier. Euh, c'est pas un truc qui me botte euh, de base. Bonsoir Manu. Euh, donc ça c'est bon. Ah oui j'ai oublié les laisser flags absolument. Donc ça les c flags etc. Donc ça c'est notre petit, notre petit truc de génération. Euh, normalement on peut faire du %.o dans les makefiles. Euh, %.cpp sur les sources. Alors Par contre je sais plus comment ça marche avec le scan de subdir. J'aurais bien bossé avec le scan de subdir. Attendez, c'est plus-plus makefile générique. Euh, dollar pour Alors, %.o, %.cpp. Ça je l'ai fait. Hop, euh, du coup, on va se mettre avec un CC. Les C flags qui vont bien. Des includes aussi que j'ai pas mis ici. Même si bon a priori les includes, on va les définir plus tard. Ensuite, euh, de la rebase en tiré haut. Et tirer C comme ceci. Ça, ça permet en fait de dire, tu compiles euh, le fichier de sortie, c'est le fichier .o qui est ici. Et le fichier d'entrée, c'est le fichier cpp qui est ici. Donc bien sûr, je vais noter ça. Alors, je préfère nommer cc que cpp par, euh, par convention. Ouais, ça marche assez bien quand même. Oui, oui, oui. markdown de, de GitHub. Tout comme le de texte. Je mets une problème vraiment avec euh, sur ce, sur ce truc-là. Donc après, effectivement, le all, on va se mettre... Euh, alors, de la, ouais, de la name, bon ça, pour l'instant, je ne sais pas, j'appelle ça comment Il faut lui trouver un petit nom d'ailleurs à ce petit serveur, comment on peut l'appeler Est-ce que vous avez des idées de, du nom du serveur Sachant que c'est un truc d'interphone VOIP, euh, plus c'est débile, mieux ça me va. Et bonsoir MadMaker Euh, donc on va pouvoir aussi produire les différentes sources. Parce que là, il va prendre tous les fichiers .cc. Bon non, c'est pas du gros gros projet. On va pas avoir forcément Elliot à l'eau. Non mais on a qu'à Nabila au final, le serveur. Hein. Non mais à l'eau, quoi. Ah, pour E.T., téléphone maison. À mmh. ouais. Pourquoi pas on va faire un sondage sinon. Alors on proposait quoi comme nom Atérisque, Comme euh, Asterisk, le serveur VIP, mais euh, atérisque et péril. Allo, ouais. Dring. Atérisque est très bon, oui. Ouais, Dring, c'est bien aussi. Ouais, Dring, sympa. On peut appeler France Télécom si vous voulez aussi. Pour euh, faire référence notamment à... Euh... Ou alors euh, France... Ouais, les dérivés de France Télécom, euh, plus ou moins euh, de bon goût. Je sais pas trop. Ptt ouais. S63, comme le effectivement la référence du téléphone. Euh, je sais pas, un truc... Euh, ça fait serveur téléphonique. Euh, on va pas l'appeler... Enfin, je sais pas. Ça peut être standard tout bêtement. Hein. Euh, drink, ça me plaît. Après, euh, attendez, le mythe, c'est qu'on regarde. Alors, mm, 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 je dois pouvoir faire des sondages là-dessus. Yeah. Euh, créer un nouveau sondage. Alors, quel nom euh, donne-t-on au serveur VOIP Alors, on m'a dit. Euh, si je suis. Ah non, merde, je peux pas parce que ça masque le chat. Euh, PTT, Wiz, Interlabs, ouais. Knock knock, pourquoi pas. Voip, <laughs> ouais, ou IP si tu veux vraiment faire un truc franco-français, ça peut aussi être sympa. J'ai pas eu de révélation pour l'instant sur le nom. PTT, pourquoi pas. Dring, pas mal. Comme ça, ça, au moins, ça, ça indique bien ce que ça fait. Wiz, ça fait 3 mécènes pour moi, euh, kicking the pocket. Ouais, <laughs> ah, c'est vieille référence. Drink Drink Box. Ouais, Drink Drink Box. Pourquoi pas, drink. Bah, drink, on est sur le même truc, ouais. Plus c'est court, mieux c'est aussi par définition. Parce que quand vous avez un nom un peu trop long pour les projets c'est toujours galère. Mais drink, ça me plaît bien. Hein. Franchement, je pense que... Allez, euh, je... on va balancer les sondages. Hein. Hop. Alors est-ce qu'on l'appelle Alors quel nom donne-t-on Donne-t-on au serveur VOIP. Donc on m'a proposé en premier. Dring. Euh, Atterisque. Qui était pas mal. Euh, S63. Après j'ai pas 40 possibilités. Bon je mets le Dabila parce que ça, ça me fait toujours un petit peu. Euh... Et euh... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ah, Forcément, forcément j'ai pas le... pété. allez c'est parti, on va se balancer là-dessus. Erreur du service, veut dire essayer plus tard. Sérieux Je peux pas faire un sondage, ça marche pas. Tout est pété aujourd'hui. Tout, tout est cassé. Ah non, c'est bon. Euh, donc voilà. Alors, du coup. Sabote, ça vote, ça Un vote, ça vote. drink à 50%. Euh, c'est entre Dring et Davila... Allez voir, j'ai dit... Ah bah Dring commence à, à remporter beaucoup de suffrages. Bah beaucoup. Bah pour l'instant, il n'y a pas, pas trop de personnes qui ont voté, donc on n'est pas sur des de trucs trop trop massifs. Mais a priori ça se dispute entre Dring et Dabila. Allez, il reste je sais pas combien de temps encore pour, pour le sondage, forcément. Mais il y a un petit peu de temps. C'est pété. <laughs> ouais, c'est pété, mais c'est réparé en fait maintenant. Donc ça va, on n'a plus, plus trop de soucis, c'est réparé. Je surveille en, en parallèle. Ah ouais, c'est toujours Dring ou Nabila. Hein. Ah, c'est bizarre, PTD il n'a pas eu de vote. Mais celui qui a proposé PPT n'a même pas voté pour ça. Et une fois le nom du, du projet validé, du coup, on va passer sur ce serveur-là. On va le nommer comme ça et on va pouvoir commencer à dev en C++. Ça va être cool Enfin, du moins j'espère. Euh, ouais, bah Dream pour l'instant euh, remporte- la main, hein, 59%. Il reste euh, on a à peu près la moitié du, du temps. Je crois que j'ai mis 3 minutes pour le sondage, donc euh, donc on est on n'est pas trop mal. Euh, on va attendre qu'il s'écoule euh, tranquillement. Salut Xgani. Ah, tu crois pas en ta proposition Ouais, Nabila. Attention au coup de couteau du serveur. Ouais, ouais, ouais. Mais le serveur, ça fait pas de Thomas je crois, donc on devrait pas de problème sur les, les coups de couteau. Mais... Euh, ouais, bah, Nabila, 27%. On a 60% sur Dring. Donc, les, les gens préfèrent... Euh, vous vous préférez euh, un nom qui a du sens, plutôt euh, euh, comparé à un nom qui... Euh, bon, qui est plus une joke qu'autre chose sur, sur le truc. Ok. Bah, je crois que... Vu le temps qui reste, ça va être assez rapidement plié. Euh, pour l'instant, euh, le truc s'appelle Dring. J'attends la fin du sondage pour valider. Donc il reste encore quelques. même pas une minute. Et on va voir. On va pouvoir ensuite commencer le truc intéressant. Parce que là, on n'est que sur de la fioriture. On est sur la, la création d'environnement de, de, de dev, euh, le makefile. Euh, bon, les trucs qui sont pas forcément très, très intéressants. Euh, et on va pouvoir se, se baser là-dessus. Alors je vais pas faire d'install pour l'instant, je vais juste faire la compilation globale du, du truc et puis, euh, et puis ça devrait être pas mal. Et puis je pense que je vais aussi euh, améliorer le, le système. Non mais à ouais, non mais à quoi, complètement. Et bah du coup, euh, je crois que, que c'est Dream qui a été retenu, donc c'est parfait. Ok, on va pouvoir continuer à dev là-dessus. Par contre, un truc qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé faire un scan des sous-dossiers, notamment le dossier source pour la compilation. Alors, du coup, makefile list, c'est le source dire, du coup. On a un truc avec un séparé de source et un header, voilà. Typiquement, c'est ça qui m'intéresse. Et il y a un truc à la noix pour faire scanner les dépendances et les sous-dossiers, notamment. Euh, je sais plus ce que, comment ça marche. Il hein. faut que je reprenne mes tutos de, de Makefile. Euh, from different source folders. Ok, donc là, ils prennent projet. Donc les sources avec des folders. Le build avec le build. Ça, c'est cool. Ouais. Alors, du coup, euh, ouais, c'est ça. On a le source dir aussi. Ça, c'est pour les, les options de compilateur. Hop, on va se mettre un source dir. Donc le source dir ici, ça va être. Euh, source dire du coup c'est le proche dire real current directory OK euh, VFIP merci pour le follow en fait euh, focalek j'ai pas vu <laughs> enfin ça m'a. ah c'est ça c'est le for each OK ben bah, on tombe sur du, du fichier un peu, plus, un peu plus massif et plus intéressant sur le makefile donc euh, bon pareil donc on a le source dir ah pourquoi il met deux points égal sur le source dir cette projet retrieve one level above the makefile current dir is a new make variable containing the pass to current working directory ok ok donc en fait quand on fait le build euh, on fait un, un dossier build dans lequel on met notre makefile ouais ça à la limite le dossier build si c'est pas là dedans je m'en moque un peu euh, mais bon parce que je sais au moins que le, le, le source soit séparé et que la, la partie compile passe. Euh, du coup, source dir, c'est le dossier courant euh, avec SRC. Ensuite, de build dir, bah du coup, ça on s'en moque. Je vais juste avoir le SRC dir. Ok, donc là, on va mettre un petit SRC dir avec le source. Ok, donc ensuite... Il Va falloir lister euh, donc là ça crée la liste des dossiers folder 0, folder 1, folder 2 et ensuite des sources d'IRS avec l'ensemble enfin for each dans les dossiers en question voilà bon, je vais mettre du SRC euh, tout bête hein. on va tout mettre pour l'instant dans un, dans un seul dossier je pense pas que ce soit trop compliqué à mettre en place donc euh, on va rester là-dessus euh, du coup les sources ça sera égal à for each de euh, du coup de ce dossier alors for rich euh, pas de bêtise for each dire source dire ah, c'est srd add prefix tire i donc ça c'est pour les include De l'ardir. Ouais, est-ce que c'est pas bien que je me casse la tête avec ça Non, je pense qu'on va pas s'embêter, on va un source ici directement. Source pour 100.cc, ça devrait marcher ça, normalement Si je mets même un truc comme ça, normalement. srs dire, srs là, il va prendre des trucs là-dedans, mettre tout ça là-dedans. Ça, c'est good. Et on va faire la cible Dring. Là, du coup, on a le source de dire slash euh, pour 100 points. Il sent que c'était ça, un makefile générique. Du coup, on avait le exec, c'était les obj files. Ah ouais, il faut lister tous les obj files. Ah, fu. Ça, c'est pas, pas classe ce truc. Euh... Et voilà, comment, comment perdre du temps sur des, des makefiles à la con Il n'y a pas un makefile standard CPP euh. Uh, simple SimpleCBMakeFile, nope, 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 euh, Makefile make oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce que je voulais, c'était le CCGCC, ok. Donc, soit on met les sources directement dans le dans le sens dire, et puis les sources, on va les rajouter comme ça, hein, c'est pas grave. Et ensuite, non, je dois pouvoir faire un, blo un bloc sur les sources, avec une liste, génération automatique des noms de fichiers. Ah bah voilà, c'est pas mal ça ah ouais c'est bien ça. Ah bah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Alors bien sûr, les options de compilation, on va respecter ça, on va mettre du du wall. Euh, avec un A minuscule ça marche mieux. Les silifs, tout ça je vous laisse de côté pour l'instant. Euh, on verra par la suite si on a des bibliothèques qui sont utilisées. Et euh, effectivement, cette solution-là est pas mal. Alors le source dire, je peux le garder tel quel. Ensuite, je vais définir mes sources. Donc c'est tout ce qui sera dans le source dire. Donc c'est tout simplement mes euh, sources. Euh, ouais, il fait une, en fait, il fait ça, il fait une compilation très Ok, donc là, le source, bah, c'est simple, en fait. Euh, alors, que je pas de conneries. Dans les sources, on aura main.cc pour l'instant, et donc les objets. Les objets ça sera donc sources pour lequel on change les fichiers .cc en fichiers .o .e. ok donc là ça veut dire que drink j'ai plus qu'à mettre du au .bjs avec Attends, je suis en train de mettre pas de double extra pour encore plus de branding, non pas pour l'instant ça va être suffisant Là, je veux juste pouvoir préciser dans mes sources que je veux euh, que ça soit préfixé avec euh, le ce truc-là. Et donc, je dois pouvoir faire certainement la date préfixe, un truc comme ça. Parce que là, je prends mes objets, les sources qui vont bien, mais dans le, ils vont être compilés dans le dossier. Et donc, il va falloir que je préfixe tout ça avec, euh, avec le dossier. Et ça, c'est pas cool. Ah, punaise. Euh... Et voilà. Là, ça fait un bail que j'ai parfait de makefile. Euh... Donc, ça, main.cc, ça c'est good. Ok. Euh, on va mettre un petit peu de commentaire dans l'histoire. Euh... Le source dire source, euh, ça c'est bon. Normalement, cette notation-là devrait fonctionner. Par contre, il va build tous les o mais préfixé de source dire. Ok. Alors, makefile add prefix. Uh, function for file names, Ah uh, uh, bah voilà. On a dire, qui permet de lister les dires, suffixe, et on a un add prefix, Donc l'argument names uh, il est considéré comme une série de noms séparés par des espaces préfixes et utilisé en tant qu'unité. Ok, donc là si je fais un add prefix avec src, virgule, et tout ce qui sera après, ça sera mis là-dessus. Ok, bah on peut faire ça comme ça alors. Donc là, grosso modo, j'ai mes sources, mes objets. Donc ici, je fais un dollar. Préfixe euh, du coup de source dire, Donc, on va ajouter en fait euh, le préfixe source dire aux objets et ça permettra de les build. Ok, alors du coup je vais faire un, un test là-dessus. On va juste faire un petit euh, fichier basique euh, dans le source, ça sera juste pour les tests. On appeler ça main.cc. Euh, et puis c'est parti donc pour la partie, euh, pour un petit code de base, euh, Hello World, main cc, enfin là, typiquement on prend Hello World cpp standard, hein, on va pas se prendre la tête. Donc on y va. Include eu stream euh, non, 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 Je crois qu'il n'y a que eu stream pour le, typiquement le main de base. Hein. Donc on va sur faire un petit main, intrc. Tu euh, vas arriver... Normalement, ça c'est pour le, le code principal, ça retourne 0. On s'en fout. Euh, on va mettre un petit euh, Using namespace std pour afficher ici un Sayout avec une endline. Normalement je dois pas être trop mauvais sur mon machin. Alors du coup est-ce que ça complique déjà à la mano ce truc euh, Voir si je suis rouillé vraiment au niveau du... Non ça a l'air bon. une haut, ça met bien une hello board. Voilà ça va, je commence pas trop rouillé. <laughs> J'avais peur d'être un peu limite sur le C parce que ça fait un bail, mais non ça va. Euh, du coup, euh, ça ça fonctionne. Maintenant est-ce que le makefile fonctionne Ça c'est autre chose. Si on fait un make là-dessus. Aucune ray pour la source. Source main.o. Oh. Ah j'ai fait de la merde euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme merde En plus, euh, j'ai dit que j'ai dit tag l'IDE et je suis en train de faire avec VIM hein, depuis tout à l'heure. Euh, j'ai fait un add préfixe, ah oui, j'ai pas mis slash à la fin. C'est ma faute. Alors, si je fais un make, rien à faire pour all, on fait un make clean. Euh, forcément, j'ai pas fait le make clean, mais si j'enlève ici le src main.o et que je fais un make, nickel, ça passe. Euh, il est censé m'avoir build le, le fichier binaire complet, le dring, mais il m'a pas mis le dring, il m'a fait un make par défaut et là j'ai pas eu le make all. Ok, donc fait un, si je fais un make all, il me dit j'ai rien à faire pour make all. Ok, c'est pas cool ça. Ah oui, bah oui, parce que sur dring j'ai mis les hacks préfixes et j'ai pas dit ce qu'il fallait faire avec. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc là, grosso modo, dans le make all. On vient lui passer euh, en tirer au long du projet donc la target donc ici on avait dit que c'était doing et ensuite en tirer on, on va lui passer les fichiers objet simplement donc là il va falloir lui filer bah pareil en fait hein. il lui filer add préfixe de slash $OBJS qui se correspond aux objets qui sont créés dans les fichiers .o euh, et je crois que je vais pouvoir lui préciser bien sûr les LDBs pour la partie de et euh, ça devrait près tout j'ai pas dû faire de merde euh, après ouais, enfin, on verra pour les includes aussi euh, si ça marche donc là maintenant si je fais un make-all il est censé me faire le drink et si je lance dring ça fait un hello world yes c'est good Pouh Bon, on a un environnement de build qui fonctionne, euh, qui fonctionne donc ça c'est bon. Hop, donc on va se, se lancer notre petit éditeur ici. Hop, on descend ça. Ça, ça sera pour la partie build. Ça, c'était le truc de la semaine dernière. Donc on va, va s'ouvrir un folder qui est dans les projets interphone serveur. Ok, donc là, je ouvre ce dossier. Et j'ai accès à mon truc. Ok, bah ça c'est bon, j'ai ma Je j'ai oublié le clean du coup. Donc le clean c'est assez simple, on reprend ici les, les objets et puis on les nettoie quoi. Euh, clean. Du coup on va se mettre un petit rm dollar src Tac, sans et puis on va se virer le fichier de ring. Si un petit écho. Voilà. Euh, Cleaning project files. .o Ring. Comme ceci. On va voir si je fais du make clean normalement. Voilà, c'est good. C'est tout propre. Et si je fais un make all, du coup, il me build tout. Et un make clean, c'est parfait. Yeah, ça c'est bien. Donc voilà, donc j'ai petit mon, mon main.cc qui est mon truc de base. Bon, c'est un bon début. Maintenant que je vous ai fait avec tout l'environnement de dev et, un, et le makefile qui va bien, on va pouvoir commencer à bosser sur la partie qui nous intéresse. Alors je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le C, mais bon on a... Du coup, euh, contrairement au C, on a tendance à faire un peu plus... Euh, je vais peut-être zoomer un peu sur le code, non Est-ce que je peux zoomer là-dessus Ah J'étais censé pouvoir zoomer, moi. Bon. Euh, dites euh... Ça va niveau police, c'est pas trop pas trop limitant. Donc je disais, par rapport au C, au c où on fait euh, typiquement plus un truc comme ça, on va se faire de l'include euh, Toto.h ou euh, surtout de l'include euh, stdlib.h. Bah, du coup, euh, en C++, il euh, n'y a pas cette terminaison .h. Par défaut, on est sur i Stream qui permet de faire bah, tout simplement de, de la sortie standard pour, euh, pour afficher tout ça. Bref, euh, bah, tout ça c'est bon, on a un main, on a vraiment le, le truc de base. On n'a pas encore construit quoi que ce soit par rapport à ce truc-là. Par contre, on va pouvoir commencer à commit les fichiers qu'on a mis en place. Donc on y va. On va ajouter ici tous les fichiers. On se fait un petit commit des familles. Donc on a ajouté le basic makefile et le demi main.cc. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, c'est commit. Alors, c'est juste commit, c'est pas push, parce qu'on ne travaille pas avec un serveur GitHub, hein, euh, ou bon, un serveur Git en général. Mais ça permet ensuite eh bien, de, de commencer à bosser sur le truc un peu plus simplement. Alors, du coup, euh, si on reprend un peu ce qu'on avait dit, il va nous falloir gérer des connexions et qu'on crée un serveur VIP. Donc, après ça, en modélisation euh, objet, bah, c'est relativement simple à faire. Vu qu'on a, donc ça, l'environnement, bah, je n'ai pas précisé, mais l'environnement dev, on a, bon, on a un truc qui, qui fonctionne, qui marche, oui, on va partir là-dessus. Euh, quel design pattern pour un serveur VoIP? Est-ce euh, bah, que je vais partir sur un design pattern pour le serveur VoIP? Bah, typiquement sur ce genre de choses. Euh, bah, le, pour le serveur en soi, je pense pas que c'est des design pattern, mais il y en a certainement qui sont, qui sont utilisés en plus dessus, euh, auxquels je n'ai pas pensé pour l'instant. Là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à designer la classe du, du serveur et euh, on va commencer à lister un petit peu euh, bah, ce qu'on doit mettre dedans. Alors du coup, allons-y, euh, on va se prendre une autre page, et c'est là en fait où le C ⁇ est un peu plus intéressant que le C, le c classique. Si, si, vous suivez, si vous avez suivi les lives sur la Aquas, vous avez vu notamment ma manière de penser sur du C, où on travaille beaucoup plus avec des structures, euh, de l'allocation mémoire et euh, des fonctions qui prennent en, des pointeurs, etc. En C ⁇ du coup, on travaille directement d'un point de vue euh, fonctionnel. Donc à savoir ici, euh, grosso modo, j'ai un serveur VOIP, un serveur, un serveur TCP en fait. Donc j'ai mon serveur TCP. Le serveur TCP, c'est tout simplement un système qui va écouter sur un port donné. Globalement, est-ce qu'il y a besoin que je vous explique comment fonctionne le système TCP, le système de port, les connexions sur les ports ou autre Ou est-ce que tout le monde a à peu près raccord avec ça au niveau technique, juste pour savoir Si jamais il y en a qui ne connaissent pas le fonctionnement des connexions TCP ou qui veulent un bref rappel là-dessus, il n'y a pas de souci. Il faudrait juste faire signe. Salut Lokudin, je sais plus. Je que tu m'avais dit la dernière fois comment ça se prononçait. Que... Mais du coup j'ai mort de poisson rouge. Donc le serveur TCP, grosso modo, ce qu'il va faire... Euh, T'arrives pile à temps. Ah ouais, tu veux bien, bref petit rappel. Ok, alors je vais faire un genre de TLDR sur euh, sur TCP. Donc TCP, alors je vous passe la, 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 la partie IP, parce qu'on passe. On, on parle souvent de TCP IP, mais en fait la partie IP c'est euh, protocole IP. Quoi. Donc TCP c'est simple. Euh, pour faire relativement simple au niveau des, des communications, imaginez que ça c'est votre machine. Ok. Ça, c'est un PC ou un, une machine, Linux, euh, ce que vous voulez, ça marche aussi pour Windows. Donc ça, c'est votre machine. Dans votre machine, ici, on a une petite carte réseau. Qu'on appelle la Network Interface Card. Donc c'est euh, en fait là où est connecté euh, votre système. Alors une carte réseau, ça peut être une carte Wi-Fi, une carte euh, avec un fil Ethernet, un câble Ethernet connecté, etc. Bref, donc tout ça, euh, ça fonctionne relativement bien. Euh, Au-dessus de cette carte réseau, on a un petit driver qui va gérer euh, cette carte réseau. Donc ça, c'est votre driver. Donc c'est géré au niveau de l'OS à ce niveau-là. Et euh, par rapport à ça, on va faire une... On va scinder tout ça en deux. On va dire que cette partie-là, c'est la partie OS, et que cette partie-là, c'est la partie application. Donc généralement, des applications utilisateurs qui tournent dessus. Donc grosso modo, comment ça marche quand on a un système qui utilise TCP donc en fait, en TCP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer euh, ici euh, un truc qui est totalement euh, virtuel, qui est euh, ce qu'on appelle un port. Donc un port, c'est tout simplement. Alors je mets entre l'OS et l'application, parce que c'est l'OS qui gère euh, cette stack-là. Euh, protocole TCP ou serveur TCP euh, bah, Là on est sur le serveur, enfin on va je vais mixer un peu le protocole et le serveur. Je ne vais pas entrer dans les détails du protocole TCP avec l'établissement de la connexion, etc. Mais euh, plus la, la vue programmeur, en fait, la vue développeur euh, du protocole TCP. Donc ici, nous ce qu'on fait, c'est qu'on crée un serveur. Ce serveur, c'est cette application qui est ici. Donc euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on crée un serveur Eh bien, si on veut faire un serveur sur lequel les, les personnes euh, qui viennent d'internet, donc internet, je pas précisé, hein, mais euh, le réseau extérieur... C'est le truc qui est ici, hein, qui se trouve euh, juste après, à ce niveau-là, sur lequel on, on est connecté. Et bien, tout simplement, ce qu'on va dire au, au programme, enfin, au, au programme ici, on va lui dire, ben écoute, euh, ce que tu fais, c'est que tu crées ce qu'on appelle un socket. Donc, ce truc-là, là, là c'est ce... Enfin, c'est pas exactement ce qu'on appelle un socket, mais euh, c'est ce qui représente ici ce qu'on appelle un socket. Donc, ce socket, c'est quoi bah, tout simplement, c'est un truc sur lequel on peut venir connecter un programme. Donc, le programme peut être connecté sur un socket et il peut communiquer avec ce socket. Ce socket, en fait, il va être attribué à ce qu'on appelle ici une adresse IP et un port. Donc là, en fait, on va préciser dans ce socket, ben voilà, en fait, on écoute sur telle adresse IP et sur tel port. Alors le port, c'est juste une notion permettant de lui faire du multiplexage. Et il se peut très bien qu'on ait une deuxième application, par exemple, qui soit exécutée ici, donc une deuxième app sur laquelle on a un autre socket qui écoute, disons, sur, sur une certaine IP et sur un autre port. Ben, on va par exemple ici on va dire que notre port c'est le port euh, je sais pas moi 8888 ici et que celle-ci elle écoute sur le port 80 en supposant que sur un serveur web par exemple donc qu'est ce qui va se passer quand on va euh, quand on va gérer ça en fait on doit créer ce socket on doit l'associer à une IP et un port en particulier pour que lorsque l'OS reçoit des demandes de connexion tcp notamment ce qu'on appelle les paquets SYN hein, donc les demandes de connexion TCP SYN et eh bien qu'ils puissent savoir où les envoyer. Donc la connexion TCP-Sign regarde notamment vers quel port euh, à quel port c'est destiné, sachant que ce, ce paquet, en fait, dans TCP, on précise ici un port de destination. Donc c'est le destination port qui est intégré dans le petit paquet qui est envoyé ici et que vous avez... Euh que la carte va recevoir. Donc, après, bien sûr, il y a une encapsulation IP que je passe. Donc, le driver va dire au système Eh hey, coucou, euh, ici euh, j'ai eu un truc TCP. Et donc, que euh, va faire le système bah, Il va dire Est-ce que j'ai un socket qui est, en, euh, qui est en écoute sur le port qui est mentionné ici Donc, là, le port de destination, on a dit c'est le 8888. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire Ok, bah, il y a quelqu'un qui, qui essaie de se connecter sur cette, euh, cette interface-là qui est gérée par telle application. Et donc, ce que je vais faire, c'est que euh, eh bien, je vais considérer qu'effectivement il y a quelqu'un qui est connecté. Donc, ici, on va formarder l'information ici et l'application va être prévenue que euh, quelqu'un se connecte tout simplement. Donc on a une, en fait un nouveau client qui est connecté à l'application. Si en même temps on reçoit un autre paquet TCP euh, ici sur cette communication, donc le même paquet mais avec un, un port de destination euh, qui est euh, le port 80. Donc ce que va faire ce système là c'est qu'il va dispatcher sur cette application. Alors bien sûr, vu que quand vous créez des applications serveurs, vous pouvez avoir qu'un seul serveur qui écoute sur un port donné, parce que ça voudrait dire sinon que deux applications partagent le même port, le même socket, et c'est pas envisageable. Donc euh, grosso modo c'est au niveau applicatif, je synthétise énormément mais c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Et donc votre, votre OS va dispatcher au niveau des sockets et vos applications vont avoir la gestion euh, des données qui, euh, ou des, surtout des connexions qui, qui arrivent sur, le, sur votre machine à destination d'un port particulier. Et donc au niveau programmation c'est assez simple. On a une première étape dans, durant laquelle on va créer le socket. Donc on, on crée... Un socket, donc c'est ce petit truc-là là, que je vous ai montré. Ensuite, on va bind le socket. Donc, en bind, c'est-à-dire qu'on associe une adresse IP et un port à ce socket-là. On dit, OK, je veux passer en listen, c'est-à-dire, autrement dit, je veux que ce socket accepte des connexions. Et ensuite, on fait une boucle dans laquelle on fait un, un appel, généralement, à un appel accept, c'est-à-dire qu'on va dire que ce socket accepte des connexions et qu'on demande à l'OS tout simplement qu'il nous prévienne quand quelqu'un se connecte. Donc, ça, c'est vraiment la, le, le, le point de vue, non pas euh, technique de comment fonctionne TCP, etc., mais le point de vue développeur. Donc, quand on veut créer une application serveur, on crée un socket, on bind, on écoute et on accepte des connexions. C'est les quatre étapes qu'il faut, qu faut mettre en place. Donc, notre serveur TCP, il va falloir qu'il puisse gérer ses connexions. Donc, ici, ça veut dire grosso modo que dans notre serveur TCP, ici, il y a plusieurs éléments qui vont être primordiaux. Pour, euh, pour que ça fonctionne, on sait que ce serveur TCP, il va avoir forcément un port sur lequel il va être associé, donc un numéro de port. Le numéro de port, c'est euh, par exemple ici le port 8888 qu'on a mis euh, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il va falloir gérer au niveau de ce serveur TCP euh, Généralement, il est associé à une adresse IP. Par défaut, ici, quand vous créez un socket sans préciser d'adresse IP, c'est n'importe quelle carte de réseau qui peut taper dessus. Donc ici, par exemple, j'ai mis une adresse IP, mais ça correspond à l'interface IP, enfin l'adressage IP qui est associé à cette carte réseau. On peut très bien avoir deux, trois cartes de réseau et écouter sur l'ensemble de ces cartes réseau. Dans ce cas-là, euh, par défaut, on écoute sur l'adresse IP 0.0.0.0. Euh, ça, euh, bien sûr je parle ici d'IPv4, hein, bon, le, le principe reste le même pour IPv6, mais la partie IPv4, les exemples d'IP que je donne c'est d'IPv4, euh, juste pour être sûr, enfin pour être précis dans ma description de la chose. Donc on a un port, on a une IP sur laquelle on va écouter, donc par défaut on va se fixer un port, j'ai mis le 8888 euh, en l'occurrence, mais bon, euh, peu importe, ici on va écouter sur du 000, euh, ici, hop, en IPv6, hein, du coup, euh, on a euh, ce truc-là qui marche pareil. Euh, non, ça, c'est du local, pardon. En plus, des bêtises, n'importe quoi. Il euh, faut que je retrouve l'équivalent le, le, sur IPv6. Hein. Donc là, IPv4, donc, précisé, on écoute sur 0.0.0.0. Euh, donc ça, c'est pour la partie euh, serveur. Et puis, à côté de ça, il faut aussi qu'on gère des connexions euh, de clients, notamment. Alors, c'est 2.2.2. Deux points, deux points, deux points. OK. IPv6, c'est 2.2.2. Deux points, deux points. OK, ben bah, bah, voilà. j'ai pas assez manipulé. Euh, jusqu'à 4 points. Ah 4 points, ok bah ça paraît pas... Donc en fait en IPv6 ça serait un truc comme ça Bon c'est pas très lisible sur mon sur mon graphe mais bon passons euh, j'ai pas assez manipulé IPv6 pour être totalement rodé là dessus Donc je te, je, je te fais confiance je plus droit Enfin bon Normalement, euh, de toute manière, cette partie-là, euh, nous, vu qu'on va écouter sur une interface, euh, on pourra la paramétrer, mais euh, globalement, on, on restera sur ce, sur ce système-là. Euh, je sais pas s'il si ne gère pas IPv6, euh, le, la, fin, la stack euh, de SP32, gère que IPv4. Deux fois deux points, égale 4 points, <laughs> je sais pas. Ah, 4 points. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était juste quatre points. Donc deux points, deux points, deux points, deux points. Deux points. Ok. Bref, donc on a un port, un IP, puis il va falloir aussi qu'on gère des clients qui sont connectés. Donc les clients, c'est quoi bah, Tout simplement, ce sont nos interphones. Donc les clients, et généralement, il s'agit d'une liste de clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi manipuler. Donc la liste de clients, tout simplement, c'est quelque chose qui va être dynamique en fonction des interphones qui seront connectés. Qu'est-ce qu'on a d'autre à gérer Alors, euh, bah, c'est pas mal déjà. Euh, ça c'est pour le savoir TCP euh, de Dring du coup, c'est celui qui va euh, vraiment gérer que la partie connexion et il gère des clients. Ensuite, les... dès qu'il y a des données qui arrivent, ça va être dispatché à un truc un peu plus, euh, un peu plus, sup... on va dire un, étape... un, un, un étage supérieur. Donc là, si je regarde, ah, attendez, je vais faire un truc plus rapide. Hop. donc là, maintenant qu'on a vu la partie TCP, on pourrait effacer ça tranquillou. Euh, hop, c'est mieux. Donc, euh, on disait quoi On disait ici, grosso modo, euh, maintenant que j'ai mon serveur TCP, bah je c'est l'avantage du C++ de modéliser le truc. C'est-à-dire que là, imaginons que j'ai mon serveur TCP. Donc, c'est la partie qui va gérer la, la connexion TCP. Oui, mais moi, ce que je veux, pas, ce n'est pas un serveur TCP. Moi, ce que je veux, c'est un serveur qui gère les connexions euh, et qui fasse ça, euh, comment dire basé sur, sur un serveur TCP. Donc là, on aura une classe qui sera dérivée de celui-là. Alors, ce pas de l'UML ce que je fais, hein. je ne respecte pas les, les notations standard UML, mais grosso modo, ici, j'aurai mon serveur VOIP. Le serveur VOIP, il fait quoi bah, Il se base sur les primitives du serveur TCP, donc il gère notamment, il a un port, un, une adresse IP et une liste de clients, mais à côté de ça, il va pouvoir aussi gérer d'autres trucs. Un jour l'IPv6 sera utilisé, mais aujourd'hui aujourd on utilise des ESP. Bah ouais, c'est un peu ça malheureusement. Les ESP32, je crois pas qu'il y ait de stack IPv6 dessus. Euh, donc on va limiter euh, de toute manière sur, sur ce truc là par, euh, par les stacks. Mais on peut très bien mettre un serveur en écoute sur IPv6 et ensuite faire un bridge IPv4, IPv6. Hein. C'est pas, pas impossible non plus. Donc là typiquement notre serveur TCP, ça sera une classe qu'on va pouvoir utiliser qui gère un serveur TCP. Et on va s'inspirer de cette classe là pour pouvoir ensuite gérer le serveur, le serveur VOIP. Donc là, il y a deux, deux écoles. Soit on trouve une bibliothèque qui fait ça pour nous, avec un, une implémentation standard de serveur TCP sur, que l'on peut utiliser tel quel, voire euh, utiliser en héritage, donc en faisant une classe dérivée une casse-fille, comme c'est le cas ici avec le serveur VoIP, soit on implémente notre classe de serveur TCP nous-mêmes et ensuite, on, on voit ça. La, la question qui, qui se pose, c'est ça, en fait. Après, donc, vu qu'on est sur du C++, on peut peut-être envisager d'aller chercher, euh, par exemple, des, des exemples de libboost sur du, du socket TCP. Donc, le libboost, en fait, on a... Euh, c'est tout un ensemble de bibliothèques qui implémentent pas mal de choses, dont notamment un socket TCP. Donc euh, les sockets TCP, c'est du Basic Stream Socket, et euh, si on regarde un petit peu, je vais zoomer parce que vous allez mal voir, euh, mais grosso modo ce qu'on a c'est euh, tout simplement une couche d'abstraction qui permet de faire du, du socket, et on a notamment la, le moyen de faire des sockets asynchrones, donc euh, on peut faire une connexion asynchrone, etc., qui permet de, bah de, de faire des, des communications avec un connection handler et autres. Donc après à, à voir est-ce que ça est-ce que ça correspond vraiment à nos besoins. Moi j'aurais bien fait du socket non-bloquant. Alors je sais pas si on peut faire du socket non bloquant avec euh, la partie boost. Hop. Donc ici boost si on regarde un petit peu la partie socket. Euh... Ouais, j'ai rien de plus. Euh... C'était dans le boost Asio. Hop, on a la référence qui doit être ici. Euh, tout... Ça c'est pour les basiques grosses requêtes, etc. Ah quelle okay, classe, non non mais là... Bon je pense qu'on va le faire nous-mêmes parce que typiquement... Euh, parce qu'on a le cette option dessus On a une gestion SSL aussi qui est présente. Si tu utilises bien des ESP32, j'ai l'impression qu'il y a quand même moyen d'avoir un peu d'IPv6. Ah Attends, je check, mais ESP32, IPv6. Euh, on peut activer le support IPv6 apparemment. Il faut que ton point d'accès gère IPv6. C'est moi le mien. je ne... Ouais, je crois qu'il gère IPv6, celui que j'ai. Ok, donc tu es obligé de le préciser dans les événements. Euh, de, de... Ok, Il bon, y a 2-3 petites bidouilles effectivement pour mettre un, un accès IPv6 dessus. Donc, soit on se base sur des bibliothèques Boost, et là, normalement, on, on a largement ce qu'il faut euh, Boost, euh, TCP Server Example, etc. Enfin, vous allez trouver des exemples euh, assez classiques, hein, mais euh, avec des implémentations qui euh, sont documentées. Donc, la fonction main. Donc, là, par exemple, on a un IO service avec un TCP Server qui est créé directement. Euh, on fait un run sur le, sur le IO service et puis euh, c'est parti. Et on a une classe TCP Server qui permet de, de gérer des handlers en fait, euh, avec un start accept, etc. Donc, ça c'est basé sur des bibliothèques qui gèrent notamment euh, euh, la, les différentes connexions et puis on a une classe qui représente chaque connexion TCP. Mais ça on peut très bien le refaire from scratch au besoin, c'est est quelque chose qui peut qui pas vraiment problématique. Et là on voit bien qu'on a encore une fois un appel à bind, etc. Bon, à voir, je sais pas ce qui est plus, euh, qui est plus sympa à faire euh, sur ce genre de, de truc. Parce que Boost ASIO, donc c'est la input-output, euh, si je comprends bien. Euh, du coup, il fait du cross-platform networking code, IPv4, IPv6 en support. Et il gère les événements asynchrones, support du timer et compatibilité à Yo stream, ce qui n'est pas dégueulasse. Et au niveau utilisation du coup on a juste à faire un boost asio.hpp au niveau du bit bien sûr il faut adapter. Euh, string read. Il faut que comment ça s'utilise. Après on a un acceptor. Ouais c'est jouable. Parce qu'on se base sur du boost? Et donc à chaque fois qu'on reçoit une connexion, on est notifié. Par contre pour du non-bloquant, je ne sais pas si ça marche ce truc-là. Boost Azio, non-blocking socket. Est-ce qu'on va recevoir pas mal de... Alors, Basic Socket Native Non-Blocking. Euh, Set de Non-Blocking Mode de Native Socket Implementation. Ok, là, il donne un exemple, du coup. Euh, où ils font un. Ah oui, ça a l'air bien chiant quand même à faire au niveau non-bloquant. A priori, il y a des gens qui ont essayé. Ah, on peut utiliser les Serial port Between, la 5Grid ou la 5Grid. Mais du coup, euh... ok. Ouais, ça n'a pas l'air d'être super évident à utiliser tel quel. Je pense que... On va essayer de se faire un petit serveur TCP pour la route. Ce sera pas beaucoup plus compliqué ici. Ok, donc on va se faire un nouveau fichier source. Euh, tcpserve.c euh, On va se faire un dossier include aussi, ça serait pas mal. Euh... Alors on va se faire un petit new folder. Include. Et dans le sud on va mettre des fichiers d include. Donc avec tcpserve.h Ok. Euh, dans le makefile, on va rajouter dans les include ici, bah, simplement de dossier include. Hein. Ah non, je vais mettre... On devrait pouvoir faire un forage là-dessus. Parce que du coup, dans les include... Euh, include. Hop C'est de la tiret i. On va mettre ça comme ça pour l'instant. On va faire un par la suite. Puis y a un autre préfixe forcément. Donc là j'ai mis un nouveau tcp Donc on va se mettre un pragma-once. Bon, ça c'est valide en c++ du coup. Et on va se développer notre, premier, euh, notre propre serveur tcp vite fait. Donc on va implémenter notre première classe. Euh, hop. Donc ça sera le connection server qui va gérer notamment les connexions TCP. Hop. Euh, dans notre connection server du coup on va avoir des éléments qui sont euh, protected, privés, etc. Aïe Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui oh Ouais bah heureusement que j'ai rien dans mon setup pour mettre de bazar moi. Et bonsoir euh, Yodim je suis parti exprès pour revenir en raid. Aïe, aïe, aïe. aïe. Et merci pour les follow. Bonsoir de et Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yodim. Alors, comment ça s'est passé ton live Comment ça on peut passer le avec des LEDs euh, Le seul truc où vous pilotez c'est ce truc-là. Et je crois que c'est limité en termes d'usage. Vous allez mieux y voir comme ça. Donc ouais, j'ai une petite matrice euh, ici que vous pouvez piloter avec des commandes, mais euh, c'est tout quoi. Vous avez fait du café Non, il n'y a pas café, il y a rien ici, a rien. Donc, tout ce qui est distraction, euh, j'ai pas encore eu le temps de développer dessus. Moi. Je bosse sur des vrais projets, monsieur. Euh, ils peuvent payer un café en bits. <laughs> Excellent. Non, non, là c'est prévu d'améliorer le setup avec des, des LED et tout. Mais moi je m'appelle pas Spect, je ne pas, m'appelle pas Yodim, enfin NeoDim. Et euh, c'est voilà. Ah, bon, bref. Change your scene, you Ouais, ça, ça marche aussi. ouais. Mais bon. Euh, bref, donc, euh, bah, bienvenue à, à tous ceux euh, du raid de Yodim. Nous, on travaille sur un petit projet de, de serveur qui, qui utilise ce truc-là. Donc, on a recyclé, bah, je me plante toujours de raccourcis de scène, c'est super. Hein. On a ce truc-là qui est euh, un vieux téléphone qu'on a recyclé en interphone, et donc, euh, on a mis un ESP32 dedans. Euh, notre raid fait même le café, absolument. On a mis un SP32 dedans et on est en train de travailler sur le serveur qui permet de, de se connecter. Donc là, je suis en train de faire du code, euh, commencer à bosser sur justement la conception du serveur euh, qui gère les connexions des interphones. Et voilà, donc il n'y a pas de notre raid ici, on fait du, du C même aujourd'hui. On innove un petit peu, d'habitude on fait du C, mais là on fait du C et on va commencer à bosser sur euh, le serveur TCP euh, qui va gérer les sockets non bloquantes. Donc voilà, grosso modo. Alors après, je refais, euh, je refais maison. Je vais de la roue parce que je pourrais prendre du boost, mais bon, c'est voilà. C'est sûr que Yodim de... c'est deux salles d'ambiance de en ce qui concerne le dev. Ouais. <laughs> bah disons que voilà, Yodim fait du, du dev avec node Red avec du No Code. Euh, ça, ça fonctionne relativement bien. Et moi, ce que je fais, c'est du dev plus euh, plus classique avec du code. Du coup, euh, le No Code, euh, bah, je connais pas plus que ça. Et, et, et voilà, c'est du low code. Ouais, on va dire ça, du low code. Il y avait du C pour le servomoteur. Ah, c'est sûr qu'ici, c'est du vrai code. <laughs> oh, c'est pas du vrai code. Le no code, c'est cool aussi, mais c'est pour des usages différents, des... certainement des personnes différentes. Mais ouais, ouais. Le code pour low skills. Oh, oh, oh. bah, pas forcément, hein. mais bon, bref. C'est pas le cas des deux qu'on cralo de passer à son outil. Ah, bah, en tout cas, moi, euh, notre raid pour faire ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Hein. Là, typiquement, euh, même pour dev sur Respect 32 en Node-RED, je j'ai pas vu pour l'instant des, des choses qui, qui marchaient. Euh, Peut-être que Scratch permettrait de le faire, mais je sais pas. Là, en l'occurrence, on a euh, des interphones qui permettent de se de connecter et de parler. Alors, je pourrais faire une petite démo à la limite du, du téléphone pour ceux que ça intéresse, euh, juste pour que vous voyez euh, que ça fonctionne. Et qu'on arrive à récupérer de la voix, euh, mais on récupère donc du, du signal euh, et on est en train de bosser sur le serveur principal qui va gérer les connexions des deux interphones parce que j'en ai deux, j'en ai fait deux comme ça euh, et on va voir si tout, euh, tout arrive à, à se connecter comme il faut. Mais avant de pouvoir euh, tout interconnecter, il faut bosser sur un petit serveur qui, qui sera le nœud central et euh, sur lequel eh bien, les, les, les interphones viendront se connecter avec euh, une connexion Wi-Fi et ensuite on pourra gérer toutes les interactions entre les, entre les trucs. Euh, mais voilà, donc grosso modo, c'est là où on en est à l'heure actuelle. On est en train de, de, de concevoir notre connection server qui est le, le serveur de, de base qui va gérer les connexions TCP des interphones et ensuite on va voir comment on pourra dispatcher tout ça. Donc, je suis totalement en, en freestyle niveau code, j'ai pas préparé le truc donc on, on improvise un petit peu là-dessus. Euh, par contre, on sait euh, de base par rapport à ce qu'on a déjà discuté, etc., qu'on aura forcément une adresse IP euh, qui sera présente dessus. Donc il euh, va falloir qu'on voit comment on peut modéliser l'adresse IP en question. Et puis euh, on aura certainement aussi un port qui sera, euh, qui sera basé là-dessus. Donc là typiquement ce qu'on va avoir c'est dans ce... On va avoir des propriétés euh, qui seront euh, présentes ici. Alors ça serait bien d'inclure deux, trois trucs qui vont bien histoire de, de pouvoir manipuler tout ça. Euh, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est joli. Oui, non mais moi non plus, je sais pas si ça va marcher. Enfin si, ça va marcher au, au bout d'un moment quand même. Mais, euh, mais le but, c'est que justement de bid de build tout ça en C pour se faciliter la vie. Vu qu'on part sur un projet qui est un peu plus compliqué que ce que je suis habituellement en C, ça sera peut-être plus facile de modéliser tout ça. Bah par exemple, ici, si on part sur, sur un corps, il euh, faut que j'inclus ici les types de base en C. Mais vu que je suis rouillé, il faut que je me retable les libs qui vont bien, notamment l'équivalent standard int, etc sur les sur les headers qui vont bien donc ici normalement si je check tout ça on peut faire un include euh, c'est standard lib qui est la lib standard c'est pour euh, bah, tout ce qui est allocation. Euh, bref à la limite euh, non normalement, les types c'est un include de base ici si je mets un port par exemple comme ceci ça va marcher euh, pourquoi tu gueules toi pourquoi tu gueules Ok, alors bien sûr il y a deux, deux choses importantes qu'il va nous falloir. Il va qu'on crée un constructeur et un destructeur. Voilà. Et euh, donc ça bien sûr, euh, c'est du public. Hein. Voilà. Donc là, on a le constructeur. Qui est un vrai constructeur, contrairement à Python. Et un destructeur qui va être chargé notamment de détruire les objets. Et... De gérer les connexions, ou notamment quand on va se débarrasser de tout ça. Euh, c, puis C, plus, plus, tu vas finir par passer à Python et finir sur une autre raid. Non, non, Cailloux. Euh, du Python, j'en fais régulièrement. Du C, un peu moins en ce moment. Euh, pas mal de C, je fais de l'assembleur aussi. Euh, au besoin. Fin. De ce côté-là, je touche un petit peu à différents langages. Euh, donc, c'est pas, pas vraiment. Quand as des libres de stack IP à inclure aussi. Euh, des libres de stack IP, absolument pas. Euh, là, du coup, on va travailler directement au niveau TCP. Donc. Euh, euh, je vais utiliser des sockets principalement. Donc, par contre des sockets pour, euh, pour C, si j'utilise toute la partie socket, c'est... Euh, du coup, il faut que je vois en C des euh, sockets programming classiques classiquement utilisés. Et il faut que je vois euh, bah, les bibliothèques que je dois inclure. Mais euh, de ce que je vois ici... Ah c'est UC, with classes, c'est pas terrible ça. Euh... Alors c'est c plus, plus pour les sockets. Je prends 2-3 ressources à côté, mais bon, normalement on est sur des, des trucs assez, euh, assez standard. Parce que euh, pour pouvoir gérer des sockets, l'appel à socket, bah, c'est assez standard libre en fait qu'il a géré. Hein. Donc euh, si je fais un include c standard libre, on va pouvoir travailler directement là-dessus. Et donc bien sûr, il me faut aussi une socket. Donc là typiquement c'est... Donc... Euh... Hop, un number port, puis on va faire un number socket. Ok, c'est pas trop mal comme ça. On va voir si ça bide. Hein. L'assemblée, c'est pour les ultras. 20 ans plus tard, je me rappelle encore de mon projet compis de deuxième année. Mais non Et merci pour le follow, Ben Gibbs avec un peu de chance, ça va fonctionner pour marcher. On va attendre le retour du Messi. <coughs> ouais, non, mais vous tracassez pas. Là, on fait du, du dev improvisé. Euh, ça, ça va bien se passer. Il faut que je vous prenne mes marques en C. Parce que ça fait quoi Peut-être un an ou deux que j'ai pas vraiment dev en plus, plus. <coughs> C. L'iPort, c'est le nouveau gadget d'Apple Ouais, ouais. Non, je En fait, je préfixe habituellement les membres de M underscore pour savoir que j'ai affaire à un membre d'une classe euh, plutôt qu'une variable locale, par exemple. Ça évite de se prendre la tête dans, dans tout ça. Euh, et le connection serveur du coup, il euh, faudrait que je check si en C on a cette notion de, de IP adresse qui, qui est bien prévue Ou euh, des, des classes qui permettent de le, de le gérer. Euh, mais il me semble pas. Donc du coup il va falloir qu'on se, qu se cogne. Alors dans Boost ça est présent. Après on peut très bien utiliser Boost, hein, besoin ce que là je vois on a des adresses IP qui sont gérées. c'est juste que Boost euh, je suis moins, moins à l'aise et il va falloir que je, que je reprenne tout ça. Alors qu'en C, au moins je maîtrise. Donc là, je, la partie socket, je vais la gérer avec du code, euh, du code C intégré au C. Donc on va se, se construire notre propre serveur euh, en, so, en, en socket non bloquante. Hein. Ce qui va nous permettre ensuite eh bien, de pouvoir dispatcher et de faire notamment des, des patterns de délégation. Où euh, dès qu'il y aura un, un, une donnée qui sera reçue sur une, euh, sur une des sockets clients, eh euh, qu'on puisse tout simplement dispatcher sur, le, sur les autres. Mais bon, après, je me dis, est-ce que je ne remonte pas la roue et que je ne me prends pas trop la tête avec ça alors que je pourrais réutiliser directement des prendre un truc boost ça serait bien mais encore plus simple à la limite parce hein. euh... que dans le Hop. dans des lib boost habituellement il y a ce qu'il faut quoi parce que si on prend un exemple de socket euh, simple boost tcp client serveur il y a quelques gists qui existent sur lesquels on a notamment et eh bien le client est-ce qu'on a le serveur ouais le serveur est ici et apparemment c'est pas pas super compliqué à mettre en place. On voit ici qu'on a... Euh, il y a des fonctions de just receive, etc. Qui sont, qui sont implémentées. Et là, du coup, on lui dit, ben bah, écoute, voilà un premier thread. Tu, tu run un service. Et après, on, on lui balance un, un socket qui est créé sur mesure, à partir d'une adresse IP qui vient de... Voilà, ça simplifiera quand même pas mal de taf. Hein. Donc, et puis, boost, c'est assez standard, franchement, là-dessus. Après, il faut voir comment faire, le, comment faire le boulot ici en asynchrone, mais... Je pense que je vais prendre la tête avec du, du C alors que je pourrais faire ça avec Boost. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je me mette en place mon truc de compile avec Boost. T'as dilemme, je sais pas si j'utilise Boost ou si j'utilise C. Enfin, les, les primitives euh, système. Mais je me dis que euh, l'asynchrone, enfin, le non bloquant en Boost, c'est de la vraie merde. Après, est-ce que c'est catastrophique si c'est pas non bloquant Euh. Shared Pointer, que ça a d'être un peu la merdasse sur. Sur la partie non bloquante. Bon. Et bon, on va se prendre la tête avec du boost. Alors, première étape, on va s'installer les libs. Euh. Boost. Parce trouve, sont déjà installés sur mon système. Ah uh, libboost a uh, priori le tiré dev qui est uh, le package que uh, libboost est déjà installé en dev. Après faut... il y a peut-être un truc pour la partie socket qui est uh, la SEO notamment. Qui est peut-être nécessaire. Est-ce qu'on l'a ici? Non, libboost all dev. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Donc là on devrait avoir des trucs de dev sur du libboost. Donc si j'ajoute ça. Alors attendez, signal, j'ai pas besoin de le prendre. Je vais pouvoir inclure ça. On va pas se prendre la tête, on va prendre des trucs standards qui marchent. Donc j'inclus ici la libboost dans le makefile. Je lui dis ok. Au niveau des libs pour la compilation. Euh, ça serait bien de, de préciser. Donc là je suis en compilation séparée, donc c'est bon. Par contre, en c libs. Il va falloir linker au moins avec le boost. Et donc, euh, il va falloir lui préciser qu'on veut. Euh, je pense pour le build, on aura besoin de tout ça. Euh, libboost, build, makefile. Qu'est-ce qu'il utilise habituellement pour les bibliothèques boost euh, -i. Ok. Bah, là, du coup, il faut inclure le le package config ça ça sera fait et pour pour la partie du boost a priori c'est pas trop embêtant donc là le boost file system s'il y a besoin de file system ok on va faire ça comme ça j'ai un le boost je vais pas m'en servir pour l'instant je vais laisser le truc tel quel euh, le make file donc euh, hop, si je suis un mec du plus me build le fichier .c. Est. alors tirer en linker, ne peut trouver L boost Alors, package config, il est pas là non plus. Cool, ça s'annonce ça, plutôt sympa, un truc. Tu fais de la rétro sur un interphone pour le reconvertir en serveur VoIP, en gros c'est ça. Absolument sneaky. Euh, c'est exactement ce que je fais. Et là je suis en train de me dire, tiens, si je faisais un projet à la con en C, avec euh, vu que ça fait je suis rouillé, que je maîtrise pas, et puis en utilisant la boost que je connais pas trop non plus, et, et euh, mais bon ça devrait se faire sans trop de soucis. Après pour la boost c'est bizarre que j'ai pas de package config dessus. Attends. Euh... On va installer ça, ce sera plus simple. pt t backports search package config. Je sais plus dans quel truc il est, mais ça c'est très pratique pour générer notamment les entêtes. C'est pkg config du coup. C'est ça. Merde, c'est où Liburn dev Non, 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 non. Python package config Non, merde. Parce que la libboost elle n'est pas présente. Allez merci pour follow l'audit Euh, ta ta ta. Makefile, libboost, ça va être de la misère juste pour le makefile. Super. Alors, il faut lui passer. Que je ne dise pas de bêtises. Il faut localiser en fait l'endroit c'est où c'est stocké. Et normalement, le package config permet de le faire. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de package config installé sur le bacon. Euh, package-config. Ok, merci. Ah, Est-ce que c'est ce truc-là Package-conf, package-config. Gestion de drapeau de compilation et d'édition de... Ah putain, il y avait un tiré en fait. Non ah, mais quel boulet Ok, package config, boost, tirer. Alors après, il y a du CFLAX, il faut lui préciser, je crois. Il faut lui demander le tirer CFLAX. CFLAX, boost. package boost, base de found, et de package config sur page. Je dois pouvoir lui lister notamment les trucs. Ouais, list all. List all. petit grab boost. Euh, ok, cool, merci. <laughs> ça me pète des warnings, c'est sympa. Dans le list all. Ah, c'est grave qui pète un câble ah, oui, C'est parce que j'ai fait de la merde. Euh, Search what the. Ah, ça me saoule cette histoire. Alors, boost, bah non, il n'est pas trouvé en fait. Et boost non plus. Ok, bah il n'est pas, pas connu cool dans les packages. Ok, c'est sympa. Euh, package config-h. Attends, j'ai installé la libboost dev, mais sans. Bah, je pas fait n'importe quoi. Là. Donc il est bien là, c'est bon. Donc c'est là, 1.67. Ah, bah, la galère à la noix. Comment compiler la libboost Comment récupérer les facs de compilation et l'endroit où est installé la libboost C'est normal, package config est censé faire ça. Mais package config ne voit pas ma, euh, ma libboost. Donc alors, allez, package config, boost. Je vais lui donner le chemin complet quoi, c'est un truc de dingue. le package config pareil, je peux pas lui dire, notamment s'il si fait un rescan. Ah, uh, printeros, debug, installed, c flags, libs only, libs. libboost il si en veut pas alors euh, libboost package config package d boost fin de package config sur space no package de found the package config passe. ok merci punaise j'arrive à rien je n'arrive à rien ça va pas du tout à chaque fois alors, on m'avait dit que la lib boost était la merde à, à linker mais, euh... mais ça devient embêtant Peut-être que j'ai pas mis les bons flags, hein, simplement. Si je mets un boost système, par exemple, est-ce que ça gueule Ah bah non, ça ça marche. Ok. Ok, donc quand je build avec euh, la libboost système, ça fonctionne. Et après, il va falloir lui passer libboost le thread aussi, a priori, parce qu'on utilise le thread. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on utilise le thread dans le tcpserve. enfin dans, le, dans la partie boost qui était donnée en exemple ici Sur comment faire un serveur, on a bien le thread.hpp, il y a l'asio aussi. Est-ce qu'on a le libboostasio e du coup Qui existe ou pas euh, Boostasio. Je suis pas sûr que ça existe sur ma machine. On va faire un petit test. Euh, Boostasio, est-ce que ça te parle Non. Nope. Les le boost System par contre, existent. Yep. Ok, bon, je sais pas, on va voir comment ça, comment ça se build. Mais ça devrait se build. Alors, bon, euh, on disait pour la partie makefile, est-ce que c'était ça l'essentiel. Euh, J'ai le boost thread boost system, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va revoir notre serveur TCP pour utiliser, du coup, euh, bah, un serveur qui utilise cet exemple de, de serveur-là. Je ne vais pas m'embêter, on va prendre un exemple classique. Alors, du coup, comment ça marche ce système-là dans Boost Donc, si je comprends bien, dans le main, on définit un service avec un service IO, un IO service, pour être précis, euh, un worker. Ensuite, on lui met des threads donc, euh, qui définissent de Boost, ASIO, IO service run. Donc là, je suppose que c'est quatre threads qui tournent en parallèle. On définit un nouvel accepteur. On lui donne un endpoint avec une IP et un port. Donc là, ça lui dit, voilà, tu as une socket sur tel truc, avec tel port et euh, tu acceptes des connexions dessus, euh, et on a un socket qui dépend de I.O. Ça, je comprends tout à fait. On définit ensuite euh, un vecteur de 2048 octets qui correspond certainement à un buffer de réception, et on lui dit, ben voilà, on accepte des connexions euh, sur euh, une socket qui est présente, euh, ou on ne sait pas d'ailleurs, elle est où cette socket Elle est définie où ma socket What the fuck euh, Cette socket est précisée où ah, si elle est là, c'est la socket TCP socket avec socket IO. Ok, donc c'est la socket qui est mise là. On lui dit, ben voilà, hop, tu passes ce truc là. Euh, on lui passe des options, du coup, avec un, un buffer. Alors ensuite, cette option, donc là, no délai, receive buffer size. Donc là, on met 1920 x 1080 x 4 en buffer de réception. Pareil pour le buffer de mission. Et on lui dit, ben voilà, tu reçois. Euh, mais ça c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une connexion tu reçois tant de, de, de trucs tu bind just receive sur la socket, donc cette fonction là va être appelée quand on reçoit des data. et euh, quand on reçoit des, des datas on a donc byte accumulé byte accum qui, est, euh, qui se trouve incrémenté avec le byte received sachant que c'est euh, byte accum, il est géré à quel endroit il est ici hein, c'est ce truc là donc byte accum, on compte des octets reçus, ensuite on parse avec un itérateur l'ensemble des, des données, et puis dès qu'on a reçu un E, on, mis, on dit le serveur a eu tant d'octets et c'est tout. Et ensuite on fait un async receive et on bind just receive encore une fois. Donc c'est en fait on, on chaîne le, la réception au, à ce niveau-là sur la fonction just receive. Ouais c'est un peu particulier comme manière de fonctionner sur le, sur le boost. Alors, je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure manière de faire. Euh, network Programming. Tiens, bah, c'est ça qu'il nous fallait. Network Programming, un client web, ça m'intéresse pas. Time Server. Donc là, bah, on est sur le même principe. Hein. On a un service. Et puis, pour ce service-là, on a un Write Handler, un Accept Handler. Et on lui donne notamment, bah, tout simplement, euh, lorsqu'on reçoit ici, lorsque ce Accept Handler est appelé. AX5, AX7, ok, ok, là, je comprends, ouais. bon, ça va se faire, on peut même gérer ça avec des méthodes statiques, et une classe qui va synth synthétiser tout ça, ok, bah ça, ça correspond à ce que j'ai là, donc c'est cool. Donc le connection server, ça va être euh, le connection euh, service, du coup. Je sais pas, le connection service, web ouais, yep. euh, on va changer ça. Ok, donc il nous faut quoi pour pouvoir créer un serveur là-dessus Il nous faut un IO Service. Il faut qu'on utilise ce namespace-là. Euh, a priori, il faut inclure tout ça. Donc le ASIO, IO Service, Write HPP, Buffer HPP et le reste. Donc on va inclure tout ça. Dans le IO, j'avais déjà IO Service, IP, etc. C'est bon. Ok, donc on continue. Euh, il va falloir qu'on crée notre propre service, notre propre endpoint, l'accepteur et le socket. Euh, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. On va pouvoir le faire ici en constructeur. Et il va falloir qu'on garde ça ici en private. Donc il va falloir qu'on se mette un IOService. service. Ça sera le mio service. On va se créer un, un acceptor tcp endpoint. Donc que je vais pas du tout initialiser, bien sûr. Hein. Je laisse tel quel. On va se créer un, un endpoint pardon tcp endpoint on va se créer un accepteur tcp acceptor et une socket jusque là tout va bien tout ça c'est private bien sûr parce que on est sur ce euh, genre de choses alors bien sûr ici quand on définit notre tcp socket hum. Donc là, on crée un TCP, en TCP endpoint avec ce truc-là. Euh, c'est moi ou je suis totalement rouillé La notation d'accolade sur la création de ce truc ici, ça ne me parle pas. Euh, ouais, bah, ouais. Bon, en gros, l'idée, c'est d'avoir un, un truc principal qui fait le, la gestion du service avec du thread. Pourquoi pas un multithread, même ça me dérange pas ça de problème. Et à partir de là, on, on dirige tout ça là-dessus. Par contre, il me dit ici TCP, déclaration de pas de classe de stockage spécificateur de type C C. Euh, oui, parce que je n'ai pas utilisé les Donc il faut que je déclare les namespaces que j'emploie ici. Clac. Donc, hop. donc là, en utilisant le namespace boost asio, du coup, ça me donne accès à ces différents éléments. Euh, le port à la socket, du coup, ça n'a plus besoin parce que c'est géré par boost. Ok. Donc maintenant j'ai créé cette petite classe de, de connection service, on va l'implémenter. Donc là, elle est juste déclarée ici. Elle n'est pas, pas utilisée, elle est juste déclarée. Et maintenant, on va pouvoir utiliser tout ça euh, dans notre fichier .cc. Alors là, du coup, c'est plus tcp on va le renommer. Ça sera le service.h. Euh, ici, on renomme ça pareil, service.cc. Donc dans service.cc, on va faire une include du service.h. Euh. non il y, en, il y en a qui aiment bien mettre h, euh, hpp euh, bon, je vais laisser pour h euh, je sais pas d'ailleurs on, on sait plus plus comment c'est quoi la, la règle sur les sur les files les, les headers sur l'extension des fichiers je sais plus du tout euh, ouais ah Non, ça serait cohérent avec ce que j'utilise en CC. Ok, hop, on renomme ça. H. Ok, c'est parti. Donc ici j'ai fait mon include service.h enfin, ah, tout marche bien, il n'y a pas d'erreur dans l'IDE, dans j'ai bien mon petit truc qui est déclaré ici. Et donc ça va forcément importer aussi tout ça, hein, les, le boost ASIO, etc. Et donc si je vais là-dedans, je vais pouvoir commencer à définir ma classe. Et donc pour définir ma classe, euh, sachant qu'ici j'ai défini ce qu'on appelle le, le ce qu'on a défini comme étant le, le connection service, eh bien on va aller mettre... On va commencer par notre constructeur. Le connection service. On va implémenter le constructeur. Hop. Donc ça c'est mon constructeur. Alors, je documente pas trop pour l'instant. On documentera après. On va aussi mettre en place le destructeur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un destructeur à l'heure actuelle Je ne sais pas. On verra par la suite. Donc toujours dans notre classe connection service. On a ici notre destructeur qui est celui-ci. Je vais y arriver. Ne bougez pas. Euh, connection service et voilà donc ça c'est constructeur Destructor. c'est vraiment les deux, les deux méthodes euh, enfin les deux parties vraiment propres à chaque à la classe qui permettent de créer le le, le connecteur et donc ici on peut très bien aussi mettre une adresse IP donc si on reprend un peu la notation à ce niveau là on voit que le endpoint notamment il est précisé euh, il est précisé à quel endroit déjà dans le endpoint euh, le endpoint merde c'était où pour la partie serveur on a un TCP endpoint, donc en V4, sur en 2014, ouais, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Merde, j'ai pas réussi à retrouver le truc. Alors, CPP boost, TCP serveur. Donc on avait du gist, je crois. Hop. Et on devait créer dans le main. Ah, donc il crée un serveur, c'est à peu près le même système que j'utilise moi. Enfin, euh, le même système, donc là on a un accept, par contre il y a un TCP endpoint qui est créé, c'est ça. Donc TCP endpoint, il y a moyen de le faire, donc là on met TCPV4 avec le port en question et ça coûte sur toutes les interfaces et ça me va bien, ce truc-là. Merci pour le follow des safe block. Bon j'avoue ici c'est pas franchement euh, le plus intéressant parce que je suis en train de buter sur boost et euh, j'essaie de piger comment ça marche mais euh, ça va se faire. Donc, ici en fait, il y a une classe session qui a été créée avec la socket, etc. Et on a une classe serveur dans lequel on a aussi, bien sûr, eh bien, le service et un acceptor. Donc, ça, normalement, c'est ce que j'ai déjà défini, me semble, ici. On a le IO service qui est ici. Euh, hop. Bon, ça serait bien d'être un petit peu aligné avec le reste. Euh, ensuite de TCP endpoint, TCP acceptor, TCP socket. Donc, je vais essayer de builder ça au fur et à mesure. Donc, là, typiquement, ça serait bien qu'on puisse lui donner, euh, lorsqu'on crée un port, donc on va lui dire ici. Euh, Hop, on lui donne le numéro de port et à partir de là eh bien, il va créer le, le endpoint qui va bien donc dans le dans la création du dans le constructeur pardon c'est là où on va euh, construire en fait euh, euh, on va créer notre endpoint pour commencer et donc le tcp endpoint il est créé ici euh, C'est vient de ma blues, euh, dans la partie serveur euh, qui doit être ici voilà donc là il crée un, on a un, donc on a un serveur qui est ici hérite de iOS et d'acceptor et il prend en paramètre un TCP endpoint qui est passé ici et donc on se retrouve euh, forcément avec un truc qui dirige l'accepteur. Je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de faire comme ça. Alors, pour cette partie-là, le serveur, du coup, quand il fait un start accept, conholder create, et euh, dans le... Ouais, en fait, ils dirigent, ils dirigent tous de l'accepteur. Ok, c'est un truc apparemment classique. Quand on définit le serveur, et euh, serveur, et du coup, est doit... Et où la définition de la classe là non. Classe serveur, TCP acceptor, acceptor, start accept, OK. Ouais. Alors bustasio donc ici on est sur un truc standard. Et on a le TCP acceptor qui est le truc de base. OK, donc en fait quand tu fais un serveur, tu fais un tverie de TCP acceptor. Euh... Ok, alors on va du côté de TCP accepteur, alors TCP accepteur, donc là c'est un basique TCP accepteur, est-ce qu'on a un exemple là-dedans, je suis même pas sûr, alors, exemple, on a une socket avec SO réduit LDR. donc on a un accepteur ici, on crée notre endpoint avec TCP IPv4 et le port, ok, donc, ça, c'est notre endpoint ici qu'il va falloir mettre en place. Et on fait un accepteur open avec le. Ok, ça, c'est la merdouille. J'aurais moins galéré à faire C je pense, qu'avec Boost. Allez, on va essayer de faire le truc, voir si ça passe. Après, une fois que la partie euh, socket sera gérée, euh, ça va être beaucoup plus simple à traiter. Euh... Ok donc en fait l'acceptor c'est le, le serveur. D'accord ok je pige mieux. Donc effectivement mon... Ma classe ça serait bien de que ça hérite de ça. Alors est-ce qu'on a un tutoriel sur Boost Acceptor tutoriel. Un truc qui indique un petit peu. Tutorial 1.63. Alors, Synchronous Daytime, TCP Daytime Server, donc ici, Boost yeux TCP, ok. Alors, TCP alors, un objet TCP IP Acceptor non, a besoin d'être créé pour écouter pour de nouvelles connexions, c'est pour enfin, là, on l'initialise pour écouter là-dessus, ok. Donc en fait, il faut que l'Acceptor, ou alors j'ai tout simplement qu'à dériver euh, ma classe de l'Acceptor, comme ça on ne sait pas suer. Donc ici en fait ça, ça serait un Hop. la dérive du TCP accepteur et ça règle le problème. Et comme ça cette partie-là, j'ai pas à la gérer. La socket a priori si je crée mon truc, il faut quand même que je crée la socket. le service a priori aussi et le endpoint tcp on verra donc on va commencer par l'acceptor déjà pour commencer ici donc je vais enlever ça pour l'instant on va commencer par l'accepteur du coup là hop. donc là c'est int port et on va appeler derrière on a vu que c'était le tcp acceptor et il prend paramètres euh, C'était ici, hop, donc il prend en paramètre sur la partie euh, constructeur un contexte, ok cool. C'est quoi que ça prend quoi comme contexte ce truc là Alors, TCP acceptor type. Member function Donc ici on s'en sert pour faire donc on lui passe un IO service et un TCP endpoint. Ok donc ça c'est le contexte. C'est ça un TCP acceptor donc il faut lui passer le IO service. Ça suppose qu'on a un IO service qui soit créé. Or ce IO service, il est créé où Ok donc c'est en dehors du serveur. Ok donc c'est en paramètre, on doit lui passer un IO service. Ah ça marche bon on va y arriver hein, ce truc hein. donc ça veut dire ici que grosso modo le IO service je passe en paramètre du connection service euh, et donc le IO service il est défini comme étant ouais c'est ça en fait de serveur il prend bien en paramètre un IO service ok ouais donc là c'est ça reprend exactement le même schéma que ce que je cherchais à faire et ça c'est cool et effectivement, le port c'est un short parce qu'il il est sur deux octets. Ok, donc là, on va reprendre ce truc-là. Donc, je lui passe un io service et on va lui passer un short pour le port. On Peut même mettre un unsigned short parce que c'est pas un... pas signé. Comme ça, on sera tranquille. Et on va reporter ça dans service.cc. Donc, hop. donc ici, je lui passe un boost io service. Unsigned short du port, et on va instancier l'acceptor en respectant le même truc qu'il a fait ici, c'est-à-dire. Mais ça veut dire qu'en fait, j'hérite aussi d'iOS et je n'en ai pas fait. Parce que là, il va gueuler du coup. Euh, du coup c'est un TCP accepteur et le iOS je ne l'ai pas implémenté parce que le TCP iOS il doit être dans dans quoi d'ailleurs Euh, comment c'est fichu leur truc Comment c'est foutu Alors du coup... Euh, ouais, donc là j'ai le boost Azio, ok. Oui c'est ça, donc en fait ça, ça, ça irrite bien. Euh, merci pour le follow Dumble42. Je, je, c'est la première fois que j'utilise boost pour faire du network et c'est juste la mort. Euh, par contre, j'ai un iOS ici. Euh... <laughs> il définit où ce iOS un... Ah oui, c'est un iOS service, ok. Alors, boost, 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 IPTCP accepteur, ok. Alors, tout... oh, pff, forcément, je tombe sur ça. Oh, c'est des tutos... Oh mon dieu, c'est horrible C'est quoi ces tutos là Boost Azure you service. ok. Euh, boost Azure performance ça peut que soit différent de la performance de développement. Ok, why not. Euh, pourquoi pas. L'opération synchrone, oui, mais ça opération synchrone, asynchrone, ok, Nos problemo. Maintenant ce que je veux voir, c'est comment, comment ça se crée ton truc là. Alors, euh, TCP endpoint, c'est représentant un couple adresse IP e port, TCP resolver, TCP socket, TCP acceptor, c'est qui possède un membre, oui, ok, jusque-là tout va bien. Jusque-là je suis d'accord avec toi, par contre euh, la notion d'iOS, je ne vois pas où elle est ici. Typiquement, si je respecte mon code, je devrais m'en tenir à ça. Pour qu'il euh, qu initialise l'accepteur en fait, dans ma classe Connection Service. Et ça, ça règle le problème. Ça veut dire qu'il va créer en fait un acceptor en se basant sur, euh, sur le service iOS qui est passé en paramètre ici, enfin référence pour être précis, euh, faire de l'IPv4 euh, et se connecter sur le port qui est passé ici. Donc là, il est censé en tout cas mettre, un, mettre tout ça en place. Et donc, si je lui dis OK maintenant, comme ça, hop, ça marche comme ça. Si je reprends mon, mon boost IGO serveur exemple. Euh, je suis censé lui faire lui faire un, un A5 accept un session je ne l'ai pas en place ici la session c'est standard Mac sure session iOS ok Et donc ça dépend d'ici d'iOS ok mais c'est pas cool ton truc là J -j -j Je vais copier ça bêtement pour l'instant, puis on va décro dé décortiquer le truc. Alors du coup, hop. Session, c'est une classe que j'ai pas, donc ça, ça, ne marchera pas. Euh, make shared session iOS. Ok. Donc là, il crée sa propre session sur la classe qu'il a mis en place ici. Donc on lui passe en paramètre un io, un, un, un IO service. Et ça hérite de socket iOS qui hérite lui de socket TCP ici. Ok, donc ça fait une TCP socket. Il implémente ici get socket qui retourne directement l'objet socket qui, dé qui dérive d'ici. Et un start pour la session qui fait un read de la session et qui handle le read. Ok, et qui dit voilà, j'ai reçu euh, ce message là. Le but du jeu, c'est d'utiliser Boost pour mettre en place un serveur rue qui communique en asynchrone. Absolument, c'est exactement ça. Alors le problème, c'est que autant c'est que je connais, autant Boost, euh, c'est totalement nouveau. Et euh, je me dis que ça peut être intéressant au lieu de réinventer la roue, de, de reprendre un truc qui, qui marche, quoi. Donc euh, le connection service, etc. Ça c'est bon. Euh, donc en fait, ouais, c'est ça. Là, il lance en fait euh, l'acceptor, mais l'acceptor, il est présent à quel... il est déclaré à quel endroit leur truc accepteur ici? Euh, l'accepteur il est ici. Euh... Mm -hmm. ah, parce que ici j'ai un accepteur dans le 10. Ok. Ok, donc ça l'accepteur il est présent ici. Ça, faut que je le rajoute aussi chez moi. Donc, euh, private. On a un TCP acceptor accepteur, accepteur. Ok, ce qui fait que du coup, quand je me mets là-dedans, l'accepteur A5 accepte, ça c'est bon. Session, uh, session get socket, ok, mais alors ton session, handle accept, ok. Donc, handle accept, c'est ce qui est appelé lorsqu'il se connecte. Donc, ça veut dire ici que dans le constructeur de son serveur il fait un accepteur à 5 accepte il passe une session à partir de service il fait un get socket la session sauf qu'ici la session okay, quand tu fais un get socket elle récupère que la socket et la socket elle dépend de us okay, donc là ça serait la socket serveur du coup et il accepte sur la socket serveur Ok, bah c'est ici ça fait sens en fait, c'est bon. Oula, pouf. C'est... Ok, donc en fait la session get socket en l'occurrence ici, ça lui retourne sa session, et, et la socket serveur, et en fait de session, c'est euh, ça gère ce qu'il reçoit sur la socket serveur. Mais une fois qu'il y a eu l'accept qui est effectué. Et il bind sur la session courante c'est juste de la mort. L'acceptor, c'est la socket de listen. Ouais ouais, c'est ça. L'acceptor, c'est la socket qui fait le listen et qui, qui accepte du coup les, les requêtes et euh, il appelle donc le, la méthode handle serve, de serveur pour euh, à chaque fois qu'il y a une, une connexion qui est euh, qui est reçue et le premier paramètre qui est passé à cette session à cette, à cette fonction, c'est justement une session qui est la session suivante ici et il fait un session start Ensuite, il fait un accept, uh, A5 accept sur, euh, sur tout ça. Et il réappelle ici le. La, alors, c'est s'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Euh, donc, autrement dit, il refait un accept. Ok, donc il accepte une session. Il fait un, un session start. Le session start, ce qu'il fait, c'est que du coup, il lit des données euh, directement de, de la session. Il y a un ondel read qui est appelé lorsque les données sont lues, qui va afficher notamment ce qui a été reçu. Et, euh, et c'est tout en fait. Dès, dès que la Il fait ça, en fait, et a priori, bah, toute la donnée est reçue, il faut que je teste en fait ce, ce truc-là pour vérifier. Mais ça a l'air d'être ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, quand il reçoit les données, euh, et bien la session, la session elle, elle représente un host qui a été accepté. Et sauf que tu es obligé de demander à chaque fois d'accepter une nouvelle connexion sur l'acceptor. C'est bizarre ce truc. Bah de ce que je me souviens au niveau de, de l'accept, euh, ça serait bien peut-être d'aller voir le, la partie boost on A5 Accept. Et là on est tout en, asyn tout en asyn asynchrone, alors on a, a A5 accept qui prend un socket servir, un accept handler, et euh, donc cette fonction pour accepter de manière asynchrone une nouvelle connexion dans un socket. Euh, donc, le pire qui est passé en paramètre euh, ici, euh, qui est ce truc là, euh, dans la fonction euh, A5 accept, c'est la socket dans laquelle euh, la collection va être acceptée. Donc, la propriété, etc. Machin, truc. Handler, c'est l'handler qui va être appelé lorsque l'opération euh, est terminée. Et donc, l'accept handler, il prend principalement. Euh, il prend quoi C'est ça qui est bizarre en fait. Quand il fait le, le A5 accept. Il a le handler qui, euh, qui est bien précisé. Si je regarde ici sur l'acceptor, du coup, le handler, il est placé juste après le accept handler ici. Après, il y a deux overloads, mais. Alors, comment gérer plusieurs clients avec un 5 accept Et donc là on a le voilà do accept à accept on a donc le socket qui est ici et le handler qui se trouve être euh, ici donc il fait un make shared il crée une session et il start la session et ensuite il appelle do accept pour recommencer ok ah, ouais, désolé, t'aimes pas les liens, mais ça pourrait être utile. Non, mais moi je, je débute en. TCP server en client. Oui, ça, je suis tombé dessus tout à l'heure. En fait, c'est l'accept qui, qui me bug dans l'histoire. Et en fait, l'accept, il considère que du coup la socket elle est, elle est connectée et es obligé de refaire un accept pour gérer le truc, c'est super bizarre. Alors, le, le serveur TCP asynchrone, euh, TV serveur TCP asynchrone, Donc, si je base sur l'exemple que tu me donnes, euh, ça sera peut-être plus parlant. Alors, je me dis, j'aurais dû le faire en C en fait, <laughs> j'aurais moins galéré. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pas faire là, ça c'est le socket je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie asynchrone. Alors en asynchrone, si je me base là-dessus, donc euh, on a deux imports, bind et enable shared from this. Donc euh, Ok. Donc ici, grosso modo, ce qu'il fait, c'est que euh, dans le main, il crée son, A5, son acceptor, il fait un A5 accept sur le connection socket, bien sûr. Donc sur le connection socket qui est euh, du coup euh, la socket qui a été créée pour, euh, pour accepter. Et il bind un euh, de l'accept. Et un de l'accept est appelé, notamment pour chaque connexion. Là, on a une connexion. Il fait un connection start. Et il appelle start accept, c'est-à-dire qu'en gros ça boucle sur le start accept. Ouais, c'est, c'est particulier. Alors, ils disent quoi ici euh... le share Connection. Notre classe serveur va créer une socket et va démarrer l'opération accept pour attendre une connexion de manière asynchrone. On définit aussi un constructeur pour notre serveur qui démarre l'écoute pour, enfin, pour... attendre une connexion sur un port spécifié. Si aucune erreur se produit, dans ce cas-là, la connexion avec le client va être établie. C'est notre fonction principale. On a besoin de l'objet IO service, euh, bien sûr, avec le serveur. La fonction run va bloquer tant que tout n'est pas terminé et euh, jusqu'à ce que le IO service soit stoppé. Donc, euh, et donc à partir de là, il envoie les messages. <laughs> C'est le, ouais, le, le, le truc d'accepter un synchrone, ça, ça me bug. Parce que normalement en C quand tu fais un accept tu récupères un nouvel identifiant, un, nouvel, un nouveau descripteur de socket en fait, pour les, les sockets clientes. Mais là je vois pas la, la, le principe là en place dans ce truc en C++ et ça me, ça me bloque. Acceptera A5 accept donc euh, bah, du coup j'ai pas mes sessions donc ça va pas marcher des masses ici. Et on fait un boost bind, donc ça du coup on... Ba... Cet appel là c'est ce qui crée le handler, on lui dit voilà t'appelles l'handler accept avec l'objet 10. Tu lui passes en paramètre une session plus, un, plus une erreur. Euh, enfin, le placeholder error. Et euh, normalement, dans l'exemple que j'ai trouvé, c'est ce qu'il faisait en fait. Hein, typiquement, est... ici, lorsqu'il appelait le handle accept, on retrouve ici, alors, je ne sais pas si c'est très mais on retrouve ici la, la session qui est passée, plus d'erreurs. Et ici, il gère notamment ce qui se passe. Donc, il démarre la session. Il share la session euh, par rapport à ça. Et ensuite, il fait un accept sur l'acceptor pour accepter une nouvelle, section, une nouvelle session. Euh, et euh, et c'est parti quoi Ok, il ne lance pas une coroutine euh, Pas à ma connaissance là. Attends. Il ne lance pas de coroutine, non. Je pas vu de coroutine. En fait, pour moi, le, le bind ici, c'est sur d'événementiel. C'est lorsqu'il y, lorsqu y a un accept, lorsqu'une connexion arrive sur cette socket, la socket qui est liée à la session active ici, la session qui est créée, du coup, à partir du, du service à ce niveau-là. Euh, bah, tout simplement, il appelle dans de l'accept avec les différents paramètres. Ça start la session. Donc, session start, c'est une classe qui est définie juste avant ici. Et le start, ça permet de faire une lecture asynchrone. Donc, il fait une lecture asynchrone sur un buffer particulier et quand ça réussit, il appelle AndalRead. Underread qui est ici, qui récupère la session, les codes d'erreur et noms de d'octets transférés, et qui affiche en fait sur la sortie standard euh, bah, ce qui a été reçu tout simplement et qui redéclenche une lecture sur la socket. Euh, donc, sur la socket cliente, je présume ici, euh, qui va bah, en fait euh, indiquer tout ce qui a été reçu au fur et à mesure, mais il n'y a jamais rien qui est mis ici euh, sur cette socket. Bon, a priori, ça pourrait être. Euh... On peut, on peut juste reprendre ça pour voir ce que ça donne hein, sur, euh, en termes de test. Ça peut être pas mal euh, pour cette partie-là. Si je reprends ici de, de la session, on va se faire un nouveau fichier. On inclut new file session.h. On va se faire un petit session.cc ici. Hop. Alors sur session .h -h. Tac. Donc ça c'est. Alors je vais descendre les deux. Uh, pragma-once, uh, les includes qui vont bien, qu'on n'oublie pas, parce que c'est toujours le même problème ici, il nous faut du boost-asio, uh, memory, use-stream, bon, on va mettre assez large pour l'instant, la classe session, public standard, in, uh, enable shared from this session, ok, public session, alors par contre le socket il est défini par ce truc là, qu'on rajoute le petit using uh, boostasio ip tcp qui définit la, la partie socket. Par contre la classe session ici... Euh, j'essaie juste de comprendre je suis... Alors, euh, du coup c'est un site de coroutine à chaque nouvelle connexion tu startes une méthode de ton objet qui lance la session, ouais c'est ça ton objet a une méthode pour read la socket totalement asynchrone et la doc doit te fournir une méthode write sur la socket et as tout ce qu'il faut pour gérer la session, absolument Mais en fait là, là pour l'instant tu vois j'ai mon service qui gère le service de connexion euh, qui lui en gros euh, va créer la socket qui va écouter l'acceptor et qui va y instancier des bah, tout simplement des, des connexions en fait hein, euh, des sessions euh, qui va euh, bah, du coup ouais, en se basant sur ce modèle là. Mais ouais. après les sessions, je vais les étoffer, je pense, par rapport à ce qui est là. Mais c'est exactement ça. Ouais. Euh, ce qui est assez compliqué, j'essaie de faire le truc en, en compilation séparée. Donc, euh, si je reprends ce truc là, on doit être à peu près comme ça. Voilà, si je vais mettre un void ici. hop ah. Donc, on a le handle read qui prend tout ça en, en compte. On va mettre ça un petit peu en forme. Tac. Et voilà, là pour l'instant son truc, ça ressemble à ça. Euh... Alors, sans cette partie-là. Mais par contre, euh, le socket iOS qui est, des... qui est présent ici est pas déclaré de mémoire. Euh... Des constructeurs hérités, normalement c'est comme ça que c'est utilisé. TCP mmh, mmh, mmh. socket là du coup il va gueuler parce que il faut mettre ça. Ça, c'est mon constructeur ici. Hop. Ensuite, TCP Socket, c'est les méthodes qui sont, euh, qui sont partagées. Et on va pouvoir implémenter ça correctement dans le session.cc. Session.cc. Du coup, on fait un include session.hh. Là. Et ensuite, on va recopier notre code qu'on a trouvé tout à l'heure. Et on va faire l'implémentation de la session. Hop. Alors, du coup, euh, session. Pour le constructeur session up session boost socket. Ok, euh, pour le TCP socket, ça c'est bon. Euh, return socket, ah, faut que je remets un using. Socket, ah aussi, socket, donc socket non qualifié qui est de type int, ah oui, poum euh, poum poum, c'est ici, donc tcp socket socket, m socket, non session cc, identificateur socket non défini, ok cool, merci. Du coup, il va me dire 10, c'est pas défini. Une fonctionnement non statique. Bah oui, mais c'est parce que j'ai pas mis session en fait. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Euh, attendez, hop, j'ai n'importe quoi. Hop, c'est là. M socket, voilà, beaucoup mieux. Euh, hop. Le start. On définit donc session start. Euh, du coup, maintenant j'utilise socket et pas Socket. Ok ensuite l'handle read Donc, session handle read m euh, bah, du coup test oui c'est quoi ce truc là? Euh, handle read shot from this error by transfer euh, je crois que c'est un truc qui avait été balancé ici parce que du coup le test effectivement il a pas... Enfin c'est débile ici ça marche pas. Face to compare, face to Bon on va essayer au pire de mettre juste la taille euh, truc, euh, de trucs de ça récupérer. Ok, donc là je fais receive byte transfer byte. Okay. Et ensuite il fait un read sum avec le même truc que ça me semble pas trop mal. Le coup private il a pas besoin. Hop. Et voilà, donc ça, ça fait de la fiche ça, ça gère le truc sur la session. Et donc sur les services, on va pouvoir reprendre un peu de son code. Euh, avec le handle accept notamment. Donc le handle service du coup il va falloir qu'on passe avec un iOS euh, et le port, mais ça je crois que normalement je l'ai mis en place. Et l'accepteur ici. On va reprendre. Alors je vais me baser sur un truc, euh, bah, du coup le code existant, l'accepte, hein, euh, session. Ah session, bah, du coup je ne l'ai pas défini moi mon, dans, mon, dans mon truc. Parce que du coup, il va falloir que je le mette en place ici. Donc l'accepteur, normalement, il a... Euh, dans le session, session yes, donc ça c'est bon. Enfin faut qu'on prenne ça. Non, pas là. Euh, c'est dans service.cc. Du coup, juste avant, on définit la session. Euh, session, du coup, service.hh, il faut que j'inclue session.hh. Comme ceci ce qui devrait marcher un petit peu mieux ok r5 accepte il m'a dit alors aucune instance de fonction sont socket accepte les types d'arguments sont les petit boost accepteur ok alors là le serveur un nom suivi de point point doit être un nom de classe ou d'espace de nom ok alors savoir serveur c'est parce que c'est pas le mien c'est le connection service Hop ça c'est bon handle accept elle n'est pas définie donc on va l'ajouter dans le service ici dans le dans les méthodes private on va gérer le handle connection accept qui est implémenté ici donc là handle connection accept je vais le laisser tel quel hop et on va l'implémenter dans service.cc à ce niveau-là, en lui disant que ça, ça fait partie du connection service. Bon, pour l'instant, j'adapte juste un code existant, hein. je me fais pas trop, euh, pas trop suer, j'essaie d'avoir un truc qui, qui fonctionne. Euh, donc handle accept, donc ça c'est bon pour les sessions. Session start à 5 accept. oui parce que c'est toujours le connection service ici. Hop. Hey salut Tolketna et ça m'a pas l'air trop mal. Donc là du coup on a fait pas mal de modifs. On a le handle accept, on a le handle read qui est géré dans la session. Euh, Est-ce que ça bid mon truc Ça serait étonnant que ça marche. Enfin clean make. Donc là du coup euh, on voit notamment qu'il a build le main.cc mais qu'il n'a pas build le reste. <laughs> Alors que normalement dans le source, je suis censé avoir session, service et main.cc. Euh, ça c'est pas cool. Alors peut-être que dans le makefile j'étais un petit peu limitant. Ah oui, source j'ai mis main.cc, donc on va mettre session.cc et service.cc. Hop, on va faire un petit make. Ok, bon, euh, ça se présente un peu mieux. Donc là, j'ai euh, classe session data field, name socket. Oui, c'est m socket du coup que j'ai mis moi. Euh, hop, ça c'est pour instancier le champ m socket. Ok, donc voyons voir ce que ça passe ici. Eh, ça a l'air pas trop trop mal encore. Hein. Merci pour follow, notre euh, No matching function for call boost boostasio basic socket acceptor. Infile including... Euh, ok. Apparemment, il n'est pas content sur celui-là. Et iOS was not declared in disk. Ok. Donc j'ai encore un autre, une autre erreur avec iOS. Euh, oui, ça, je vois d'où ça vient. C'est ici, en fait. iOS, iOS. Dans la classe serveur... Il me manque ça. Ok, donc euh, oui, c'est normal ce qu'il me faut la référence. Euh, donc, c'est dans le Il faut que je mette ça et que j'appelle dans le constructeur ici. Chose que j'ai pas fait. iOS, iOS, comme ceci. Hop, alors voyons voir ce que ça marche un petit peu mieux. Ça marche toujours pas top. Par contre, le reste, c'est bon. Uh, Non-batching function for call basic socket acceptor. Il n'aime pas du tout ici euh, parce qu'a priori il m'a dit que euh, basic socket acceptor template argument deduction situation failed to argument 0 provided. Ok, bon alors j'ai un problème de build. Euh, le TCP acceptor ici. Euh, bah, du coup, c'était l'acceptor, c'est pour ça. Là, c'est moi qui fais de la merde. c'est bon. Ça devrait marcher mieux, mon truc, non. Euh, Basique socket acceptor, il est toujours en problème. Euh, connection SOS will be initialized after. Euh, TCP acceptor. Dans le constructeur. Eh fu pourquoi ça merdouille. En fait c'est quand il fait le connexion service ici, l'acceptor il arrive il veut pas l'initialiser avec ça. Sachant que le port est passé ici. Ou alors c'est juste qu'il faut lui passer un short et pas un unsigned short et comme ça il matche pas. Il va gueuler ce que c'est pas... j'ai pas changé le type. Hop, on voir ce que c'est ça, nope, il dit qu'il trouve pas pour l'appel, donc avec euh, Basic Socket Acceptor, ok. Alors, Basic Socket Acceptor, soit il prend un Basic Socket Acceptor, soit il prend un IO Context, soit il prend un Endpoint normalement. Non, ça m'a ce que j'ai fait. J'ai pas fait comme il fallait. Attendez. Euh, comment il instancie son truc lui euh, Donc il fait un Acceptor, iOS, TCP Endpoint. Il y a un iOS, iOS. Ok. Ok. Pourquoi ça marche pas? Allez, on touche au but là. Euh, du coup. Alors, un constructeur connection service iOS will be initialized after. Ok. Oui, il sera initialisé après, effectivement. Uh, Donc là ce que dit ce lorsque c'est initialisé c'est l'accepteur qui merde en fait no matching function call for call to boost asio basic socket acceptor boost asio, IPTCP, basic socket acceptor pourquoi a pas mon endpoint là Si je lui envoie, si je le enlève point qu'est-ce qu'il dit Je pas juste ça. Non, j'ai même un problème. On va aller prendre la documentation Boost, ça sera plus simple. Euh, boost. Euh... Alors TCP/IP, donc là c'est, on dit pas bah, ça, un service TCP endpoint TCPv4, mais c'est ce que j'ai, non? Là, je vais passer un TCP endpoint, TCPv4 et le port. Et il veut pas. Il ne veut pas. Pourquoi? Sachant que dans mon service.hh, l'acceptor la est défini comme ceci. Il est défini aussi comme ceci. Ici. Donc ça, c'est passé par référence. Par contre, l'accepteur, il est instancié directement avec ça. Euh, pourquoi ça veut pas Pourquoi ça veut pas On n'est pas loin. Hein il y a juste cette fonction-là qui m'airdouille. Euh, je vais voir si j'ai un truc qui existe dessus. Alors... Euh... Mais ça, typiquement, c'est des, des prototypages. Hein. Alors, constructeur est documenté ici. Donc, ça, c'est le Basic Socket Acceptor. Donc, IO Service. OK, on peut lui passer un TCP Endpoint. Non, non. Donc, IO Service, TCP Endpoint. Reuse Address, à True. Bon, faut lui passer une référence d'endpoint ok sinon le protocole native acceptor ça je suis d'accord la lib boost aura un delta trop important entre doc et celle de ton os je sais pas je pense pas moi c'est la 163 donc je suis pas non plus je peux essayer de piquer la doc de 163 hein, si on veut je pense que hop ben on a la référence sur le boost asio ok socket alors c'était quoi c'était le euh, l'acceptor basic socket acceptor IPTCP acceptor c'est celui-là du coup IPTCP acceptor on a le, le constructeur alors un signe c'est pas ça j'ai le constructeur, moi. Constructeur. Ah, ok, va bah laisse tomber, c'est juste horrible à lire. En tout cas, celle-là, euh, je lui passe un IO service et un endpoint. Normalement, il devrait être content. Et là, il gueule, parce qu'en gros, il me dit que euh, dans le basic socket acceptor, candidate expect one argument, zero provided. Et il n'arrive pas en fait à trouver, à déduire le, les paramètres qui sont passés. Donc Normalement, je lui passe un iOS et un TCP endpoint. Mais là, il n'en veut pas. Donc lui, il attend deux arguments, normalement, sur celui-là. Donc il attend le protocole plus euh, la value type. Ça marche pas. Donc après, il essaie avec le accepteur euh, other. Il attend un argument. Il a... Pour lui, il y a zéro argument fourni, en fait, pour l'accepteur, alors que pourtant, il y en a deux. C'est ça qui est bizarre. En fait, ici, pour lui, il considère qu'il n'y a pas d'argument passé. Au Niveau de l'accepteur, alors que j'en passe deux, peut-être des problèmes de parenthèse entre les deux, je sais pas. J'en ai un, deux, trois, un, deux, trois, c'est quand même bizarre. Le jeu, de boost, inclus, un, un jeu tuto avec un code de démo sympa. Bah écoute, c'était un peu ce que sur, sur quoi je m'étais basé, oui. Asynchronous TCP Daytime Server. Uh, accepteur, TCP endpoint, tcpv 4 hein, c'est exactement ça en fait. Hein. J'ai bien le IO context. Alors qu'ici, prend IO service, il met pas le IO context. Là, c'est la 1.77, et moi, ma version de la libboost que j'ai ici. Ah, forcément, ça merdouille. Moi, j'ai la 1.67 qui est déployée ici. Donc, euh, la 1.67, déjà, si tu prends la doc que tu m'as passé, on n'est euh, pas sur la bonne version. Hein. Est-ce qu'on peut changer de la version, du coup Alors, euh, boost euh, documentation 1.67.0. Euh, boost épipes d'abris. Donc, ici, on va tomber sur le network. Ah, oui, Azio, c'était ça. Celle-ci qu'il nous faut. Alors, examples. Euh, C11, example. Euh, allocation server. Non. Echo. Echo TCP. Echo server. Et idéalement en asynchrone, ce serait bien. Ok, donc là, c'est le Echo server. Donc, voilà comment il fait. Donc, la classe serveur ici. Donc, on a un acceptor. On lui passe un IO context déjà. Donc, ça, c'est pas bon parce que moi, je lui ai passé un IO service. Peut-être peut pour ça qu'il pète en fait parce qu'il il s'attend à avoir un contexte et pas un service et ça ne matche pas. Ok, donc le boost ASIO. Donc, on crée un ASIO context. Et. Ok, donc on va, on va changer ça. On va changer le IO service par IO context. Ça trouve, c'est ça qui merde en fait. Euh, Service.h, donc là on va faire un contexte. Ok, ça c'est bon. Donc dans le service.cc, on va lui dire écoute, là c'est du contexte. Hop, comme ceci. On se base là-dessus. Donc dans le serveur. Il lui passe le contexte et le port, et il y a un accepteur qui balance ça. Ok, donc là je vais virer l'iOS, parce qu'on s'en fout en fait du contexte, à moins de voir un IO contexte plutôt. Il vaut IO context, ça c'est peut-être jouable. Et un accepteur où on passe un IO context pour respecter un petit peu ce qui avait été fait précédemment. Donc là, vu qu'on a un IO contexte ici, passer par référence, et il faut bien sûr lui passer. Ceci ici. Voilà. Donc là, je lui passe un IO context par ref. Ça permet de créer le mien, de lui passer l'IO context qui va bien. Dans la session, du coup, on va lui passer l'IO context. Pareil. Donc ici, ce pas un IO service, c'est un IO context. Et donc dans la session.cc, on lui passe la même chose, un IO contexte Et il crée une socket avec cet IO contexte. Et normalement on ne devrait pas être mauvais. Ok, voyons voir si ça change beaucoup de choses. Alors il y a un peu de mieux. Euh, par contre, il n'y a toujours pas de fonction euh, qui match ici. Et l'IOContext, il gueule un peu. Il dit euh, que ça a été initialisé. Ok, là, je vais basculer. Je vais virer le truc euh, qu'il a fait avec son IOContext à la con. Là. On va juste le garder comme ça. Donc, je passe de l'IOContext. Euh, tac, on vire ça. On va faire un IOContext comme ceci. Voilà. On lui passe au contexte sur la session. Alors, est-ce que ça gueule maintenant Toujours. Bon, ça gueule toujours ici sur l'acceptor. Sur Et j'ai un autre problème sur iOS qui n'a pas été déclaré dans la session. Ça, c'est du code qui doit traîner, qui référencie iOS dans la session. service cc 24 service cc 24 et celle ci ok donc je comprends pourquoi il passait par référence ici ça marche OK. Ça me gassé. Boost as you you context. You context, OK. Ça c'est good, et du coup là c'est peut-être un peu mieux, mais euh, encore le constructeur qui, pète des, qui fait des siennes. Tout le reste a l'air bon, par contre ici il dit qu'il n'a pas de, de fonction qui match sur ce truc-là, alors que je me base exactement sur ce machin-là. Donc il passe un « io-context ». Donc il a défini son acceptor ici, il, est, il instancie, il instancie son, son acceptor avec un « io-context » ici qui est passé par référence, hein, donc c'est bien le même que moi et le tcp endpoint avec un port qui est passé en short et ensuite il fait un do accept et il balance le do accept en private avec a5 accept alors que celui là ce qu'il fait c'est qu'il lance un a5 accept avec session get socket et le session io context Pourquoi ça me merde Après il n'y a, a pas que la lib qui merde. Hein. Parce que là clairement c'est un problème au niveau C sur le Alors si, si je reprends le code du listing je compile et exécute sans souci. Oui oui non mais absolument je suis tout à fait d'accord avec toi mais j'ai pas repris exactement ce code là c'est bien mon problème, c'est que j'ai d'adapter et ça ne passe pas. Et c'est dû à l'implémentation qui a été faite par un autre gars sur une autre version certainement de la bibliothèque. Mais, Mais je trouve mon erreur. Et si je trouve mon erreur, je comprendrai pourquoi ça marche pas. Euh, pour, pour, pour. Donc ça, auto self-share from this. Ok. Sinon on peut reprendre ça, hein. puis hein, je reprends la session qui est ici, puis on y va, hein. c'est parti. J'aimerais bien savoir pourquoi je fais pas comme il faut en fait, c'est ça le truc. Pourquoi ça marche pas j'aime la classe serveur, serveur boost audio context short accepteur io context, etc. On essaie de faire un doux accept, mais ça, ça, normalement, c'est bon. L'accepteur, j'ai passé les bons trucs. Et il en veut toujours pas, cet idiot. ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre des services. Je vais virer ça pour l'instant. Tu ton constructeur mais entièrement car la cam cache une partie. Ah, la cam cache une partie. Ah oui, tu veux dire la, la fin Attends, je dois pouvoir le On va faire comme ça, si tu veux. Euh... Comme ça. Non, le constructeur en fait, c'est ce qu'il fait, le, le gars qui avait fait le truc avant, ce qu'il faisait, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'il instanciait son, son service, il backup son contexte avec, euh, donc euh, il backup la référence euh, sur le contexte. Qui est passé en paramètre pour pouvoir s'en servir par la suite. Et il crée un accepteur avec euh, ce contexte-là, plus euh, le endpoint en TCPv4. Euh, Or, ça, ça n'a pas l'air de passer, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Merci pour le follow, Hordary. Et ça me saoule, parce que normalement, ça devrait passer. Au pire, la petite bidouille ici pour sauver le contexte, oui, pourquoi pas. Mais ça, à la limite, je peux le virer et je m'en sers pas par la suite et ça règle le problème. Euh, pour le handle accept, mais bon, ça change pas grand-chose. Euh, c'est vraiment le, le c'est l'acceptor qui fait des siennes. On voit ici notamment euh, qu'il pète un câble sur le. Il dit qu'en fait il trouve pas de fonction qui match euh, ma condition d'appel, à savoir ici. Euh, mais par contre, j'ai une parenthèse à la noire qui apparaît ici ça, ça me plaît pas. Ça se trouve c'est un problème de parenthèse depuis le début? Et en fait là, typiquement on arrive là-dessus. Ah putain. C'est encore une erreur à la noix, ça c'est sûr. Acceptor, IO context. Voilà. Donc là quand il arrive ici, il dit non, je veux pas. Parce que euh, je, quand je check les candidats, euh, tous ceux que j'ai ça matche pas. Et il met euh, voilà, candidate expect one argument zero provided. Et allez savoir pourquoi. Il y a two arguments zero provided. Pour lui, il n'y a pas d'argument qui va C'est La parenthèse est étrange, mais je vois pas où. Ouais, non, mais. Pareil, je sais pas. Je sais pas à quel endroit ça me merde, en fait. Ça des parenthèses qui sont pas bonnes. Ou... On peut les refaire, hein, s'il y a besoin. Si jamais c'est des, des caractères Unicode à la noix, ou ce genre de choses. Mais. Mais, euh... en fait, quand tu fais un build dessus. Hop Ça pète. Être... Et à chaque fois, il nous fait le coup ici. Euh, Error, no matching function for call. Euh... Et à chaque fois il met 0 provided, donc c'est à dire qu'on lui a pas passé d'argument, euh... c'est ouf. Alors que je, re je respecte le, le, la convention d'appel du, du truc, quoi. On a bien le contexte, etc. Après, je peux, je peux switcher le con fin, je peux zapper le contexte au besoin euh, avec handle accept pour, euh, pour virer tout ça, mais euh... enfin, ceci dit, quand on regarde le code qui est fourni, c'est un petit peu différent. Hein. Sur, le... Sur le serveur, il fait un do accept. Euh, qui est en private, donc après il fait un acceptor à sac accept, et là il utilise une syntaxe un petit peu différente pour euh, pour, tout, pour fournir tout ça. Donc ici, bit 10, donc avec euh, ici, donc euh, un error code suivi d'une de, de, socket, et, euh, et il fait un CD make shared session avec un move standard move socket start. Et ensuite il refait le do-accept. Donc il démarre la session et il réaccepte une nouvelle connexion. Jusque-là c'est à peu près correct. Seulement c'est pas du tout la syntaxe que j'utilise ici. Après ça peut être une solution pour le faire. Parce qu'on voit au final le serveur il est vraiment simple à développer. C'est quelques lignes. Mais je sais pas ce que je fais de pas bien en fait dans l'histoire. Si on peut remplémenter de zéro en mettant chaque argument par ligne mon devrait pas avoir de vic. Bah on peut essayer effectivement mais bon. A euh, mon avis, ça sortira la même chose parce que ça dépend du... Si tu veux, je pense pas que ça dépend vraiment de, de tout ça. Mais bon, on peut tester, hein. tu as tout à fait raison. Eh hey, merde, j'ai pété le développeur, enfin, le... le machin. Hop, là, si on fait un coup de mec, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que... Dit... Euh, bah non, no matching function for call. Et c'est vraiment de la parenthèse toute seule, hein, qui, juste après celle-ci, en fait, où il pète un câble. Et ça me saoule. Bon sinon on va réimplémenter sur la base de, de celui-ci. Ça sera peut-être plus simple de, de gérer avec celui-là. Donc avec euh, je vais pas implémenter la session sur cette base-là et le, le serveur sur cette base là. Et on verra si ça, si ça change et si ça marche mieux. Sachant que j'ai pas encore fait le main, hein, donc pour l'instant il compile mais c'est pas utilisé. Alors la classe serveur, du coup, on va utiliser celui-là. C'est un bon exemple en tout cas pour partir. Donc le service .cc, euh, alors service.h pour commencer. Donc ça c'est ma classe serveur. Euh, donc je reprends ici. Donc ça, c'est mon constructeur. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai un void do -vo accept qui est présent, qui permet de faire le... L'accept, donc c'est ce qui va remplacer le handle accept. Voilà, et en propriété, j'ai juste un acceptor. Hop, voilà. J'ai repompé directement sur la, la structure en, en question. Et on va l'implémenter comme il faut maintenant. C'est-à-dire ici, grosso modo, dans le service.cc donc euh, ah merde quel idiot euh, ctrl c hop. donc là si j'implémente ça dans le serveur ici je reprends le même exactement la même syntaxe donc j'ai un classe serveur avec le connection service etc euh, je prends mes bons paramètres euh, ici hop tac euh, je passe acceptor en hein, juste de refaire un peu parce que du coup hop. Il n'a pas d'underscore. C'est ça le problème, c'est juste que je devrais mettre un underscore et il ne résout pas comme il faut. Bon, je vais mettre un underscore dans le, dans le truc pour être sûr de taper sur le bon. On va même l'appeler M underscore acceptor, comme ça, ça sera fait. Si je l'appelle M underscore acceptor, est-ce que ça marche mieux mon truc Hop. Tac. Yes, ça a l'air d'être bon. Euh, donc, ça boum, ça saute. Donc, là, on appelle do accept. Ça, c'est pour coller avec, euh, avec celui-là. Et ensuite, dans les private, on a la fonction do accept. Ici, qui fait ça. Que je vais remettre ici. Le connection service do accept. Et c'est m acceptor point, accept et euh, par contre using std make shared ça il aime pas parce que la session du coup est pas bonne, ok donc ça c'est bon j'ai migré le serveur comme je voulais voilà ça c'est fait ensuite la session session.hh, on se base sur ce qui a été fait ici euh, session, et est là c'est cette classe là qui fait un do read do write etc donc ça hop c'est bon on le bascule ici donc classe session qui dérite de enabled avec public session ça c'est constructeur start tac et en private on a do read do right et puis les membres qui vont bien ici donc avec msocket max lens et mdata du coup ok donc ça c'est ma classe session Hop, ça ça saute on réimplémente avec le, le code en c dans le session.cc voilà, donc là je refais l'implémentation à partir de l'exemple avec un. avec la session. Non, c'est plus ça, mais bon, ça sera comme ça. Tac, avec msocket. Euh, ça, comme ceci. Session start, do read. On imprimant de la do read et en private hop tac on fait pareil pour le do write ok ça ça saute ok Bon, là j'ai tout retransposé sur ce qui était existant. Alors par contre il me gueule dessus parce qu'il me faut un m-socket. Mdata. Parce que j'ai changé deux, trois petits euh, appellations sur des propriétés. Les noms des propriétés. Et donc ça voilà. M -socket pour 5 readsum. Et puis on est pas mal. Alors du coup est-ce que ça compile mieux ce truc là Bah ça m'a l'air un petit peu mieux. Euh, par contre j'ai encore un problème sur l'acceptor. Il pète un câble sur l'acceptor. et il ne veut pas me mettre l'acceptor. Ok. Alors que j'ai repris exactement le même code. Alors oui, ça se peut que peut-être que j'ai zappé des trucs. Euh, Ma nuitude. Il n'y a pas aussi de faire plus simple avec autre chose que les C. Euh, bah, J'aimerais bien, en fait, pour des questions de perche, je préfère le faire en natif. Euh, ouais, justement, avec File. Ouais. Je pense pas être gouré dans le truc. Mais bon, peut-être des. Parce que j'ai mis le boost thread et boost system en bibliothèque. Euh, Docker pour en fait pour des questions de performance vu qu'on va faire du traitement audio, euh, je, je, je tiens à développer en natif et euh, je voulais me pas trop me soucier du serveur du serveur euh, TCP tout simplement euh, avoir à gérer les connexions etc. On est parti en C++ et Boost est un est relativement bien réputé pour ses euh, pour son, bah, ce qu'elle apporte en fait, à sorte tout un ensemble de, de, de classes pré qui permettent d'automatiser, de simplifier pas mal de choses. donc euh, C'est pour ça que je voulais me baser là-dessus. Mais je pense pas... Alors attends, est-ce que, est que j'ai merdé sur la partie compile hum, Parce que le, le problème c'est que on, on, ça pète vraiment avec un, un no matching function for call. Donc en gros, il n'arrive pas à trouver l'appel que je fais sur, sur tel ou tel truc quand je compile le service.cc. Lorsque j'appelle l'acceptor, euh, l'acceptor il n'en veut pas en fait. Il dit... Donc là c'est un IO context, SCP endpoint. Et euh, du coup il me met le basic acceptor et il me zéro provided. C'est super bizarre. A priori la compile est bonne. Oui oui la, la, la compile. Euh, je veux dire, là, et là franchement j'ai repris euh, quasiment texto. Euh, je peux essayer de reprendre l'exemple from scratch au besoin pour, euh, pour la compilation ici euh, sur ce truc là sur le fichier.h. Je vais faire une copie. On va faire un test, hein, voir si c'est moi qui ai fait de la merde ou si c'est si ce truc-là. Donc, euh, on va se coller un petit euh, un petit fichier de test. New file, test.cc. On colle tout ça là-dedans. On fait un g euh, boost system. Bon, je vais des boost threads aussi. Hop, euh, euh, à partir de test.cc-test. Uh, pthread Join, uh, c'est lib... Là, voilà, donc la libPCRED, ok. Donc je vais mettre un -lPCRED. Et comme tu peux le voir ici, uh, ça marche, hein. on a bien le serveur uh, qui se tourne. Uh, ça a l'air tellement de... Donné... Non, c'est pas si compliqué que ça. Mais bon. Alors, d'après uh, là, là c'est exemple compile, on a souci dans le code. Si compile pas, on a souci. Suffisamment... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je fais. Donc là, typiquement, l'exemple le, compile. L'exemple compile avec ce, ce code-là. Donc, c'est que j'ai un autre souci ailleurs. Euh, sachant que du coup, l'acceptor, il, il est créé via ce bout de code ici. Et, euh, et ça, ça passe. Après, il faudrait que je regarde au niveau de, de ce que j'ai en. Un truc comme ça. Mais de ce que j'ai vu, c'était pas. <laughs> Et en fait là, ça me pète ici euh, dans mon... Attends, ça se trouve c'est moi qui ai merdé dans le makefile. Est-ce que je fais les includes ici? Donc quand je build le cc, normalement il est censé inclure tout ce qu'il faut. Euh, features du code accès, voir quand ça pète son visage. Oui visage, bien sûr. Après, les features du code actuel, j'ai rien fait. Enfin, je veux dire, à part juste splitter les fichiers, j'ai pas fait grand-chose de plus. Hein. Tout, ce, tout le code du service.cc, c'est le, le connection service qui était... Euh... Ah, attends. Euh, j'ai laissé le class server ici. Normalement, c'est le connection service ici. Ça reprend exactement ça, en fait. Hein. Ok. Sauf qu'ici, ça merde chez moi. Ça, il n'en veut pas. Alors que j'ai le, euh, le même truc. Le seul truc qui peut peut-être varier, c'est le namespace, à la limite. Mais je ne pense pas m'être trompé. J'ai mis ASIO IP et ASIO. Alors que dans le test ici, euh, c'est mieux sur celui-là. Là, ils font directement un ASIO IP TCP. peut-être ça, en fait, le problème. Hein. Tout ben non. Tester, mais bon, non, ça me pète encore un truc. Punaise, ah, en pile, exemple qui fonctionne avec ton mec file sa limite de mec Yep, on va tester. Euh, attends, je vais faire un cp de test.cc dans source. Je change le en plus. J'ai le Makefile sous les yeux. Attend, euh, le mec file, on lui met. tac c'est un make, make clean, make euh, different reference to main. Euh, j'ai bien mis. Ah, idiot. J'ai pas me décommenter le truc euh, Bah c'est parce que dans ellipse du coup j'ai pas, un... j'ai pas mis la pce Là, normalement, si je fais ça, ça build. Donc, le mec euh, n'a. Oui, oui, j'ai vu, t'inquiète. Mais oui, oui, le, le mec n'a rien à voir. Hein. Là, typiquement, si je fais un mec clean, un mec que je lance le Dring, ça marche. Euh, le mec file est bon. Hein. C'est vraiment le code qui merdouille, à mon avis. Et à mon avis, c'est le namespace et c'est ça pour ça que ça fout le bordel, un hein, bordel monstre. Parce que j'ai dû inclure des namespaces et les namespaces, faut pas les inclure dans le, dans le machin. Parce qu'en fait, ici, typiquement, si tu regardes dans le service.h, euh, j'inclus Boost Azio, IP, alors que j'utilise que le TCP Acceptor. J'ai un Boost asio IO Contexte aussi qui est présent, mais en fait, ils sont nommés pleinement. En fait, il n'y a pas de. Si j'enlève ça, normalement, ça aurait marché. Et dans la session, ça devrait être pareil, normalement. Euh, parce que j'ai TCP, il TCP faut le laisser ici, mais euh, sinon je peux mettre un, un boost azio IP TCP socket au besoin. Et dans le service .cc, du coup j'ai un boost ISO. Donc là typiquement si je lance, ça fait quoi Alors il y avait du mieux. Le main.cc est passé, la session est passée, le service pète. Être... Ok, euh, bah, ça pète toujours. Il ne reste plus que le code. Oui, absolument, on est d'accord. C'est sûr que c'était le code qui merdait. C'était certain. Le problème, c'est que le basic socket acceptor, du coup, il, il, pour moi, le truc qui est le, plus, le plus bizarre, c'est qu'il m'était que je passais aucun argument. Voilà. Candidate expects two arguments, zero provided. C'est-à-dire que je lui passe aucun argument, alors que normalement, dans le service CC-Link 7, il est censé euh, lui passer ici, il est censé lui passer euh, deux arguments, et là, il lui passe zéro, et je ne comprends pas. Ne piche pas pourquoi. C'est ça qui me tue. Donc, après, ici, je fait un boost ASIO IPTCP. Est-ce que c'est nécessaire Certainement pas. Attends, j'ai un problème d'accolade là. Il me pète une erreur au niveau de l'accolade. Désactiver les y il d'erreur. Oh putain, ça sent le... Ça sent de la. Ah, bah oui, bah oui. C'est quoi cette euh, parenthèse là, ouvrante qui est ici Donc, ici. Euh... IO context, il me pète une indication que pour IO j'irai 179 de IO context, HPP. Ok, pas cool. Euh. Non. Qu'est-ce que j'ai fait moi Alors, parenthèse de ronde, c'était bon en fait. J'ai dit de la merde. Mais pourquoi il veut pas ma... mon accolade ici C'est ça le problème en fait. Il veut pas mon accolade. Il pète un câble. Sur l'accolade. Mmh, intéressant. Ça, ça sent des erreurs à la con, ça mais total. Là la collade ici qui manquait, enfin le, le parenthèse qui manquait pardon. Et là il me pète une erreur sur le. <laughs> Il n'existe aucun constructeur par défaut pour la classe BoostIO. Boost Donc En fait, d'erreur, elle est là. Et il ne il aucun il me dit qu'il n'existe aucun constructeur par défaut pour la classe BoostIO. Eh bien, coup de bonne nuit, Little Black. Non, je vais y arriver, hein. On va continuer. Je ne pas très productif ce soir, mais bon. Euh, tu te dirais d'une classe qui n'a pas de constructeur bah, J'ai l'impression que c'est bien ça, alors que le M-Acceptor... Normalement, le M-Acceptor, lui, il est avec un TCP-Acceptor. Et le TCP-Acceptor, il est tout seul, en fait. Ah, parce que ça serait pas ça le problème, du coup. Attends. Est-ce que ça serait pas juste que euh, dans le TCP Acceptor. On est, non, on est, ça on hérite de TCP Acceptor, c'est bon. Mais alors par contre, on est censé avoir un Using Boost stasio. Et dans le session.hh. Using Boost stasio. ok, bon, pourquoi pas. Je sais pas, ça me paraît super chelou. Et il me pète un câble à chaque fois, on me disant que ça, ça ne fonctionne pas. Et que là j'ai un constructeur qui n'existe pas. Tant quoi est... Non non euh, il n'est pas sur un git encore, il est juste en local. Euh, mais par contre c'est super bizarre. Ah, sinon je peux essayer de enlever ça au pire, on hein, va voir s'il me pète toujours l'erreur. Là il me dit non, c'est le même problème en fait. Il n'y a aucun souci par défaut pour la classe. Euh, basic socket acceptor. Ah oh punaise, je crois savoir d'où vient l'erreur. Oh là là, c'est une catastrophe ce truc. Attends. Je crois que c'est parce que je l'ai fait hériter de TCP Acceptor. En fait, ça n'accélérite pas de TCP Acceptor. Ah oh punaise, c'était l'erreur à la con. Bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Donc là, c'est bon, ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Donc là, on a le connection service qui est up. Un destructor qui est prévu. On a bien le IO context, le port qui est paramétré. Il fait un... Il y a le do accept qui est présent. Euh, on va faire un petit make clean pour nettoyer les fichiers. Hop. Euh, du coup, on a bien le, la session qui est là. Et on est censé avoir un async read et un async write. Donc là, lorsqu'à la session start, il fait un do read. Il lit quelques trucs et il réécrit. Donc c'est juste un écho, ça. Donc c'est le serveur écho de base. Donc là, normalement, si je lance le serveur, il me fait un petit make que je lance Dring il euh, faut lui passer le ouais, comment ça le world ah oui parce que le main il charge pas le truc voilà. attendez il manque la partie main j'ai pas linké le machin euh, le main ça fait ça hop euh, du coup on va mettre on va surcharger le main ici par ce truc là tac et faire un include de serve service pour la Normalement, le service.ch il, pré... il fournit le serveur. La classe Connection Service que je mets dans le Main. Voilà, ça c'est mon Connection Service. Et normalement, c'est bon. Donc là, si on fait un make, ça devrait être mieux. Ok, donc là je vais me mettre sur Port Kami 444. Ok, si je me connecte dessus, le Calos Kami 444, si je tape A, voilà. Donc ceci est un test. Entrer, il répète bien et ça marche bien euh, bon bah c'est pas mal ce truc donc là ça, ça fonctionne bien en fait la connexion est bien maintenue si je crée une deuxième connexion est-ce que ça fonctionne ça marche aussi non c'est good ça marche impeccable euh, salut jérémy bah je galère avec boost mais à part ça ça va euh, mais enfin, après c'est juste un, un détail hein. je commence à prendre en main le truc mais en tout cas ça permet permettre d'aller un peu mieux donc là j'ai mon service euh, j'ai fait un serveur en fait euh, inspiré de, du code exemple pour faire euh, pour gérer notamment les connexions et la, la transmission des données euh, trans, enfin, envoyées par le, par mes systèmes et ça c'est good et donc la session ça représente euh, une connexion tcp et J'ai un dorite de white qui est présent permettant de faire, euh, de faire des écritures et des, des lectures sur une connexion TCP en cours, donc ça c'est cool. Euh, Usine space standard TDCR non, mais c'est bon. Euh, Azure Retard, euh, c'est mis. Alors, on passera sur le pseudo un petit peu limite, mais bon. Euh, ta ta Dis-moi une petite question, je cherche à prendre C. Je veux que tu en fais. Tu peux me dire quoi, ce, sur ce langage, il est bien ou alors c'est pas la peine de l'apprendre Ah <laughs> euh, Dire quelque chose sur le langage, dire si c'est bien ou pas, après ça dépend des personnes. Mais euh, là en l'occurrence, je cherche à faire un truc euh, qui est un genre de sandwich euh, de, de pas mal de choses, euh, qui va prendre des données qui viennent d'une du, du, socket TCP, qui va ensuite les parser, les envoyer dans d'autres sockets. Typiquement, euh, j'arrive mieux à modéliser le truc à partir de C. Euh. <laughs> Oui, Azure Retard, je sais pas si t'avais capté le truc, hein, mais euh, Retard, en anglais, c'est pas forcément une... Euh, euh, comment dire C'est pas élogieux, quoi. Donc le c++, bah, c'est cool à apprendre. Après, pour venir là-dessus... Euh... Oui, tu sais, bah, c'est cool, alors. Euh, les VOIP, c'est pas top, c'est UDP. Ah, c'est pas TCP, c'est UDP. Oui, oui, je sais, mais j'ai pas dit que je faisais un serveur VOIP euh, en UDP, moi. Je peux faire un serveur VIP en TCP si j'ai envie, non C'est quoi le problème Pourquoi je dis non mais c'est bon euh, Je capte pas trop, enfin euh, juste euh, non mais c'est bon. Euh... J'ai dit on passera sur le... le... Mm -hmm. Ah, tu veux dire pour le Using namespace Ah Ah non, non, mais ça, euh, je te crois, hein, Using namespace STD, CDC, Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Euh, T'inquiète, c'est juste que. En l'occurrence, ici, j'ai réglé euh, j'ai les différents, les différents problèmes que j'avais et pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Mais oui, ok. Non, non, mais je pensais, mais je suis resté bloqué sur le pseudo, désolé. C'est pour ça que je buguais. Donc là, on a la base du serveur TCP. On a un serveur TCP qui gère des connexions multiples asynchrones. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, monsieur dit dans main.cc poum, oui, ici. Euh... Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a dans main.cc avec le stdcr Je vois pas trop de soucis, mais bon. Là j'ai pris un code exemple, hein. je tiens à préciser encore une fois, on est sur du... On est sur du, du code standard fourni dans la bibliothèque Boost. Donc j'ai juste transposé ça en compilation multi multifichier, mais le, le code que j'ai utilisé, c'est celui-là. Hein. C'est vraiment le truc le plus classique qui était fourni dans la doc. Donc je n'ai pas retouché plus que ça pour l'instant. Histoire qu'on soit bien tous d'accord là-dessus. Ah oui, tu... oui, 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 absolument, absolument, oui, alors si c'était ça le propos, oui, il sert à rien, absolument, oui, parce qu'il y a STD c'est Absolument, non, non, mais oui, oui, oui. Effectivement, bien vu, bah tu vois quoi, comme quoi, non, non, mais... Euh... T'inquiète, c'est juste que je captais rien, j'ai rien compris ce que tu dis au début, et voilà, c'est pour ça que je buguais. Bon, bah ok. Effectivement, le using namespace std servait à rien euh, parce que du coup, euh, en fait là, j'ai fait un copier-coller encore une fois et du coup, ça servait à rien. Mais bon, enfin bon, euh, Merci pour follow, rouge marteau et bien vu effectivement, azuritard. Ok, c'est parfait. Donc là, j'ai juste transposé le code exemple. Hein. C'est ce code qui était fourni ici euh, que j'ai euh, simplement splitté en différents fichiers. Maintenant, je vais pouvoir élaborer à partir de là. Euh, salut Rouge Marteau! Euh, alors il y a The PvP qui est, qui est présent aussi. Euh, je sais pas si je. Euh, comme, bon voilà, l'anglais et tout, c'est compliqué. Euh, donc, euh, bah, tout est good ici pour la partie serveur TCP. Maintenant, il va falloir qu'on commence à construire par-dessus. Allez voir un petit peu comment ça marche. Donc, là, la partie main, je vais la laisser comme ça pour l'instant. La partie service, en tout cas, ça fait combien de temps que tu fais du C Je sais pas, mais là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc ça se voit un petit peu. Mais euh, sinon, ça fait plusieurs années que je bosse en C. J'ai fait pas mal de code en C et des projets en C et des trucs qui étaient cool en C. Après, c'est juste que j'ai plus d'habitude de bosser sur du C en ce moment que sur du C. Mais bon, passons. C'est voilà. Euh, c'est la vie. Je développe beaucoup plus en de embarquer depuis quelques années. Et, et du coup, du C, j'en fais un peu moins. Mais ça m'arrive encore d'en faire. Hein. C'est juste que. Euh, c'est la première fois que je touche à la bibliothèque de. Boost et notamment sa partie session, enfin partie connexion service TCP notamment et ça m'a ouais, ça, ça fait un peu bugger par rapport à ça donc la session ok donc start do read donc on fait un do read euh, on fait un async read ok donc après le callback qui est appelé lorsqu'il y a l'async read il fait un do write etc ok bon ça veut dire qu'après je peux traiter dans la session gérer le parsing l'état etc donc ça c'est cool euh, bon bah, on va pouvoir élaborer maintenant. Bon, je vais renommer vite fait tout ça, histoire que ça matche bon, ce que je cherche à faire. Et puis ensuite on va pouvoir en travailler tout ça. Donc la session du coup c'est pas une classe session. Euh, on va appeler ça une Voip session. Hop. Alors, boom boom ah je suis de merde. boom it's a c++ script no yes it is this is a c++ source code uh, it's uh, supposed to be uh, a tcp server it's supposed to be a tcp server for uh, a custom uh, voip server but it's still in, uh, in progress i had uh, some issues with uh, the uh, libboost uh, library but in fact it's uh, it seems to be okay And uh, yep, yeah. so now everything is working fine from, uh, uh, and especially this uh, TCP server, which is uh, all uh, asynchronous. and then uh, I'm going to implement the VoIP server based on this, and so I need to to design a bit uh, around this uh, TCP server and uh, and start to implement the, the the protocol. But yeah, this is it. <laughs> Euh, du coup, pourquoi le serveur VoIP en TCP On va où Ça va tourner sur quoi comme atos euh, Le serveur VoIP est en TCP, euh, tout simplement parce que je veux le faire en TCP, qu'on s'en fout un petit peu de faire ça en, en TCP plutôt qu'en UDP, vu les débits qu'on a et le, le peu de traitement qu'on a à faire dessus. Euh, on va où On va faire un serveur qui va permettre à plusieurs interphones, euh, tels que ceux qui sont présents ici, qui sont des vieux téléphones que je recycle, de se connecter sur ce serveur-là et de transmettre des données directement euh, via des samples qui sont récupérés euh, via un ESP32. Donc je sais pas si j'étais très précis en tout cas. Donc, Le serveur est fait pour tourner sur un Raspberry Pi en natif euh, avec des perfs qui, du moins on l'espère, seront assez bonnes vu qu'on va tourner en code natif. Et, là, et pourquoi on fait du TCP et pas du DP Est-ce que tout le monde m'a dit Ouais, il faut faire du DP bah, simplement parce que je tiens absolument à, à récupérer les datas pour l'instant dans le... via une connexion TCP. Euh, pour des raisons qui sont un peu obscures, mais euh, pour la grande majorité. Euh, c'est du matériel propriétaire de chez moi ouais euh, le, tout simplement parce que dans, le, dans la bibliothèque SPADF que j'utilise d'Espressif ils ont euh, implémenté dans le pipeline euh, permettant de traiter euh, tout l'audio et le transférer sur des serveurs euh, via internet hein, via une connexion wifi ils n ont implémenté que le support de TCP et pas du DP donc je me je suis pas fait suer j'ai repris ce qui existait et j'ai assemblé les différentes briques pour faire ça et j'ai pas envie de refaire euh, donc tout un, tout un truc à partir de à partir de leur pipeline qui est pas qui n'est pas simple d'emploi quoi. Voilà. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on est basculé sur TCP. Après en pratique, je sais que le, tout ce qui est transfert de données, voix ou euh, vidéo, c'est mieux de faire ça en UDP ce qui a moins d'overhead dû notamment euh, au header euh, UDP. Enfin le datagramme, quand on passe en mode datagramme avec les headers, les headers UDP, c'est relativement petit. Euh, en, en soi, ça n'a pas changé énormément de choses hein, par, rapport à, par rapport à ce que je fais là. Mais voilà grosso modo où on en est. Et il me fallait une base de serveur TCP sans que ça me prenne 40 ans à développer. Même ce soir, avec le... vu comment j'ai galéré euh, pendant combien de temps Ça fait combien de temps qu'on est en live Ça fait 3h20. À mon avis, c'est moins de temps qu'il m'en aurait fallu pour implémenter ça en C euh, avec tout, la... tout ce que gère la, la partie asynchrone euh, via Boost. Donc au final, le fait d'avoir galéré avec Boost, c'est juste le temps de prendre en main le truc. Maintenant, on va pouvoir commencer à, à élaborer par rapport à ça. Donc euh, pas de tracas, tout va bien. Euh... Ça devrait passer sans trop de soucis, c'est juste que maintenant il faut que je brode par rapport à ça, enfin autour de ce que j'ai implémenté ici. Et on va pouvoir commencer à bosser sur euh, du coup le proto, ce qui n'est pas plus mal. Et donc le connection service, ça ne bouge pas, c'est le, le connection service. Du coup, tu as l'acquisition de ta Socket, tu vas faire du traitement et forward. Exactement. L'idée, c'est euh, de, de refaire un petit peu ce que j'ai montré ici dans le, dans le schéma qui doit être à ce niveau-là. Euh, L'idée c'est justement chaque euh, interphone qui est présent ici euh, fait une transmission. Et merde, attendez, j'ai perdu un truc, faut bien faire. Ah, c'est pas possible. Ah, excusez-moi, le stylet de la tablette graphique qui s'est fait la mal. Euh, du coup, je disais, ouais, en fait, on envoie euh, chaque interphone, fait un échantillonnage du son qui arrive sur le micro. Forward ça avec ce protocole sur le serveur VOIP. Le serveur VOIP, lui, il fait le mix entre les différents sons qui viennent des différents interphones, et il peut ensuite, et eh bien, redispatcher. Et euh, dans l'idée, c'est aussi de faire du traitement de signal, de faire de... Comment dire, du nettoyage de signal audio, d'éliminer de, 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 les parasites et de faire en sorte que le son soit, soit correct et soit transmis aux différents, enfin aux autres serveurs. Donc en gros, il y a tout ce qui arrive par une socket qui est connectée, c'est redispatché sur les autres avec du mixage en, en même temps. Quoi. Et donc au final, c'est le traitement qui n'est pas forcément simple à faire. Et à côté de ça, euh, on s'est dit au début, quand on a démarré en tout cas le, le dev, bah tiens en C, plus, plus, ça peut être sympa de le faire. Donc voilà, je le fais en C. Plus, plus, ça peut être rigolo. Donc, euh, donc, on en est là. Et pour l'instant, on a un serveur TCP. Euh, seulement, euh, ici, j'ai pas de suivi de session. Donc, là, j'ai un serveur TCP qui crée des sessions. Euh, lorsque euh, Ici, en fait, il, il crée en fait, une session euh, lorsque ce, la connexion est en cours. Euh, mais en aucun cas, euh, j'ai un système qui me dit combien de sessions sont créées. Or, ici, je vais avoir besoin de le faire ce qu'il faut que je puisse, euh, lorsque je reçois une donnée sur une, euh, une socket, que je puisse redispatch sur les autres. Euh, que je puisse envoyer en fait les, les données sur, euh, sur le, les autres sockets. Et donc quand j'ai deux connexions qui vont être mises en, en bout à bout, eh bien tout le, le flux audio qui sera envoyé par une sera retranscrit, retransmis directement sur l'autre et le flux audio envoyé par l'autre sera retransmis sur la première. Et ça permet de faire un échange en respectant un protocole de communication. Donc là on est juste sur la couche transport qui gère la, les connexions TCP et euh, qui va faire le dispatch. Et ensuite, il faut que j'ai un genre d'orchestrateur qui, euh, bah, qui gère toute la partie euh, euh, comment dire intéressante, c'est-à-dire euh, bah, tout simplement dès que je reçois un paquet de données euh, de données voix qui vient d'un interphone, et eh bien qu'on puisse ensuite euh, unir des sockets en attribut de classe. Mais absolument, c'est exactement comme ça que ça va finir. Mais il fallait d'abord que je puisse tester ce que ça donnait avec, le, avec la libboost et que ça compile. Donc là, maintenant, on a un truc qui marche avec la libboost. Donc on a un serveur TCP qui s'appelle le connection service qui permet de créer un un serveur, en, en, un service TCP en écoute sur un port donné, qui reçoit des, des connexions et qui les traite euh, à ce niveau-là et qui crée une session, qui sera une session VoIP et pas une session, euh, session comme ceci. Euh, voilà. Et euh, cette session VoIP, du coup, eh bien, il faut que je la référence, que je la stocke, etc. Et ça, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est le connection service qui va lister tout ça et euh, qui va être capable de... De, de gérer les, les sessions VoIP qui sont créées, de conserver une liste de ces sessions VoIP et il faut aussi que je gère notamment tout ce qui se passe lorsqu'une euh, bah, lorsqu session est terminée. Lorsqu'une session, lorsqu un, connexion TCP euh, est arrêtée, lorsqu'elle est timeout par exemple, ou lorsqu'il y a une déconnexion, eh il faut que je puisse retirer de la liste des sessions euh, eh bien, ce, ce truc-là. Mais on, on va travailler sur des sessions du coup. Donc ça veut dire ici que grosso modo dans mon service, j'ai bien un acceptor euh, qui est mon truc. Et puis ici, je vais rajouter, euh, on va utiliser un vecteur hein, tout simplement. Donc là, je vais faire un include vector et on va utiliser un vecteur à ce niveau-là. Euh, donc un, un vecteur de, bah de void session. Euh, par contre, est-ce que je dois passer des références sur les voids plutôt Parce que voilà. Et ça sera les sessions actives. Euh, vecteur, oui, c'est minuscule. C'est moi qui fais de la main. Attends mais je dis pas de la merde non, c'est plus, plus vector. C'est bien un template ce truc. Euh, mais il n'a pas aimé que je le définisse comme ça à tous les coups studio Ah c'est ça non, c'est un template. Donc faut que je dis de classe vector. Euh, attends, mais... Par contre c'est std vector en fait. Ok. C'est dans le namespace standard. C'est pour ça que je dois y avoir. Ok. Donc là, de fait d'avoir mis mon, mon vecteur... Donc là, c'est un vecteur de session qui va, être, euh, qui va être stocké. Je vais pouvoir ajouter ensuite eh bien, des objets session à ce vecteur qui vont me permettre euh, bah, tout simplement de garder une trace des, des, des interphones qui sont connectés, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est juste, euh, comme j'ai dit, chourouillant, si vous suivez. Ça fait un bail que j'ai pu utiliser des vecteurs. Donc ici, grosso modo... Euh, alors, une liste qui contient euh, les sessions actives. Hop. Alors, je peux appeler ça do accept, mais on new session. Ça, je redonne un petit peu pour que ça soit plus simple. Euh, du coup, service euh, do accept. Euh, hop. Une session, voilà. Euh, et ici, une session. Ok, euh, encore une ici. Euh, oui, c'est un. Au minuscule, je me fais avoir. Attendez. Hop. Voilà. Donc là, on new session, je mis ça. Donc ça, c'est le callback qui est appelé lorsqu'il y a une nouvelle session. Et donc ici, il va falloir qu'on maintienne à jour le truc. Tu pas un objet par session, du coup ton vecteur ne devrait pas être friendly ou équivalent pour que ça partage entre toutes tes instances. Euh, un objet par session. Si, si, j'ai un objet par session, oui, bien sûr. Ne devrait pas être friendly ou équivalent pour que ça partage entre toutes tes instances. Entre toutes mes instances de quoi en gros l'idée ici c'est s'il n'y a pas eu d'erreur de, euh, qui est placée du coup euh, on registre le en fait on, on, on la session dans le dans le truc courant quoi après il y a un mec shared qui est mis en place ici euh, pour euh, justement pour partager euh... donc ça a créé un objet qui est euh, qui est owned by un sharp pointer euh... Après le mec share dans, ses... dans STD il sert à quoi exactement euh, ta ta ta. c'est du Sharp Pointer. Euh, ta ta ta. Mais ça sert à rien, non mais je pense que après le std move socket c'est pareil std move euh, je connais moins ça donc je vais aller checker ce que ça fait std move est utilisé pour indiquer qu'un objet euh, T peut être déplacé euh, ça, ça veut dire en fait que euh, il fait un, un transfert efficace de ressources de, de, de T vers un autre objet mm -hmm. ça fait un static cast ok donc, euh, on va enregistrer, enregistrer notre nouvelle session. Donc, là, l'idée c'est qu'on a justement notre socket qui est présente ici, qui est notre socket cliente, qu'on va pouvoir enregistrer. Et donc, bah, tout simplement, on va ajouter à notre vecteur de session. Enfin, on va euh, faire une Point pushback. Et on va lui poser une web session. Euh, et normalement, je dois pouvoir. Est-ce que si je lui. Attends, j'ai pas de bêtises. Euh, on va se faire une petite web session ici. Hop, un euh, pourri gueule. La euh, fin de web session avec un initialisateur. Oui, mais non. Attends, ici. Euh. web session, C'était ah, des moves socket. Ah, donc on va push back euh, session. Hop. Donc euh, on crée une nouvelle session. Enregistre la nouvelle section et on start la session. Ok, donc là du coup on fait session Est-ce que ça marche cette petite connerie que j'ai faite Alors il n'est pas d'accord Use the updated function VIP session Cause of session Aïe oui. J'ai fait de la merde encore bah oui euh, du grand classique Basic Extreme Socket Il n'est pas content parce que du coup, c'est à cause de l'allocateur. Ok. Donc, il faut utiliser la même technique que précédemment, c'est-à-dire en faisant un sharp pointer. Standard make sharp de... Si on fait ça, est-ce que ça va mieux Ok, qu'est-ce que je fais encore de mal, moi J'ai dit quand je, dis, je suis rouillé, en place back, des push back, c'est mieux si tu veux. Ok. Standard référence de vapeur pour un vecteur de ref. Alors, euh, tu attends. Oui, oui, je dois l'ajouter à mon vecteur, absolument, oui. Alors, c'est une connaissance par connexion réseau qui est dans private. Comment est-ce que l'attribut est cher d'une instance à l'autre euh, Alors, l'instance de session, là, on est dans le service. De connection service, il n'y a qu'une seule instance qui est, qui est créée euh, ici ça représente un serveur si tu veux, une socket en écoute. Donc euh, c'est... C'est une instance qui est unique, elle est pas... C'est pas cher à ce que je vois. Attends, je suis de la merde dans, dans mon code. Et du coup, il faudrait que je... Alors ah tu me dis... Euh, au lieu de pushback déjà, il faudrait que je fasse un place back. Et si je crée une nouvelle session, nouvelle session. Euh, du coup... Je lui passe un STD move de socket. Euh, auto session, il est compliqué C++ non mais oui oui non, surtout que je suis rouillé sur C++ mais complètement rouillé. Ouais. <rire> <rire> euh, ta -ta -ta. Auto session, c'est un mec cher. Ouais. Attends parce que moi je suis resté sur du vieux C++ et du coup. Euh... Euh ta, ta, ta. Donc le pardon le auto c'est un truc que j'ai pas habitué utiliser clairement euh, Donc ça déduit Ok déduit le type de variable déclarée sur l'expression d'initialisation ouais, ouais mais c'est un truc de feignasse ça auto du coup non Ça fait penser un petit peu au type variante qu'on a euh, autrement En gros on laisse le compilos démerder pour détecter le type quoi Ok C'est pas compliqué c'est plus plus c'est juste que puisque quand je dis enfin, bac, j'en ai pas fait. Euh... Ok, ah, c'était des bon, mots n'importe quoi Paf. parce que ça, normalement, je crée euh, une session web et surtout qu'on est dans un A5 aussi. Ah, okay. ah, poum, poum, poum. <coughs> Alors, euh, pour les callbacks. Euh... Alors... Euh... <laughs> Je regarde notamment pour la partie make share, parce que là, typiquement, on est d'accord, si je fais ça, ça crée un objet session avec la socket qui va bien. J'ai instancié ici, j'ai rajouté euh, dans le service, à ce niveau-là, un vecteur euh, qui prend des VIP sessions. Donc normalement, si je les pousse ici, alors tu me dis, un place back plutôt que push back, je note. Un place back... T'as pas touché à la et puis en noté donc bon. Non, non, mais. Dans un move socket, il me semble. Euh, on peut essayer, effectivement. Attends. Euh, parce que un place back, sur enfin, le, le vecteur. Moi, je faisais beaucoup de pushback, un placeback. Euh, open a new element to the new container, je construct through the standard allocator construct. Ok. Oui, effectivement, un placeback, du coup, d'un placeback, fait l'allocation en même temps. Comme ça, il n'y a pas zéro copie et ça insère un nouvel élément. Ouais. Donc, en fait, si on fait un truc comme ça. Le truc, c'est qu'il bon, faut que récupère quand même le, la session pour pouvoir démarrer après. Euh, parce que là, du coup, tu remplaces ça par ça c'est censé passer. Et c'est lui qui fait la location lorsqu'il fait euh, OK. Oui. Donc en fait, votre Phantom place back, il crée un nouvel IP session avec euh, ce paramètre passé euh, directement dans le constructeur. Mm. Yep. Mais, mais du coup, si je veux créer une session euh, moi-même euh, et pour pouvoir le, 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 le truc, donc là, du coup, je vais être obligé de passer par euh, par un truc dans le genre. Si je fais un new session. Euh, non, je fais de la merde hein, ça se trouve, mais bon, c'est. Hop. Hop. Parce que de toute façon, le. Alors, le doit être une value, ok. Alors, du coup, attends, si je mets un truc. Euh... Quand je dis que j'ai pas touché les ça je vais pas forcément dire Non, mais moi, t'inquiète, okay, je suis totalement. Euh... Euh... Ah, on est d'accord, c'est une hérésie. <laughs> normal, normalement ça, ça s'écrit pas. Euh, pareil si on fait le truc comme ça. Si faire une hérésie, tu fais un truc comme ça, là. C'est le ce truc bien crade qui, qui rive le poil de tout le monde. Tu sais, le, le bon pointeur de, de C, là, que tu remets en C hein, ⁇ que tout le monde adore. Euh, bah, du coup... Bon après on peut, on peut travailler différemment Alors, je peux récupérer ici euh, potentiellement hop si je te mets un vIP session euh, c'est ce qui est euh, M sessions je dois pouvoir récupérer le dernier non euh... le pop back Alors oui mais je parlais du new ah oui <laughs> Ah ouais mais bon ben, le New Bah ben, pourtant le New Euh, ouais, mais tu vois, typiquement, même si je faisais une nouvelle session comme ça, euh, c'est justement c'est là où je pose poser le problème. Euh, si je fais une nouvelle une, une session euh, comme je tout à l'heure avec un std move, en supposant que je veux garder une référence sur la session en cours, je vais passer par du share. Tu une référence avec back, ouais. Donc, euh, pour faire l'inverse, justement, donc là, il fait la location et il met dedans et euh, euh, de back, du coup. Ah putain je suis brouillé, vector standard back euh, vector back c'est une méthode du coup euh, c'est ça donc ça retourne le dernier élément et euh, du coup j'ai la méthode start des produit, ok cool c'est ça donc là typiquement on start la session Euh, hop. donc ça normalement c'est censé fonctionner. Hop, ça build impeccable. Bon par contre c'est un peu sale, mais ça passe. Euh, auto session, et get back. Ouais, mais mais euh, franchement l'utilisation du auto à chaque fois, euh, auto session, et get back. En fait typiquement tu fais ça, tu vois, tu mets un auto. Euh, effectivement donc avec m session. Euh, du coup, là tu chopes une référence, si j'ai bien compris. Euh, donc, de M Sessions Back. Et donc, après, si je mets un session.start, il démarre tout seul et ça fait la même chose. Yep, ok. Il y a des replays de tes lives. Ouais, il y a des, il y a des replays des lives, mais là ça va pas être très, très concluant. Ouais. Alors, j'ai le droit de laisser, pareil, il faut se lever peut trop tard demain. Ouais, c'est comme tu veux le auto, je mets juste pour aller plus vite, je suis sur le tel. Ah oui, non, mais carrément, je comprends. Après voilà, typiquement, euh, tu, peux... Dans le monde, tu dois pouvoir récupérer aussi euh, un VIP session d'un même genre, de toute manière, non Tu récupères comme ça. Là, tu chopes la ref à partir du, du, du vecteur, et puis zoom. Bah écoute, bonne nuit à toi, Dumble Merci d'avoir suivi le live, ça peut pas été euh, super productif, mais on va, on va améliorer ça. Ok, donc là, grosso modo, dès que j'ai une nouvelle session, euh, je la registre, euh, je la démarre. Et ça permet de récupérer le truc. Bah, t'as appris plein de trucs, c'est déjà bien. Moi, j'ai appris aussi des choses, euh, notamment sur, euh, sur la lib boost. Euh, et donc, après, on fait un on new session pour qu'il accepte encore. Et c'est parti. Ok, donc, ça, cette partie-là, elle est. Euh, je vais mettre un peu de documentation dessus. Donc, euh... accept nova connection. Ok, donc ça c'est good. Donc là, typiquement, je register ma session, je start la session. Et euh, ce truc-là, il fait que, bah, que boucler tout simplement les connections de service. Euh, il ne fait que euh, travailler sur la, sur la session. Par contre, euh, c'est la session elle-même qui bosse en asynchrone et qui, lorsqu'elle reçoit des datas, doit travailler et doit gérer ça. Ok, bon, bah, donc là, la partie euh, serveur, j'ai listé les sessions lorsqu'elles sont créées. J'aimerais bien les virer lorsqu'elles sont supprimées. Euh. J'irais bien. Euh, donc là, typiquement, j'ai le handle. Euh, j'ai le A5 accept qui est ici. Et je veux savoir s'il y a moyen de faire de la déconnexion. Alors, du coup, on va aller dans la doc C, boost, euh, fork, chat, buffers, allocation, euh, feature, HTTP server, multicast, non-blocking. Unix Domain Socket, non. Euh, boost. 670. Euh, C'était A5. Bah, C'était un acceptor, du coup. C'est juste d'acceptor. Je pensais que la doc de l'acceptor, on devrait s'en sortir. Euh, merde. Parce que je me suis perdu, moi. Oui, je sais que c'est une vieille version, mais c'est ce que je veux. Sort by first release. Uh, accepteur, non, tu veux pas, ok. Uh, accepteur. Alors, un 66, bon, on est pas très loin de la version qui m'intéresse. On a un A5. Uh, A5 accepte. Et est-ce que j'ai un truc qui me dit quand c'est fini alors, Ou alors j'ai des erreurs sur la lecture, ça aussi. Uh... Alors, bind, basic, socket, acceptant. Uh, ça, c'est. Ok, ou alors c'est sur les sockets tout simplement que ça se passe. Enable connection aborted. Nope. Comment c'est que la socket est terminée Ok, donc boost, acceptor, socket closed. Alors, do you correctly close socket in boost? Basic stream socket close? Nope, nope, nope. Ah, uh, how to check if socket is closed? Ben voilà, uh, dans boost.asio. Uh, what is this? To check? Uh, the connection has been cleanly closed by the peer if you should get an underfile by reading. Ok, ça so c'est good, c'est la méthode classique. Just check for boost asio error on the file, error in your assigned receive with handler. It means the connection has been closed. Ok the only proper way to do this. Ok, donc on va pouvoir mettre un petit peu de debug de notre côté ici sur la session. Donc juste pour être sûr de, de bien noter le truc. Donc un petit STD. C'est euh New connection. Recid. Alors, oh, est-ce que je peux récupérer euh, Je dois pouvoir récupérer l'adresse IP, non Uh, Receiver release adoption. Uh, on n'a pas un get. Uh. Nope. Comment je peux choper le à partir de boost? L'adresse IP de la socket, enfin du client. Socket boost get IP address. Ah, tu gères boost IP TCP socket. Ok, du coup, socket io service. Socket de function, As function de remote endpoint. Ok, uh, remote endpoint address to string. Ok, c'est nickel. Un uh, remote endpoint address. The string et voilà on va faire ça comme ça comme ça on aura euh, c'était ok donc là j'ai balancé le debug donc là normalement si tout se passe bien je crée une connexion on devrait avoir un petit peu de debug qui apparaît euh... Allez. bad weak pointer oups bad week pointer ah ça c'est pas mal ça comme exception euh, ça ressemble à quoi c'est un Exception badwig pointer. Alors, euh, badwig pointer, c'est le type de logique qui est considéré un char PTR. De texte. Ok, donc c'est du char PTR qui pète un câble. Yep. Merci pour le follow, en fait, Mister Cubidev. Donc là, quand je balance ça, il n'est pas méga fan. Parce que je devrais faire un std move, je pense. std move de socket. Hop, on rebuild. On lance le serve, on se connecte. Et je prends. Regarde, tu fais quoi dans le start Ah, bonne question. Euh, dans le session start, euh, dans le session start. Oui, ça se trouve je fais de la merde dans start. Euh, dans start, je fais un do read et euh, je fais un async read en fait à partir du buffer. Ah oui, j'ai pas testé ça marchait mon truc, ça se trouve c'est pas c'est ah oui bah c'est d'où le pit pointer qui a été fait tout à l'heure. Ok, euh, parce que du coup ici dans le start En fait, c'est ça, c'est qu'il lui passait un sharp pointer. Non, surtout pas une fois que tu moves, tu valides en rêve, tu as un UM. Euh, ok. On attend. Donc là, on est d'accord. Donc là, il faut que je fasse un place back et ça, le std move, ça marche pas. Donc ma méthode là n'était pas mauvaise. C'est dans Dorid que ça pète. Ouais, ouais bah c'est ça, parce qu'en fait, je vois rien, mais je pense qu'effectivement, vu que j'ai pas testé le do read, c'est ça qui pète. Et euh, le Dorid, du coup, il fait un auto self sharp from 10. Et ensuite il fait un as5 grid et là il se prend une exception du coup avec un truc qui passe pas euh, à la base normalement ce qu'il faisait c'était un il faisait un make shared un std make shared session avec un std move socket et il appelait ça il passait ça et il appelait start à ce niveau là Mais du coup il faisait un pointeur euh, un shared pointer de, de ce que je vois ici euh, sur euh, sur la session est-ce que je devrais pas faire la même chose pour appeler la fonction start du coup? Est-ce euh... <laughs> que ça veut dire ici grosso modo dans mon service euh... Il faudrait faire un SCD make sure. De l'OIP session. Pour reprendre un petit peu de. Le... FF, ça, Merci pour follow, Art Police. Je suis en train de me misérer, mon machin, là. Euh, make shared, make shared. Make shared. Alors, ça construit un objet de type t, ça le wrap dans, dans, dans un sharp pointer en utilisant args, ok. Donc ça c'est bon. Honoré. ça fait le défaut de value juste type. Ok. Si je veux prendre un sharp pointer à partir d'un objet qui est déjà créé, c'est la mort, non Hmm, <laughs> hmm. Ça va de l'amour. Bon, donc du coup ouais, ils font appel au chat pointer, mais là moi je fais appel à ma session start et je pense que c'est ça qui pète. Et du coup effectivement quand j'appelle la session start, euh, vu que je respecte pas exactement le, le même type ici, sert quoi ton share pointer, dans tu le stockes pas Bah il... en fait je le stocke pas, mais il sert à appeler le start. Et il utilise justement il des références de pointeur euh, shared pour euh, appeler la méthode start et ça du coup. Euh... Parce que là, le, le problème, c'est que j'ai un weak pointer. Le bad weak pointer, donc si je me base sur euh, le weak pointer, c'est un smart pointer qui, euh, bah, qui ne, euh, ne, réf... enfin, ne s'approprie pas, en tout cas, le truc qui est, euh, la référence à un objet. Et ils disent qu il dit qu'il doit se convertir sur un short pointer pour accéder à un objet qui est référencé. Ok. Alors, weak euh, pointer et euh, sharp pointer, c'est les smart pointers en fait. Les instances d'un weak pointer peuvent pointer sur des objets de qui sont pour... qui sont euh, qui appartiennent à des instances de sharp pointer. Ok, euh, et donc il faut construire un sharp pointer et pas un weak pointer. Ok, c'est sympa. Par contre, comment on peut changer un, un type en sharp pointer c'est obligé de passer par l'instantiation, il permet de passer par autre chose. Et du coup, le truc, c'est que il fait un bad weak pointer. Pourquoi shared n'est pas unique euh... Là, en tout cas, il passe par du shared. C'est, encore une fois, du code exemple euh, qui est passé ici. Et on a un shared from this qui est euh, présent dans la session aussi. OK enable sharp from this from, attends, enable sharp pourquoi il passe par ça enable sharp from this Alors ça permet à un objet qui est géré par un sharp pointer de générer des instances sharp pointer OK ah bah parce qu'en fait on en, en arrière-plan il doit certainement travailler avec euh, je sais pas C'est assez bizarre Après là euh, De char pointer, bon, on a une base de, de, de serveur, mais bon. <laughs> Ça va. Euh, du coup, vu qu'on utilise un enable char from this. Alors. Donc il y avait des exemples fournis sur des sharp pointers, sur des classes notamment, des références à 10. Ça a l'air d'être particulier quand même. Après je pas rencontré ça souvent en C++. De mon côté, alors, je peux... Même... Je ne pas utiliser non plus très souvent les enable sharp from 10. C'est un truc. Que... Ok, bon. On continue. Donc là, en gros, on a ça qui est en place. Parce que la IP session, elle est créée ici. Et c'est le session start qui pète un câble. Parce que quand tu appelles le session start. Il fait un self de shard from 10. Et c'est là où ça pète. Euh, shard from 10. Alors, shard from 10. Euh, non, c'est pas enable shard from 10, c'est shard from 10. Euh, shard painter et shard from 10. Ok, donc j'ai trouvé 2-3 petits articles qui vont bien. Euh, <laughs> le shard from 10. c'est des smart pointers ça. alors le sort c euh, euh, résoudre ce problème il y a une fonction chart from 10 qui euh, crée de manière sécurisée des pointeurs partagés euh, sur 10 sans appliquer de, de blocs de contrôle euh, de manière à générer euh, à autoriser le chart from 10 il faut euh, dériver euh, hérité de std enable share from 10. Ok, donc on continue la fonction. Exemple concret, uh, share from ah, ouais, on peut retourner des pointeurs sur des instances d'objets. Ok. Et il faut qu'un chart pointer object doit soit créé avant que shared_from_this 10 soit utilisé. Euh, C'est ça le problème en fait. Uh, shared_from_this from 10 fonctionne. Donc là, est -ce que, si on bazar ça, est-ce que ça change quelque chose Si je vire le auto uh, safe chart from 10 à ce niveau-là, est-ce que ça bug ou ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas Ah, ok. Donc le self ici. Euh... Error. Self wasn't declared in this scope. Ok. Donc en fait, le fait de, de mettre de self shared from this. Ah oui, en gros, c'est. Ah, ok. Je piche pourquoi ça marche. Ok. Donc en fait, il déclare un self qui est. Euh... Une... Enfin, un truc self qui est euh, hérité de ça est-ce qu'on va dans les sessions.h euh, non c'est bon ouais. donc en fait oui, ça se fait de faire une, une référence à euh, ah, je pas y une référence euh, pour la session euh, et donc une référence à ici self qui est passant en paramètre et d'appeler du coup euh, le callback avec le 10 et ça permet d'avoir une référence de 10 sauf que on peut pas faire ça si on n'a pas créé un chart pointer déjà ok bon et donc il faut créer un chart pointer dans le service ici pour que ça passe. est-ce que, si... est que ça suffit que je fasse une référence à ce chart pointer Parce que là donc du coup je récupère une session et pour créer un chart pointer, je peux pas créer un chart pointer à partir d'un objet déjà instancié. create chart pointer, forme existing object. Uh, create Sharp Pointer from Reference. Uh, uh, ok, donc là ça veut dire que grosso modo il faudrait que je fasse un std Sharp Pointer de VIP session. Euh, coup de session, il y a un start de ça. Ça me paraît bizarre. Aucune instance de constructeur, cd, des session correspond à une liste d'arguments Les d'arguments sont vos session. Oui, parce qu'en fait, il, il fait une instantiation de vos obsession là. Et le mec shared. Ok, ça permet d'instancier, de wrapper. Ouais, c'est un peu la merde parce que du coup, faut je, je suis censé faire une instance de la session qui est wrappée dans la Sharp Pointer à partir d'une instance qui est déjà existante. Et ça, c'est pas. Ça marche pas, ça. Ok, donc si on fait un STD de WP session de session. Et qu'on appelle start. Est-ce que ça gueule en termes de compil Là, ça passe. Euh, si, gueule. Use of deleted function. Oh là, il, il pète sur le locateur. Merde. Parce que du coup, il fait une allocation. Ah, fu Mais, En fait, je suis dans la mise, là. Il faut que j'arrive à créer une instance de session qui est référencée avec un shared pointer. Euh, bah en fait, ce que je veux faire, c'est que, euh, je vais essayer d'expliquer de, de, ça plus en détail, mais la, la partie session ici, en, en gros, ton, ta session, elle est instantiée. Et ensuite, euh, quand tu appelles start, il fait un do-read. Donc, euh, quand, il, quand il fait un do-read, euh, il y a un premier truc qu'il fait, c'est qu'il crée, du coup, une variable self euh, qui prend en paramètre share from this de chart from 10 et d'après ce que j'ai lu en documentation du coup ça permet de, de définir self qui est passé ici euh, et qui va servir ensuite à définir 10 donc ça permet de faire de s'auto référencer en fait et, euh, et du coup te, tu fais ton propre euh, tu fais ton propre, ta propre référence sur l'instance ici de, de VoIP Session. Ce qui fait qu'en gros, après, quand tu as l'appel à doWrite à ce niveau-là, le 10 est défini et il est défini comme étant le pointeur sur cette session ici. Euh, et à partir de là, du coup, tu appelles la méthode doWrite pour l'objet en cours, euh, avec ce système de callback, de ce que j'ai pigé. Et, et du coup, euh, il est indiqué que quand on appelle ChartFromThis, from this, il faut que tu aies construit... Un sharp pointer pour l'instance de la session. Sinon, il n'arrive pas à le manager et du coup, ça pète un cap de ce que j'ai pigé. Et du coup, là, j'ai vu que j'ai pas créé de sharp pointer. C'est un weak pointer et c'est pour ça qu'il pète une erreur. Et là, j'essaie de forcer l'instanciation d'un sharp pointer à partir de ce que j'ai fait là. En fait, techniquement je sais que je pourrais faire comme ceci. Si j'enlevais le m sessions ici et que je faisais juste un truc comme ça et que je balançais juste un un std euh, c'était make shared de euh, vip session de std move de socket start euh, non ça devrait passer ce truc là ou c'est, attends c'était sharp pointer plutôt et puis, sharp pointer de start si Je fais ça, ça marche normalement. Euh, il gueule un peu. A priori, il me dit que j'ai des mismatchs de type euh, candidate template class class. Shared pointer. Euh, merde, qu'est-ce qu'il pète en plus? Il pète bien. Euh, error, c'était des moves. Ah oui, euh, c'est parce que j'ai pas mis deux points. J'ai mis deux points et du coup, la syntaxe était pas bonne. Donc là, si on fait un make. Putain, ça pète encore. Euh, pourquoi pas faire un vecteur de Shard Pointer Mais justement, je pense que c'est ce que je vais faire pour régler le, le problème. Ça sera, permettra de gérer ça plus facilement plutôt que de garder des vecteurs de session et de se retrouver emmerdé par rapport à ça. oui. Il y a juste que j'ai fait de l'adobe. Attends, je cherche ma... pourquoi j'ai fait de l'adobe. No Machine Function Call, ok. Donc c'est le Shard Pointer. Parce que je vais essayer de reproduire en fait ce qu'il y avait fait ici. C'était Make Shared, ok. En plus, j'ai fait de l'adobe. Ok. Donc ici, c'est un std. Make Shared. Donc là, non, ça c'est censé marcher. Au niveau compile. Yep. Et donc, quand je le lance, qu'on crée un netcat, qu'on tape Toto, ça arme bien Toto. Et j'ai bien le log ici, comme quoi ça, la connexion a été créée. Ok, donc on va faire ça, effectivement. Tu as raison. On va prendre le service.h. On va faire un standard vector de euh, std chart pointer de web session. Euh, alors attends, qu'est-ce qu il, il pète pour un câble euh, standard? Identificateur attendu. Ah c'est sharp PTR. Pff, quel idiot. Voilà Sharp pointer. Donc là j'ai fait un tableau de sharp pointer, ce qui me permettra dans mon service du coup, hop, de pouvoir faire. un... Et donc là on peut faire un std make shared. De vos IP session. Euh, STD move de socket. Mais là, par contre ça marche pas mon truc là. Ce qui va instancier un placeback, il va forcément m'instancier le truc. Il faut je fasse un pushback du coup là. Attends. Non parce qu'il m'appelle normalement. Il m'appelle le shard pointer. Bah oui c'est ça, en fait j'ai pas besoin du mecs sharp je peux mettre directement comme ça et il est censé passer. Ouais. Euh, par contre il faut que je mette des deux points, deux points, sinon ça marche pas. Et donc ça du coup, la VoIP session session.back bah, c'est un sharp pointer. Bon du coup si je mets un truc comme ça et que je veux faire la feignasse, je peux faire un truc dans le genre. Et comme ça, ça règle le problème normalement. Voyons voir. Ah, punaise. Il y a encore des problèmes. Ah Qu'est-ce que j'ai chié dans la encore. Euh, function for call. Uh, pointer. Ouais, en fait, l'appel à Shard pointer, il marche pas. Donc, si je fais un non place back, il va essayer d'instancier Shard pointer et Shard pointer, ça passe pas. Alors que si je balance un pushback de std, make shared, de VIP session. Et des move. Pushback d'ailleurs. Parce que du coup là on push un objet et il est déjà instancié. Normalement ça ça aurait marché mieux. Bon, c'est du pushback, c'est pas cool, mais bon. Euh, normalement ici si je me connecte. Ça marche bien. J'ai bien le même comportement, sauf qu'ici, du coup, j'ai ma session qui est, qui est démarrée. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi détecter quand la session est, est terminée. Euh, le problème c'est que j'ai aucune référence pour l'instant sur mon. Enfin, la session ne peut pas notifier le, le connection service qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. On peut au moins de gérer de, du côté de la session. cest que si jamais ici j'ai un async grid sum et qu'ici, euh, euh, et du coup ici. Il y a une erreur qui se produit euh, et qui me met un nano file. Normalement, ça devrait être bon. Ça, c'est le boost system error code. Ça, je devrais pouvoir trouver la doc sur le net. Sur le boost system error code. Merde. Euh. Oh. Chapter 5, boost.system. Ouais, mais. J'ai pas les erreurs code. Boost system error code. Est-ce qu'on a la liste des erreurs codes eh ben Non, forcément, c'était trop beau. Bon, a priori, en tout cas, on devrait se prendre un, une erreur euh, lors de la lecture de la socket et, euh, et ça devrait être ici. Donc là, else if EC est égal à. Bonne nuit, Manu Non, mais je, je galère, hein, mais j'avance doucement. Dame erreur code. Est-ce qu'on a une noms là-dedans Ok, error code, super. Euh, boost système, error code. Alors, euh, error code. Cherche dans the file. Il n'y a pas. Ok, je m'attendais à ce qu'il pète une, ce qui me retourne un code d'erreur pour l'end of file. Alors, boost, Alors, TCP socket Error code. Boost Error Code Reference euh, Error Code Asio Error Ok donc là on a euh, connection reset Timed out Shutdown Donc on a les Asio Error apparemment azio Ok. Alors, boost asio. Par contre, j'ai pas d'erreur code. Euh, il me dit ici azio error. Ah, erreur basique, erreur. Ok. Alors là, typiquement, on est censé avoir le. Connection aborted et connection refuse Connection reset. Ok, bon, c'est ça en fait. Donc, c'est dans le fichier qui s'appelle Error Codes. Ok, on va intégrer ça. Session.h. Tu es ici. Voilà, boostasio errors.hpp et on va ici chercher donc gustazio erreur ah, on avait dit connection reset uh, c'est std connection reset by peer On va voir si ça suffit pour euh, gérer le truc. Euh, boost Azure Error. Ça, comment ça, euh, Boost Azure Error, ça n'existe pas? Ah oui, c'est ma faute. Je peux mieux laisser d. Des... Ok, donc là on build, ça doit build impeccable. On teste avec le truc. Je me connecte. Je coupe la connexion, ça ne suffit pas. Il n'arrive pas à détecter, notamment dans le read. Si jamais j'ai un problème. Bon, de toute façon j'ai pas trop traîné non plus. Hein. Bon, en tout cas c'est un bon début. C'est pas parfait du tout mais bon. Franchement pour un petit serveur TCP déjà, j'arrive à piger un peu comment fonctionne Boost et c'était une, une bonne prise en main. Euh, par contre de connection reset. Sinon si je mets comme ça, on va mettre pour plus tard. c'est juste avec un S, ouais, c'est ce que je fais justement. Euh, et puis j'ai pas mis de debug non plus dessus, hein, histoire de pas se prendre la tête. Ok, connection reset by peer. Donc là c'est good. Après on peut faire un petit peu de... Un petit peu de d'affichage. Error. je c'est... Uh, on va voir avec ça si ça change un peu. de prendre plus de détails sur l'erreur. Euh, Asio Misc 2. erreur Asio Misc 2. Mm -hmm. Alors, enough file. Apparemment. Donc là, si je mets un end of file plutôt, if EC est égal end of file, voilà. connexion terminée. Ouf, il n'en veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait euh, EC. Ouais, il n'aime pas du tout, parce que je lui pas dans un niente et euh, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il met ici Système error, c'est 1, Alors, euh, boost system error code, ok. Ça, ah, c'est le error end of file, ok. Donc, on va utiliser ça. On pas loin. Boost Azure error. End of file. Là, un petit coup de mec. Il aime beaucoup mieux. Ok, Connection Visible pire. C'est bon. C'est juste Connection Aborted. Euh, Peut-être, on peut essayer. Hein. Connection Aborted. Mais je pense que Connection Aborted, c'est vraiment le. Voilà. On peut essayer Connection Aborted. Mais je pense que c'est vraiment end of file, en fait. Comme quoi, il a pas réussi à lire. et euh... attends, c'est mieux si je lance le truc on fait une connexion dessus non c'est end of file c'est bien ça Voilà. ça c'est la connexion qui a sauté Donc maintenant on va pouvoir la supprimer j'arrêterai là dessus parce que maintenant si j'arrive à, li à lister les connexions maintenir les connexions en place savoir quand est-ce qu'on ont est déconnecté etc c'est cool Ok, donc là, end of file, connection reset by peer. Ça veut dire ici que la session, quand elle se termine, il faut que je prévienne le, le service que ma session est terminée. Alors, est-ce que c'est nécessaire de pré... de... que ce soit le service qui le gère euh, Je ne pense pas. Euh, je pense pas que ce soit... Est -ce que est... En fait, la question, c'est est-ce que c'est préférable que ce soit le service qui gère les connexions et euh, qui gère le dispatch sachant que c'est pas lui qui gère le dispatch lui il gère juste euh, le connection service il gère que l'accepteur en fait il gère que la, 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 la socket en écoute et les sessions qui viennent ensuite il crée des sessions mais il faudrait qu'il remonte des sessions à votre part dans un autre, euh, dans un autre objet, euh, dans une autre classe qui elle euh, va pouvoir gérer euh, tout ce qui rentre, tout ce qui sort au niveau session et, et les, les événements qui se produisent sur les sessions pour un session manager en fait on va faire un session manager On va se faire un petit session manager, Et puis après j'arrêterai une fois que j'aurai développé ça. Hop. On va se faire notre petit session manager. Hop, donc public. Session manager. Donc lui, par contre, ce qu'il va prendre de session manager, il va lui falloir une référence sur le service. Euh, parce que du coup, euh, le session manager... Ah non, c'est le service qui va prendre les session managers. Et le session manager, il doit connaître les sessions. Donc, il va falloir include, include session.hh pour avoir ici accès aux sessions. Donc, le session manager, bah, il gère juste la session. Il n'y a pas besoin de plus. Euh, je vois pas ce qu'il faudrait lui passer en rab. Euh, en private, du coup, ce qu'il va faire, c'est que lui, du coup... Euh, bah c'est lui qui doit maintenir l'état des sessions actives a priori. Donc euh, c'est lui qui va faire le vecteur et on va migrer ce qu'on avait mis dans le service sur la liste des connexions actives en fait, c'est lui qui va la gérer, ce qui va nous permettre de... Ah fu que j'ai fait, non on va le refaire ça par là. un vecteur de std sharp pointer sur vos IP sessions. Et sessions là il gère les sessions actives ça normalement c'est censé marcher euh, vecteur et c'est std vector du coup moi euh, bon, il gueule pas trop mais, mais quand même et ensuite dans les méthodes publiques il y aura fort qu'on puisse lui dire coucou on veut enregistrer un une nouvelle session On va faire une petite méthode register session dans laquelle on va lui passer un std sharp pointer sur une voie IP session. Ok. Et un unregister session std sharp pointer. Donc là, il va gérer l'enregistrement, le désenregistrement des sessions. Puis c'est lui qui gérera aussi, du coup, le dispatch. Et euh, tout le truc qui va bien. Et comme ça, ça permettra d'éviter les problèmes. Euh, ok, donc on va se baser là-dessus. Petit point de règle ici. Euh, par contre, le SharePointer, le Vector, tout ça, il ne voit pas. Alors, on le stream. Je pense pas que c'est ça, ça qui change grand-chose. Bon. Hop. Ok. Alors, le std shared, std shared pointer. En fait, c'est le vecteur qui passe pas. C'est bizarre cette histoire. Euh, dans la source, on rajoute un fichier qu'on appelle csmgr.cc. Hop. On inclut csmgr.hh et on appelle la classe session manager session manager pour l'instant on va rien faire ensuite euh, void session manager register session avec euh, ce qu'on avait prévu à savoir ceci Tac. Sessions du bug de session. On ajoute la session dans la liste des sessions managées. Ok ça c'est bon et on va faire l'opération inverse sur le unregister unregister du coup euh, pour retirer ça de la liste euh, c'était non pushback alors dans le vecteur faut... je peux je dois pouvoir... non, trouver l'index et virer un truc qui est placé c'est pop back. C'est vrai qu'il faut qu'il prenne une faute paraître. Il prend le dernier élément de pop back ouais, c'est ça. Donc, euh, par contre, pour trouver le euh... get allocator insert. Il oh, faut que je fasse un iterator et je le vire. Erase. Is... Et là, je lui passe euh, du coup le position iterator pointing to element to be raised. Ok. Et bien dans ce cas-là, on va faire ça. On suit vers la session. Il n'est pas méga fan. Hein? Alors, connaissance fonction surchargée. Alloc avec TP shield. Oh, je fais de la merde. Attends, euh, sur du vecteur Ah c'est ça. En fait, Il faut lui prendre. C'est un itérateur, effectivement. Le raise, il prend l'itérateur, la position de l'itérateur. Faut que je trouve l'index au pire. Mmh, mmh, mmh. euh un code JSX aurait Euh OK donc on fait un begin avec un itérateur qui va bien. OK. Alors bon du coup Alors rimoussions sur une liste of sessions donc là hop. du coup fort que je fasse un, un erase là-dessus. Donc il va me falloir un itérateur, tout simplement. Donc on va faire un for std vector int iterator. Et it, qui va donc être avec msessions.begin. Donc on démarre sur le début d'itérator tant que it est différent de M Dans ce cas-là, on passe au truc suivant. Tac. Euh, ensuite, si. Alors. normalement je dois pouvoir déréférencer l'itérateur si it est égal à session par contre n'y va pas être d'accord parce que it c'est un standard vector INT bah c'est standard vector sur un standard shard pointer de vos IPC sur Alors déclaration attendue. Merde. Euh, begin. Ok c'est ça. Hop. Donc si it's a session dans ce cas-là, il faut raise. Ah mais attends je prends pas le Alors, si je fais une suppression de la valeur. Pois, pois, pois. Iré, ça retire un élément d'une range d'éléments. Ok, c'est ça. Pas ah, la position. Ah, oui, la position, c'est un itérateur normal. M. Session.erase de hit. Mais normalement, ça devrait être bon, ça. Break. OK. Uh... Item found in session. Ok, donc là j'ai le register session, un register session. J'ai mon session manager. Donc, du coup, dans mon service.cc, il faut que je lui passe un session manager du coup. SMGR.hh. Manager. Hop, service session manager. Ok, donc le service.h, on va rajouter ici. station manager. Session manager. Donc là, non, je dois pouvoir faire un truc comme ça. Hop. et donc ensuite new connection received on passe ça on va passer par m session manager on voilà, register session de ce truc là Session. Toc, toc, toc. Hop. On enregistre la session. Ah oui, oui. Euh, en plus je ne suis pas sur le chat, j'étais parti dans mon truc. Euh, ouais, ici auto c'est utile totalement. Ouais. Euh, pourquoi STD shared tu veux pas? Euh, make shared, auto session, std. de fuck. Alors, créer un objet utilisant by sharp pointer. Oui. Ok. Euh, cool. Merci. C'est ce que je voulais. Oui. Mais pourquoi il pète un câble sur l'auto On va faire start Station. Ça on verra après. Pourquoi il me pète un, un bouleur là pour le CD J'ai une référence. <laughs> ok, ah, quelqu'un. Oui, effectivement. Référence sur le smart pointer, c'était pas, ma... pas smart, justement. Ok, donc là, du coup, ça passe le bon truc. Et on devrait avoir une session enregistrée avec le session manager. Qui va dire, hop. Ah, out Je vais juste un petit peu de debug au passage. Pour tracer le truc. Histoire de bien piger comment ça marche. Dit, out Hop. Euh, toc, toc. ok et là c'est pas MC, si bon. euh, donc ça c'est good normalement donc ça veut dire que dans le main du coup quand j'instancie mon connection service il faut que je me presse un session manager hop on va inclure ça Euh, je passe ici normalement, il est censé avoir. Un... Aucune instance du conseil ne correspond à liste d'arguments. Les d'arguments sont session manager, boost Inte. Et... Hmm, ça sent la, le truc cyclique, ça marche. Bah écoute, garde ça pour euh, la surprise. Je vais voir si je m'en sors. Euh, donc, j'ai un session manager SM ici. Euh, du coup, dans mon connection service, je vais déclarer comment machin. J'ai dit que je voulais passer. Attends, attends, si je, je passe pas en rêve, qu'est-ce qu'il va me dire Il va commencer à me péter un câble ou pas De toute façon, là, il fait aucune instance du constructeur. C'est une erreur très chiante pour les rouiller en C. Ben ouais, ouais, non, mais t'inquiète. Je doute pas. Et tu devrais son session manager. Ça tombe bien, je suis rouillé, il faut que je me dérouille. Attends, euh, que je me plante pas. Que... En mon avis, c'est un truc sur la. Ça a l'air de puer du cul sur la partie session service, pardon, ici, euh, à ce niveau-là. Là, si je lui passe un session manager en référence. Euh, je refroidis. Ouais, t'inquiète. Bien, je ne pas retrouvé. Euh, session manager, du coup, lui, il a rien au niveau du constructeur. Voilà, voilà. Non, ça, c'est juste qu'à chaque fois, tu mets des parenthèses et voilà. <laughs> Bah du coup, normalement ça devrait marcher. Euh, donc le session manager fonctionne. Donc on va voir si ça passe maintenant. Est-ce que ça bide déjà mon histoire Est-ce que j'ai des erreurs qui pop ou est-ce que c'est. Alors j'ai des putains de warning mais ça. Alors euh, M session manager, il me dit que c'est pas initialisé. Pareil pour l'acceptor. C'est normal, c'est une référence qui est pas. Euh, oui, effectivement. Par contre, j'ai une undefined référence pour session manager. Session manager. Alors, attends, euh, session-manager, session-manager, function, connection-service, new-session, define-reference, session-manager, register-session, ok. Alors, ouais, pas forcément, ça, s'appelle des couilles. Euh, session-manager, session-manager, donc ça, c'est mon constructeur qui est ici. Euh, tu dois forward déclarer le... Mm -hmm. Attends, qu'est-ce que j'ai fait du coup, dans, dans mon main, euh, j'ai bien mis le session manager. Dans la déclaration du session manager, j'ai bien mis mes deux fonctions qui étaient mises dessus. Je euh, dois pouvoir déclarer la classe. Et pourquoi, non, pourquoi il, il veut pas ce que normalement, c'est. Bon, je sais que ça ne pas les problèmes, mais. Donc, c'est l'édition de lien qui pète. Euh, Défait d'influence, session manager, register session. Okay, donc là, il connaît pas ma classe, au grosso modo. Ou alors, c'est non, bah non, mais je suis con. Mais hop, Parce que j'ai pas mis de session manager ici, en fait. Si je le demande pas de compiler, il va y avoir des problèmes, forcément, pour l'édition de lien. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Hop, c'est juste que je fais. Euh... Donc là, new session register, Toto, Toto, Titi. Elle n'est pas start, c'est normal. Euh, du coup, vu qu'elle n'est pas start, c'est pas cool. Il euh, faut qu'on fasse un start session manager. Euh, session manager.h. Poum. Euh, Void. Start session. Et on lui passe la session en cours. Paf. C'est juste pour qu'il puisse démarrer la session. Voilà, on le fait directement dans le registre session, comme ça c'est réglé. Hop. Euh, session manager, register session, pushback session, et ensuite on fait un session start. Et, euh, et puis c'est bon. Ok, euh, on relance le truc. On balance notre petite connexion. Toto, Titi. Connection with by peer, et par contre, j'ai pas linké sur le non-register là-dessus. Je suis con aussi. Ça veut dire ici que grosso modo, j'ai mon session manager, j'ai register ma session. Le problème, c'est que la session qui est créée, elle n'a pas de référence sur le session manager. Il faudrait qu'elle sache quand même qu'elle est sur ce session manager. Donc, il faut que je modifie la session pour lui faire mapper sur le session manager. C'est pour la web session TCP socket, et on va lui passer un session manager. Elle euh, permettra de dire coucou, on a merdé euh, void. Du coup, ici encore une fois, session manager M manager. Ok, donc dans session.cc, ici M manager de session manager et ici session manager session manager normalement on doit être bon sur la partie de déclaration euh, et donc ici manager un register session et de je dois pouvoir passer le self normalement 10 si j'ai bien compris euh, n'existe pas de constructeur avec okay, ben, le self Euh, ok, Bien, on va voir si ça marche mieux. Est-ce que ça build déjà mon truc Aïe euh, no Register session self, no matching function for call, VIP session, euh, con standard, sharp pointer, vp session. Ok. Euh. Attends, faut que je déréférencie truc ou quoi Alors self, ça ne marche pas. Sort du lurk, le temps de te fêter une bonne fin de stream. Merci, durs. Non mais là je misère un peu. Alors 10 c'est un pointer c'est pour ça. Oui oui non mais 10 c'est un pointer. Mais normalement le self c'est un... une ref qui marche bien. Euh, Est-ce que le self c'est celui qui est utilisé. Attends. Parce que là grosso modo ce que j'ai passé c'est euh... il dit grosso modo que je lui passe alors candidate unregister session int. Ok cool merci. Et là je vais passer un SD share pointer sur une web session mais il n'est pas fan parce que c'est pas ce qu'il cherche. uh Vibe session was not declared in this scope. OK bon déjà il y, y a un problème là-dessus c'est que il a pas web session déclaré dans le session de manager. OK donc session manager.h Attends je crois que ça ça pue le session qui inclut le session manager.h. Et session il a plus le session manager qui inclut le truc OK bon. Euh, parce que donc, dans le fichier inclus dans session.h, session manager, web session, il n'est pas déclaré. Parce que, parce que quoi bah Parce que je vais faire un truc qui, qui loupe. Et ça, ce truc qui loupe, c'est pas cool. Parce que du coup, j'ai un, une session qui est. La session manager qui est déclaré dans la session et la session qui, le session manager qui utilise des sessions. Donc quand j'inclus celui-là, il inclut session, il inclut session, bon celui-là il est déjà inclus, mais le session manager il n'est pas déclaré. Ah oh, punaise. Euh, bon, Alors, notre solution c'est de juste préciser dans le session manager... Je sais pas si ça, ça sera suffisant pour ma bidouille, mais bon. Alors, euh... ouais, forcément, il aime pas. Alors, ah, voix obsession. Ah, ok, bon, là, c'est des putains, c'est les inclusions circulaires. Ah! J'ai un session manager, c'est que j'ai mal foutu mon truc, c'est des sont une référence vers une autre passer par des pointeurs, peu références. Oui oui non mais même passer par des pointeurs c'est de la merde, parce qu'au final je ne peux pas déclarer le truc. En fait la session euh, fait référence à un session manager, il faudrait qu'elle repasse par le service en fait, pour euh, pouvoir référencer. En fait le service lui possède de référence vers session manager. Ici donc session manager lui, là euh... okay. ouais, ça serait plus simple en fait ça serait que le service du coup euh, que la session quand elle est créée est référence de service, sachant que la session et le service sont totalement décorrélés. Donc en gros j'ai pas besoin du dans le service on fait appel à la session, session manager. OK. Et le, session... le service utilise un session manager et il n'utilise pas de session en fait. Il n'y a pas de VEP session là-dessus. Donc ça ça saute. Ok c'est ça. Donc le session manager il passe... Le service utilise la session manager. Et il faudrait que la session elle connaisse le session service. Ok, ben c est, c est, on va régler le problème. En fait, c'est pas le. Il va falloir lui passer le connection service, en fait. Et ça, on sait qu'on peut l'avoir. Hop. Euh, et. On va lui mettre ça comme ça. Hop. Ce qui fait qu'elle le connection service on peut l'inclure ici. Hop, virer session manager. Hop. On refait le session.cc. Du coup, c'est le m service. Et ça, c'est un connection service. Ok, et là du coup, on va passer par le service. Et le service, il va avoir... Ah Ouais, mais le service du coup, il doit avoir le même truc. Putain, c'est la merde. Parce que le service, il va avoir la session. La session va référencer le service. Ah putain, c'est la, même... la même merde. Ça ne va pas du tout. Donc, je vais le session manager. Après, on va passer par des pointeurs, sinon c'est moins cool. Euh, ce on fait, les deux classes auto référence et ça, c'est pas cool. Donc, ça veut dire que c'est mal foutu. Ça veut dire que j'ai mal foutu mon, mon truc, et du coup, je vais pas avoir le choix que de. Que ce soit le service qui gère ça, quoi. Parce que là, quand je crée, je passe par le service qui fait un registre session sur le session manager. Et le session manager, du coup, quand il registre sa session... Il oui, est 12h12, pas trop traîner non plus. Alors session, session manager, ok, session manager, ok, session manager, il inclut le session, ouais, c'est ça, il faut une IP session ici parce qu'il registre des sessions. Sauf que celui-ci... La VP session elle dé elle est déclarée juste après. Et je ne peux pas la déclarer ici. Est-ce que je peux déclarer une... Euh... Alors c'est plus. Alors est-ce qu'on peut... En class forward declaration, est-ce que ça marche ah. Alors, du coup, on va faire une déclaration sur session manager. Uh, Classe de VIP session. Mais du coup je peux pas les définir comme ça Mais du coup le session manager vu qu'il est juste référencé par la session ça devrait marcher parce que lui le session manager il est juste référencé par la session Donc là j'ai juste à faire un class session manager ici sans inclure le session manager et ça devrait régler le problème alors m service se bah declared ok j'ai fait de la merde sur le session.cc M service non c'est pas M service ça c'était le connection manager c'était le manager. Euh, session manager pardon Alors, je fais de la merde je fais de la merde euh... ok là c'était le M manager qui veut ça ah. Voilà. Ok, est-ce que ça marche mieux Même service 2025. 25. Le type classe incomplet. Station manager n'est pas autorisé. Oh fuck. Parce que là, ouais, j'appelle une fonction de ce truc-là, quoi. Oh putain, c'est une prise de tête. C'est une prise de tête avec des dépenses circulaires là-dessus. En fait, j'ai un, une session qui, enfin, un, un service qui crée une session et qui a un session manager qui veut référencer et ça, ça tourne en boucle. C'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que la session du coup as la prévention du service ah, ta une cata alors t'as pas créé la fonction sur session manager non, session si si si, si. Euh, le problème c'est que j'ai créé la fonction euh, mais c'est que euh, pour des questions d'inclusion euh, plus simple euh, j'ai défini la classe session manager sans inclure la session manager donc effectivement il n'arrive pas à voir comment appeler la méthode parce qu'il a pas des informations sur la sur, le, sur la classe mais pour la partie déclaration c'était suffisant il me semblait mais non ou alors faut que je lui passe un pointeur vraiment une référence sur un session manager et qu'après je déréférence mais même comme ça il va pas réussir à faire en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai un, une, une dépendance circulaire et ça, c'est un truc qui fait toujours chier. C'est quand on a un truc comme ça. C'est un problème de conception en fait, plutôt qu'un qu problème de. Donc en gros, ce que j'ai, c'est que j'ai un. J'ai le connection service qui est le, le serveur en fait, hein, le, le connection service. Hop. Le connection service, lui, il crée. Euh... Il crée des instances de euh, VoIP session. Et il a aussi une référence sur le session manager. Et le problème, c'est que VoIP session, il faudrait qu'elle puisse aussi relier là-dessus. Là, on voit clairement qu'il y a un problème avec les, les trois qui se, qui se tournent ensemble. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour que je puisse créer des VoIP sessions sur le connection service, il faut que la session soit inclue ici. Hein, donc session.hh. Donc ça faut que ça soit inclus, plus la partie manager. Donc le manager ici. Et pour que lui l'appelle la, la manager, bah faut qu'il inclue aussi le manager. Donc ça veut dire ici que là on a une inclusion de manager, une inclusion de manager et un lien entre les deux. Ça c'est pas bon. Et ça fait que mon truc merdouille. Donc so soit je migre les l'un ou l'autre, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le, le VIP session, l'idée c'est qu'il fasse un callback sur un autre truc pour, euh, pour dire coucou euh, je ne suis pas là, mais alors, soit ça ne doit pas être dans le Connection Service, mais il faut cette information pour instancier les sessions, donc c'est pas top. Euh, soit je fais un singleton à côté qui gère ça, et comme ça ça arrête tous les problèmes. Et euh, en fait, le VoIP Session, euh, le Connection Service, il n'a pas à, à utiliser le Session Manager, et VoIP Session, il trouve son Session Manager, qui est un singleton, et il est au besoin. Les euh, ouais, trucs, et là, donc là, du coup, on met un singleton. Tac. Et ça règle le problème. On a une, une globale, en fait, un truc un peu plus propre qui permet de faire de faire ça tranquillement et, et de gérer les sessions de manière globale. Ça, dès, que la session est un, et même, dès que la session est créée, hein, pour être même plus simple, on la l'enregistre directement avec le, avec le Session Manager en singleton. Ouais, c'est ça, c'est ça. On faire comme ça. Ça va être parfait. Donc, Session Manager en singleton. C'est parti. Session Manager. De toute façon, le constructeur, il est... Il est tout pourri, donc hop, on va mettre ça en private. On va se faire une petite euh, statique. Un petite statique get instance. Euh, non. Hop, session manager. Et en private, on va se garder un session manager. M-Instance, qui sera mon instance courante. Euh, oui P Session, du coup, euh, le Session Manager, il peut avoir accès à IP Session, oui. On va, on va gérer ça autrement. Sachant que. Euh, alors, attends. Si j'ai le Session Manager qui en. Euh, qui est pas référencé par le service. Du coup, le euh, session manager, il va récupérer la session et la session va récupérer la session manager. Et j'ai encore le même problème. Ah, bazar, c'est juste pas possible. Même en foutant en singleton, ça arrive pas de problème. Voilà. Ça, c'est un problème de design en fait à la con. Puis là, avec l'heure qu'il est, je vais pas réussir à régler ça de suite. Après, le session manager en singleton, c'est pas plus mal. Ça règle le problème. Enfin, ça, permet, ça permettra assez facilement de récupérer le, le truc qui va bien. Euh, par contre, pour enregistrer des sessions, de vos IP sessions, il faut pas que ce soit la vos IP session qui enregistre. Il faut que ce soit le service qui enregistre la vos IP session. Donc, le service registre la vos IP session et la vos IP session et qu'est-ce qu'elle fait Ah ben non, si elle inclut le session manager, c'est la mort. C'est la mort. Comment on va s'en sortir avec ce truc Attends, je me suis mis dans, un, dans une merde avec euh, l'architecture du soft là. Il y a forcément une, une solution, il y a forcément une issue. Parce que le truc, c'est que le problème, c'est que la, il y a que la session qui peut déterminer quand elle est déconnectée. Il faut qu'elle puisse report en disant coucou je suis déconnecté euh, il faut que tu me que tu fasses quelque chose et le souci c'est qu'elle ne veut pas le faire parce que si c'est une classe qui un objet qui doit créer la session en se passant en référence bah, ça veut dire que du coup, je me tape des références circulaires à tout va. Oh, punaise! Comment je vais m'en sortir de ce truc-là? Alors. Euh... <laughs> oh. Alors, c'est plus c'est vu, déclaration of classes. Alors... Ah yes, ok. Je vois. Si on fait un truc comme ça, est-ce que ça marche Après, que ce soit en, en singleton ou pas, on s'en fout pour l'instant. Si je mets un classe VIP session, et ici, je fasse un include session.h, ça permettrait de définir. ce truc là mais j'ai pas des références ok c'est ça qui me regarde ici dans session manager il faut que j'enclique les sessions et dans les sessions il faut que je fasse à sa classe session manager session manager.h c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui pète Constructeur, uh, constructor manager business after, OK. Alors, le Basic Stream, Basic Stream socket. Different reference to obsession. Ok. The clean. Okay. Error. No matching focus for comfort. obsession. Bags are garg. Ok. Alors, obsession. Session manager session manager Hop. et réglé alors, est-ce que ça marche mon truc euh, Toto, session de register, yeah, j'y suis arrivé, youpi avec le forward déclaration, etc. Merci pour, pour le follow, à beau uh Non mais m'en suis sorti, euh, juste la mort, mais je m'en suis sorti. Session de register, on là, si je vais avec une session de register, Toto, session de register, donc là, c'est bon. Hop, euh, c'est good, j'ai le session manager qui marche, et ça, c'est good. Donc le session manager qui marche, après on peut passer en singleton, sans flou, de toute façon, peu importe, mais le euh, Session manager en tout cas, euh, lui il arrive à enregistrer les sessions et à déregistrer les sessions lorsque on a le truc. Alors la solution pour mon petit mon petit souci c'était de passer par une format de déclaration sur le session manager, euh, session.h, en déclarant le session manager juste avant pour qu'il puisse être référencé et ensuite en incluant la classe du session manager qui prend en fait, euh, qui redéclare la classe, qui, qui, qui complète en fait le type, et qui permet lorsque ça inclut dans le session.cc, et eh bien d'avoir la classe session manager qui est euh, totalement définie, et qui permet de, de et ça ça marche bien, et ça évite du coup la dépendance euh, circulaire, et ça c'est good. Donc là on arrive à faire un reset by peer, on arrive à unregister notre session, et tout va bien. <laughs> Merci pour ton tir euh, VPedro non, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il euh, commence à se faire tard et demain il faut que je me lève et tout ça, hein, comme d'habitude. Mais on a une bonne base de travail déjà sur le serveur TCP, euh, on a un système qui gère les connexions, qui permet de savoir euh, quelles sont les connexions qui ont été créées, quelles sont les connexions qui ont été perdues, donc tout ce qui est euh, création de nouvelles connexions, perte de connexion. Euh, maintenant ce qu'il va falloir faire avec le Session Manager du coup c'est euh, gérer tous les données entrantes et les événements qui se produisent pour ensuite de le gérer plus facilement. Ouais, la structure est là, on a un bon, un bon truc déjà. Euh, je pense que j'ai pas mal miséré avec euh, Boost et ses euh, petites caractéristiques, ses petites spécificités sur la gestion asynchrone notamment, parce que c'est ça qui met le bazar. Hein. C'est vraiment la, la gestion asynchrone des, des connexions qui, qui fait en sorte que bah, du coup il y a des références avec des sharp pointers et tout le bazar. Mais euh, on a déjà un bon truc en tout cas qui. Donc après, il faudra juste la, la suite c'est de travailler sur la session VoIP pour euh, qu'elle puisse tout simplement gérer le, le protocole de communication et euh, gérer une machine à état en fait tout simplement à l'intérieur. Donc quand je reçois des datas, je regarde euh, quelles sont les datas, est-ce que, est que ça matche le protocole, est-ce que c'est bon, etc. Et je viens mettre des... Euh, tout simplement notifier le Session show manager que bah il y a eu des nouvelles des nouvelles informations côté mise à jour. Et on va voir en, ensuite un système de pub sub qui permettra de d'avoir de, des tout un ensemble de classes qui vont être appelées dès que une, une frame de données audio sera reçue euh, pour faire tous les traitements en fait euh, de signaux. Le euh, traitement donc avec le le pourquoi pas des filtres qui vont être appliqués, euh, toute la partie transmission et les mixages, et l'envoi ensuite aux différentes sessions. L'idée c'est par exemple qu'on puisse dire au session manager bah écoute, euh, tu envoies euh, tel paquet. Tel, tel tel paquet qui reste, qui correspond à ce protocole là euh, à tous les à tous les clients enfin tous les tous les sessions sauf celle euh, celle en question et, euh, et ça va être forwardé directement donc après franchement là c'est ça avance doucement on dirait pas comme ça mais, mais on a quand même bien bien bossé euh, fera documenter tout ça mais je suis content de moi du coup d'avoir réussi à utiliser la lib boost quand même et avoir euh, euh, construit sur la base de, de l'exemple donc euh, voilà ça, ça avance tout doucement. Et puis effectivement, je suis rouillé en C, ça fait un bail que j'en ai parfait. Et, euh, mais du coup, ça revient quand même euh, ça revient doucement. Voilà, voilà. Bon. Eh ben. Moi, sur ce, merci d'avoir suivi le live, enfin pour les, les 26 viewers qui restent, hein, ne vous inquiétez pas, enfin, j'ai de la moyenne mais on s'en fout. Euh, merci d'avoir suivi le live, c'était super cool. Merci à toi Zuritard pour, euh, pour ton, ton aide, en tout cas pour le dev, c'était bienvenu. Euh, ça m'a permis d'aller un peu plus vite sur certains trucs. Et puis ben, du, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des, du dev du, du serveur VoIP. Euh, et euh, normalement, je m'attends à ce que la semaine prochaine on puisse vraiment s'attaquer au protocole de communication et que bah, toute cette partie tambouille maintenant de, de boost, bah, j'ai plus trop à la gérer. Et euh, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Euh, voilà, bah écoute, euh, bonne soirée à toi avec bonne soirée à, à vous. On se retrouve euh, jeudi, du coup, donc après-demain, euh, pour la suite de, des aventures avec le router Wi-Fi qu'on a jet-briqué la, la semaine dernière. Et donc, on va pouvoir essayer de d'installer un U-boot maison. Euh, et voir un petit peu comment on peut le, le construire et euh, il nous restait donc euh, même à pas une bougie des bêtises on va pas installer une maison, on va installer un OpenWRT maison euh, qu'on va construire pour la board et on va essayer notamment et eh bien de de customiser ça et euh, d'avoir un truc OpenWRT qui marche et à mon avis on n'est pas très très loin d'y arriver donc ça va être à mon avis intéressant euh, voilà, bah, sur ce je suis totalement KO, donc je vais aller euh, me reposer. Euh, je vous laisse... Euh, Est-ce que c'est la peine que je fasse un raid à cette heure-ci euh, Je vérifie juste s'il n'y a pas de, de protopote en ligne, non je suis tout seul, donc euh, bah, tant pis. Il n'y aura pas de raid, en plus je suis totalement claqué. <laughs> Et puis on se retrouve bah, jeudi pour ceux qui veulent voir la suite euh, des aventures avec le router Wi-Fi, puis sinon euh, mardi prochain pour les interphones. Euh, sachant que bah du coup ouais c'est la rentrée, j'ai rien prévu, bref c'est un peu à l'arrache en ce moment, je vais essayer de mettre ça un petit peu au clair euh, pendant ce week-end. Ah, ouais ouais bah le ça serait ça serait vraiment cool si j'arrivais à faire tourner dessus. Voilà, bah, écoutez, bonne nuit à tous. Euh, bah comme d'habitude, hein, soyez curieux il y a plein de trucs, et puis on se retrouve bientôt. Allez bye!